foule. Faut voir les côtés positifs. Romano. Ouais, on va vidanger plus que prévu. Ah ouais. Marie. Sensuel et tout. Cédric. Samy. Ah, va masturber ton chien. Karim. Et avec l'autre main, je mets des watts. Guigui. Qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. C'est la plus grande radio libre de France. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, Radio Libre en direct sur Skyrock, vous êtes là, nous aussi, ça tombe bien. Bah profitez-en pour passer une belle soirée. Mais oui, l'équipe s'installe, bonjour, bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, salut. Vous êtes bien installés, en tout cas branchés sur Skyrock, c'est l'essentiel. Skyrock, la plus grande Radio Libre de France en direct. Ah putain. Avec vous de toute la France. M'a tapé l'autre bâtard. Qui c'est qui t'a tapé? Cédric, il m'a foutu un gros coup de compresseur sur l'épaule. J'ai l'impression d'être, vous savez, en cours. Ah, t'es ouais, t'es professeur, ouais. Il m'a touché ma coupe de cheveux. Il m'a baisé la clavicule, ce connard. Ouais, il m'a tapé dans ma coupe de cheveux. Il t'a tapé dans ta coupe de cheveux. Ah ouais, cette coupe 39-45, faut pas y toucher. Non, c'est la coupe italienne, celle-là. Tu t'es trouvé carrément. Italienne, mais italienne d'où? Italienne Mussolini, tout ça. Ça rappelle des souvenirs à 39-45, pareil, même chose. Pareil. Bon, bonjour à vous. Vous devriez nous appeler dès maintenant. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous voir en forme ce soir, j'espère. Puis s'il y a un truc qui va pas, vous avez le droit d'être là aussi. Profitez-en. On va tout faire pour que tout se passe bien. Si vous avez un petit souci, un truc dont vous voulez nous parler, vous n'hésitez pas. Vous avez l'appli, le 41-759 et le skyrock.fm. On salue tous les nouveaux. Bonjour à Pauline. Bonjour à Flynn. Bonjour au Dragon Débridé. Bonjour à Jazz. À Yaya qui vient d'arriver. Bonjour à Calou. Bonjour de Marseille qui nous dit Calou. Bisous à toute l'équipe. Et on salue Eric de Marseille qui a gagné 14 000 euros de Martigues, même précisément. 14 000 euros du côté de chez toi, Samy. Juste à côté, les voisins. Et juste à côté, Martigues. C'est les temps de Berre, tout ça. C'est ça. C'est la ville de Marouane du 13. Il habite à Marseille. C'est la ville de Marouane du 13 où ça baisse dans tous le les sens. Le baiser fou. Oui, c'est oui. Ça. Une ville arrosée par l'argent de Skyrock et arrosée par le sperme de Marouane également. C'est ça. Martigues. On salue GM Prod qui est là également. Bonjour à Correctement. Il y a KDR. Enfin, voyez les messages Team aussi. Salut Cosmonaute. Ouais. Les messages arrivent Mina également. Bonjour Mina. On fait des gros bisous. Les messages arrivent directement dans le studio, donc vous pouvez réagir à tous les moments et en direct. Il y a Charline qui nous demande comment on fait pour passer à l'antenne. D'Ifoule, dis-moi. Ah bah c'est facile, tu nous laisses un message, bah comme t'as fait là. Voilà. Tu laisses juste ton numéro de téléphone et tu nous dis de quoi tu vas nous parler, de quoi tu vas nous parler ce soir. Allez-y, vous aussi, vous avez la parole, profitez-en, prenez-la. Et toute l'équipe est là, évidemment. On a commencé par Samy, bah tiens, on commence par le sud. Samy, en direct de Marseille ce soir. C'est ça, les gars, il fait à peu près, franchement, 28 degrés, je pense. Ouais, la calme, mais au moins, 27 degrés. J'ai regardé, il faisait 21 degrés. Mais surtout à cette heure, 21 seulement, soleil, ouais. 21 degrés à Marseille. Ah ouais, putain, je vois. À Marseille, il avait une compète de culturisme. Ouais, je suis encore en slip, Romano, figure-toi. J'ai mis du cirage un peu sur le visage. Marseille, gros. J'avais un culturisme. Je te jure. Bon, pas du tout mis en slip. Tout se passe bien, Samy? Tout va bien, les gars. Il y a eu du vent tout le week-end. C'était la misère. Et aujourd'hui, le vent est tombé. Mais putain. Et t'as gagné la compète ou pas? Bah là, je suis encore en slip. Les résultats arrivent, Karim. Ah ouais, t'as mis au jus quand même. J'enverrai des photos. Il y a une autre compète ce soir aussi. Je crois qu'on va la faire avant 10h parce que je les vois chaud, nos deux clasheurs. Et oui, c'est le clash de la drague qu'on retrouve tout à l'heure. Cédric et Romano, salut Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va, tranquille, pépère. Tu avais on nous envoyer une belle photo de toi devant une patte. Magnifique. Eh ouais. Bah ouais, non, mais c'est une story que j'ai faite vendredi, je crois d'ailleurs. Putain, t'as la gueule en biais, je vois. Bah, c'est une capture d'écran, tu sais. J'ai vu ce week-end, Cédric, il était avec des stars, il était avec Lil Burke. C'est quoi? Non, Lil Durk. Lil TJ, rien à voir. C'est un américain qui est à Paris, m'ont appelé, m'ont dit tu veux venir manger avec nous. Je dis oh, pourquoi pas, allez. C'est qui ça? C'est Lil Burke. Je connais pas Lil TJ. C'est Lil Burke. Lil Burke. Ouais, c'est une star montante à New York. Lil Burke, non? Non, Lil TJ. D'accord. Lil Burke, couillon. Comment vous l'appelez Lil Burke? Couillon. C'est lui qui bloque là. J'ai vu Lil Burke. Non, c'est Lil TJ, connard. Là, il est archi connu aux États-Unis. D'accord. Mais il avait fait un titre avec Pop Smoke d'ailleurs. Ok, très bien. Bah, il en fera plus du coup. Bah non, pour le coup, non, il en fera plus. Non. Bon, bonsoir Cédric, bonsoir Romano. Ouais. Bonsoir tout le monde. Voilà, vous entendez tousser, on parle de smoke, et ben voici la marque. Oui, désolé, je sors de Mazad. Mazad. C'est l'essence, c'est mal passé. Ouais. C'est chez moi, c'est pas une ZAD. J'ai fumé tout le week-end, alors, je suis défoncé. Non, du goudron. En buvant du gasoil. Ah ouais, tranquille, ouais, sacré week-end là. Donc bonsoir Romano, bonsoir la Marie. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Allez-y, appelez-nous. Et bonsoir Karim qui est déjà au téléphone avec vous. Bon appétit Karim, ça aide à bouffer. Merci, ouais, j'ai mangé en balle. Salaftorik. Merci, Roya. Salaftorkum. C'est ça, très bien. Oui, bon appétit. Hein, d'ailleurs, si vous êtes en train de bouffer ce soir, quoi que vous fassiez, vous pouvez débarquer ici en direct sur Skyrock. Profitez-en. Bon, je vous parlais du clash de la drague. Est-ce qu'on a déjà les deux méthodes du clash de ce soir?
Bon, ouais, moi j'en ai une, ouais. Moi je choisis, moi. Moi j'ai une méthode rapport avec l'alcool. Ah. Je dis, ouais, je suis un peu bourré, c'est ce jour où je vais pouvoir baiser ta femme, tellement elle est comme. Oh le bâtard. Il va donc, d'ailleurs, la femme ou l'homme, suivant sur qui je tomberai, hein, tu vois. Oui, on baisse tout dans le clash. Ah ouais, bien sûr. L'essentiel, tout ce qui bouge. C'est le clash de la drague, on va voir si ça se passe. Tout ce qui bouge, ce qui est majeur, ça passe à la casserole. Les dragueurs fous, les dragueuses fous, n'hésitez pas. Tiens, salut Panda qui nous écoute d'Espagne, vous pouvez nous appeler du monde entier hein, avec l'appli Skyrock, vous nous écoutez partout. Profitez-en. Et puis laissez-nous les numéros pour les doubles appels, parce qu'on fera aussi les doubles appels ce soir. Donc on va récupérer les numéros que vous nous laissez. Si vous voulez qu'on mette quelqu'un en contact avec quelqu'un d'autre, eh bien vous pouvez y aller dès maintenant avec pareil, l'appli de Skyrock.fm, le 41759. Vous nous dites juste qui c'est, vous laissez le numéro. Et nous on teste tout ça. S'ils sont joignables, on les mettra tout à l'heure dans notre double appel. Profitez. Bon, on a Clément là pour démarrer la soirée avec nous. Clément, il est où? En direct du 78. Salut à toi Clem. Salut Clément. Bienvenue Clément, t'as passé un bon week-end toi? Moi ouais, ça allait. T'as fait quoi ce week-end toi Clément? J'étais en famille, j'ai rien fait spécial, j'étais pas très beau dans le 78. Oui, c'est vrai. ça dépend. Ça. Oh, hier, ça allait. Hier, c'est beau, hein. Ouais, hier, ça allait. Ouais. J'étais sur une terrasse. Ouais, c'était pas un temps de ouf non plus, mais. Ouais. Non, mais j'ai du soleil, quoi. C'est samedi, en région parisienne, allez. Samedi, il n'y a plus toute la journée. Ouais, samedi, c'était abominable. Ouais, samedi, ouais. Abominable. Angoisse. Après, on gèle, ouais. Il fait pas 45 degrés comme à Marseille. Ah ouais, les gars, c'est pas les 5. Donc, en famille. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais des week-ends en famille, toi, Clément? Tu te fais chier, non? Oui, déjà, oui. Non, mais c'est normal. T'as quel âge, Clément, toi? Moi, j'en ai 15. T'as 15 piges, c'est un enfer. Quoi, c'est un enfer? Ah, les repas de famille, moi, ça m'angoissait. Oh, tu sais, après aussi, moi, j'aime pas les repas de famille. Non, mais après, quand t'as tes cousins et tout, ça va. Ouais, mais même, ça fait chier. Ah non, moi, je préfère un petit comité avec mon père et ma mère, ça suffit. T'sais, non, mais ouais. Des fois, tu te fais chier, tu sais, tes parents, ils t'annoncent, ouais, tiens, on va manger en famille. Des fois, t'as pas un cousin qui est là ou. Ah, ça dure 3 heures. Et tu te retrouves qu'avec les vieux, ouais, tu te mets à table. Ouais. Tu sors de table, il est 16 heures, tu sais, t'en peux plus, en fait. Après, ça peut être rigolo, hein, si t'as un tonton bourré qui se met à. Ça t'est déjà arrivé, toi? Qui moi? Non, moi je me faisais chier, moi c'était un enfer, moi. Moi je déteste les repas de Noël et tout ça, c'est. C'est long. Ah, moi je trouve ça trop long, moi. Ah ouais? Ah, c'est bien. Bah c'est vrai, ça commence super tôt, ça finit tard, gros. Non, mais même maintenant, tu vois, moi j'aime bien bouffer, mais rester à table trop longtemps, ça me gave. Déjà, au bout d'un moment, ça m'écœure, les plats sales. Les plats sales. Là, faut les enlever. Non, mais par exemple, quand je vais au resto, il faut vite me débarrasser l'assiette, parce que tu sais que mon assiette vide pourrait me faire dégueuler au bout de 5 minutes. Ah ouais? Ah, je suis obligé d'appeler. Ouais, je sais pas, j'appelle le serveur, vous pouvez me débarrasser, ça m'écœure. Il y a deux solutions. Vous débarrasser, ou vous m'amenez un seau et je vais. Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai. J'imagine le mec. Mais même à la maison, hein, tu vois, je débarrasse direct. Je sais pas, ça m'écœure en fait. Ah ouais, c'est marrant ça. Une fois que j'ai bouffé. C'est un problème psychologique ça. On peut nous parler de nos problèmes psychologiques, on a tous. Hein, Sans doute. On a un nouveau de Romano, je le connaissais pas celui-ci, dis donc. Ouais, mais les assiettes vides m'angoissent. Monsieur le serveur, venez débarrasser Romano, allez. C'est trop tard. Eh oui, c'est loupé. Tu vois, un soutien pour les repas de famille, Clément. Tu vois, Romano non plus, il aime pas là. Ouais, c'est sympa. C'est pas son truc. Ouais, tu te sens soutenu. Repas de famille, t'aimes bien toi, Guigui? T'as bien aimé les repas de famille? En fait, on en fait pas tant que ça, nous. Faites pas de repas de famille? Bah, on fait des repas en petit comité. Ah, Guigui bouffe sur ta boulet dans son coin. Ah ouais, tu sais bien. Le marginal. Je suis tout seul, moi. J'ai dans un coin de la pièce, je me sais que ça marquait. Non, mais sûr, on en fait vite fait, mais on fait jamais de grands repas avec la famille. Avec la belle famille, les trucs, les machins. Non, on en fait jamais, en fait. Ah ouais, bah, c'est bien, parce que c'est vrai que. Donc, j'évite ces trucs-là. Ces longs repas jusqu'à 17h, je les ai pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça commence à 13h, ça commence à midi avec l'apéro, à 13h, après tu commences à bouffer, puis après ça dure. Tiens, en fait, ouais, t'as le plat, il y a un plat qui arrive toutes les 2h, quoi. Et tu te dis, putain, mais ça va se finir à quelle heure? Tu es trop sensible, Romano, nos DJs. Et il y a le PQ qui dit, tu as raison, Romano. Rien ne traîne quand il a fini de manger, lui. Autrement, non, c'est mais pareil. Non, mais par exemple, s'il y a du pain, en fait, c'est quand je viens de finir mon assiette, ouais, ou l'assiette de quelqu'un, des fois, t'as à table comme ça et tu gardes ton assiette. Et moi, je sais pas, ça m'écœure un peu au bout d'un moment. Assez rapidement. Ouais, je te remercie, Top, de m'envoyer ton assiette vide. Hein, ça va pas me faire dégueuler à travers une photo. Hein. C'est quand c'est devant moi. Ah oui, Top du 66. Elle est bien dégueulasse, ton assiette. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as bouffé, moi? Je sais pas. Si crade. C'est du vomi. J'ai bouffé du vomi. Ah ouais, du vomi. Bon ah ouais, appétit, Tom. Vous pouvez nous envoyer vos photos avec l'appli Skyrock. Hein. N'hésitez pas, vous branchez sur l'appli, vous téléchargez votre appli, elle est gratuite. Et vous nous envoyez toutes les photos que vous voulez. On aime bien voir vos têtes, notamment le soir. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous branchez. Je viens de me brancher sur l'appli. Ah oui, je me demandais ce que c'était.
Eh oui. C'est quoi cette radio? Skyrock. Ah ok. Voilà, quelle belle voix. Je connais pas. Non mais c'est super. Tu vois, c'est une radio, elle cartonne. Ah ouais, c'est quoi la fréquence? J'ai jamais entendu. Bah, sur l'appli, tu n'as pas besoin de fréquence. Ah d'accord. C'est ça. Côté pratique. Directement sur l'appli. Bon Clément, toi tu veux nous parler de quoi, Clément? Dis-nous tout. Bon, en fait, moi je. Parle bien dans le téléphone, Clément. Ouais, ce que j'allais te demander, ça résonne. Ah, t'es peut-être en train de chier. Ah non. Ah, bah ça résonne autour. Donc, mets bien ta bouche vers le téléphone quand t'entends bien. Ou enlève, là, peut-être enlève ton haut-parleur, mec, ou tes écouteurs. Et dis-nous de quoi tu veux nous parler, Clément, dis-nous tout. Là, c'est bon? Non, c'est pareil, mais bon, écoute, on t'entend encore. Ah, peut-être un peu mieux. Alors. Okay. Bah, en fait, moi, mon gros problème, c'est que bah, j'ai pas beaucoup de potes et que, en fait, là, j'essaie de m'en séparer parce qu'ils ont des délires. Enfin, ils critiquent les jeux de personnes, que les personnes qui ont rien demandé, quoi. Et moi, ça me pose un problème, quoi. Ah, t'aimes pas qu'ils critiquent les autres gens? Ouais, c'est ça. Ah, bah, ne traîne pas avec moi. Ah, ouais, traîne pas avec nous, gros, parce que. Ah, ouais. Romano adore critiquer les autres. Ah, ouais. moi, je reconnais, je suis loque de pute. Ah, mais Difool aussi, de temps en temps, t'aimes bien. Hein. Ouais, il y a des gens que j'aime bien critiquer. Ah, moi, tout le temps, moi. Non, mais c'est vrai que c'est marrant. Moi, je faisais ça au bahut. Alors, toi, t'aimes pas les gens qui, comme ça, sont, en fait, le problème, c'est qu'ils critiquent, mais ils critiquent des personnes qui sont handicapées ou. Ah ouais, non, mais ça se fait pas. Ça, par contre, c'est pas bien. Ah, cool, ça, c'est pas bien, ça. Ah non, mais là, je suis d'accord avec toi, moi non plus. Oui, ça, bah oui, logique. Ça, j'aime pas, ça. J'aime pas qu'on critique les autres parce qu'ils sont pas comme nous. Au contraire, j'aime bien les gens qui sont différents. Tu vois, les gens qui ont une différence. Non, mais en plus, c'était. Ouais, non, mais c'est bas de critiquer un mec qui a handicap. Ou, tu vois, c'est abusé, oui. Ça, c'est un peu à chier. Oui, c'est oui. Bah, prends, si tu veux te moquer, prends son handicap pour rigoler 5 minutes. Tu vois, tu fais. T'as raison. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, je te soutiens, Clément. C'est des sales, tes potes. Ouais, merci pour vos messages. On l'entend mal. Tu leur as déjà dit que t'aimais pas le délire? Attends, on va arranger le téléphone. Voir, là. Parce qu'on se fait critiquer, là. Il y a Emeric, Team Roro qui nous dit on l'entend mal, le poteau. Ah, il finit son petit popo. On va le reprendre et peut-être chier, le spano de dire. Il est timide. Hein. Bon, ouais, non, mais moi non plus, ça j'aime pas. Après, bon, critiquer les autres, c'est vrai que c'est rigolo. On a tous. Je sais pas, quand t'es dans une bande de potes et que t'as une autre bande de gens au bahut, bon, souvent tu traques l'autre bande. Parce que forcément ils sont pas dans ta team et tu peux Oui, puis c'est bon enfant, c'est pour faire des blagues, tu vois, faut pas que ce soit des trucs perso. Oui, tu vas pas aller traiter la daronne d'un des mecs ou un mec qui a perdu quelqu'un ou un handicap ou un truc, ça, y a des trucs qui se font pas, tu vois. Bah, après des blagues, bon. Donc après bon, on va revenir à Clément. Alors, dites-nous si vous aussi hein, vous êtes un peu langue de pute et si ça vous fait rigoler d'être langue de pute, vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire. Toi t'aimes bien critiquer Romano, hein. T'aimes bien toi. Je dirais même que c'est une de tes passions. Un de tes sports préférés. Passe-temps favori. Non, mais c'est marrant de critiquer des gens qu'on connaît pas. Par exemple, tu vas sur la plage. Ah, mais même des gens que je connais. Moi, je critique tout le monde, à vrai dire. J'adore, en fait. C'est rien à foutre. C'est une passion. Non, mais Cariole, là-dessus, on s'est bien trouvé parce que on adore chier sur les gens. Oui, c'est vrai que ça peut être marrant. Mais voilà, non, mais après, ouais, comme on disait, les gens, oui. Après, on va pas aller se moquer d'un mec, je sais pas, qui est en fauteuil roulant ou qui a un handicap. Ouais, puis tu le fais pas en face. Ouais, non, ça. Non, mais même pas en face. Jamais. Ah non, mais je te parle pas d'un handicap. Tu te moques des gens, par exemple, j'adore me moquer de Cédric, tu vois. Ah non, ouais, mais ça, il me lâche pas, ça. Non, mais sauf si t'as un pote à toi, par exemple, si tu connais un mec qui va être, par exemple, en chaise roulante et que lui-même se charrie et t'as le droit de charrier. Oui, non, mais quand tu le connais, bon, de toute façon, comme on dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Exactement. Il y a un beau message que nous envoie Dragon Débridé. Il nous dit ils sont handicapés du cœur, tes potes. C'est le message de Dragon Clément, tu vois. Et peut-être aussi un peu du cerveau. Oui, Clément. Alors, tu ne fais vraiment aucun effort avec ton téléphone, par contre, Clément. Ah oui. Bon. Ouais. Ah, il est dégoûté. Ah, c'est pas mieux, merde. Ah là, c'est mieux là. Alors toi tu nous disais que t'as pas beaucoup. Ah bah c'est mieux, on l'entend plus du tout, Cédric. Bravo. Ah mais il a pas parlé là aussi. C'est, oh, c'est grave mieux là. Oh, c'est mieux quand tu te tais. Tu nous disais, Clément, que t'avais pas beaucoup de potes à la base et que les potes que t'avais, ils te conviennent pas parce qu'ils se moquent. Bah faut leur dire. Bah pourtant j'essaie de leur dire. Mais genre c'est par exemple. C'est quoi les moqueries? Ouais, donne-nous un exemple d'une moquerie qu'ils ont fait sur un mec ou sur une meuf. Oui. Bah on est en cours de sport et ils disent bah regardez il sait pas courir ça ou il sait pas dessiner ou des trucs comme ça en art plastique et tout ça. Mais c'est ça, c'est à propos de personnes qui sont handicapées, qui ont un handicap. Ouais c'est ça. Oui, ils sont assez cons. Hein, ouais. Oui, c'est cons, oui ça c'est sûr. Oui. Ah, et si tu leur dis moi j'aime pas ces délires. Bah, la plupart du temps, ils me disent après, laisse-nous, c'est notre truc de blague, tout ça, quoi. Ouais, bon, bah, c'est peut-être que vous êtes pas fait pour être ensemble. Bon. Hein, ah ouais, loin de toi. Hein. Quand t'as des délires qui sont pas communs avec des poteaux. Vous aviez beaucoup de potes au bahut quand vous étiez au bahut? T'es en quelle classe? T'es au collège ou au lycée, Clément? Moi, je suis au collège en 3e. Ouais, parce qu'on nous disait, c'est plus qui nous disait ça, qu'il y aura du changement de ouf. Tiens, c'est Emeric qui nous envoyait un message. Il nous dit, il a 15 ans, s'il passe au lycée l'année prochaine,
il va avoir le changement de ouf. Ah, ça a rien à voir, ouais. C'est pas pareil, bah, pas pareil bah, au lycée. C'est très bien, ouais, ce serait bien. Comme ça, moi, je pourrais peut-être me faire des vrais potes, quoi. Et bah, des potes, on est au mois d'avril, donc mai, juin. Ouais, ça va vite arriver, ouais. Mais des fois, tu dis. C'est sûr, c'est sûr. Tu dis pas, des fois, c'est peut-être toi le mec relou, parce qu'apparemment, ils s'entendent tous entre eux, il y a que toi qui. Bah, justement, c'est pour ça qu'il faut quitter la bande. Bah oui, justement, pour ça, c'est très chouette. Mais déjà, de base, si t'as pas beaucoup de potes déjà et tu vas quitter cela, gros, t'en auras plus du tout. Après, c'est vrai que l'année prochaine au lycée, tu vas peut-être faire plein de nouveaux potes. Hein. Ils seront plus matures l'année prochaine. Tu trouveras, ça changera, ouais. Tu trouveras de vrais potes. Moi, je critique les gens à la télé comme la connasse de leur boulot. Pourquoi tu dis ça, la Zémise? Elle est mignonne, leur boulot, elle est sympa. Les mecs qui je critique aussi les mecs qui commentent les matchs de foot sur Canal. Et je critique également Jean-Luc Reichmann. Bon, eux, ça leur fait pas de mal. De toute façon, ils t'entendent pas. Et puis, tu dois pas être le seul à y critiquer. Ouais. Bon. Non, mais puis ça fait partie du jeu. Je pense que quand t'es exposé médiatiquement. Ouais, non, mais un mec comme Jean-Luc Reichmann, il se doute bien qu'il y a des gens qui le détestent, quoi. Oui. Ah bah oui, mais tout le monde même. Non, mais peut-être pas tout le monde le déteste. Non, mais tout le monde. Ah, non, mais genre tout le monde. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais après, toi, il y a peut-être des gens qui te détestent. Ah non, bien sûr. Non, mais après, c'est la vie, tu vois. Ouais, il y a des gens qui me détestent. Bah sans doute, hein, tu sais pas. Mais peut-être qu'il y a des gens qui t'aiment pas, gros. Ou pourquoi moi une personne qui t'aime pas. Va savoir. On peut pas plaire à tout le monde. Et pourquoi je plais pas à tout le monde? Bah, tu as physique très agréable, mais bon. Oui. Pas avoir des gens qui n'ont qu'un goût, tu vois. Ah, voilà, des gens qui n'ont qu'un goût, très bien. Ah, la réponse. Je vous demandais, vous aviez beaucoup de potes quand vous étiez. Mais t'as combien de vrais potes je poserai la question à l'équipe et puis à vous qui nous écoutez là dans un instant. T'as combien de vrais potos, toi, Clément? Bah, en vrai, j'ai un vrai pote où je me confie et je lui dis tout ce que je sais. Enfin, bon, ça, déjà, c'est l'essentiel, ça. Oui, c'est ça. Après, mieux vaut avoir un vrai pote que être mal accompagné, quoi. C'est ça. Comme, ouais, comme dit le poto Rico, 28 ans, qui dit. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Traîne pas avec des âmes noires, c'est nocif, ma gueule. Ah, d'accord. Non, mais c'est le conseil de. C'est Médéline qui mange derrière, à tout le monde. Ah, c'est vrai, c'est Cédric, moi j'ai. Ah, ouais, non, c'est pas moi. Tout le monde dit, c'est quoi ce bruit? Oh, tu es vilaine. Elle bouffe. Oh, très bouffe. Tu es monstrueuse. Tu vois, Romano, tu critiques. Tu parles mal de Médéline alors que. Quentin, elle me regarde en plus. Elle te regarde comme une conne, ouais. Tu vois, tu critiques Médéline alors qu'elle peut pas te répondre. Bah, elle peut, si, elle peut me mordre. Ouais, mais elle est gentille. Elle peut te niquer ta race. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Mais tous ici, elle nous nique nos races. Ouais, mais elle est gentille, tu vois. Ouais. Un très beau chien. Oui, elle comprend rien, quoi. Ouais, mais t'es pas gentil de lui dire qu'elle est vilaine alors qu'elle a rien fait. Elle est vilaine. Ouais, je suis pas belle. Vous avez vu, là, si vous êtes sur. Si vous avez l'Insta à portée de main, Insta du Morning de Difool, allez voir la photo de Médeline. Une monstruosité. Magnifique. Avec ses lunettes. Ouais, très intellectuelle. Lunettes. Contrairement à son père. C'est ça, ouais. Hein, contrairement à rien à voir avec moi. Ah, t'es belle, toi. Oh, la fifi. Ouais, bon, l'essentiel, ouais, tu vois, c'est d'avoir au moins un bon vrai pote. Et puis t'as d'autres potos. Enfin, tu vois, t'as un vrai pote. Ouais, c'est le principal. Mais t'as d'autres personnes avec lesquelles tu traînes. Parfois, toi, Clément. Bah oui, bah justement, le problème c'est que je traîne avec eux, mais ils critiquent justement les personnes, quoi. Ah d'accord, mais ils sont tous. Tout le monde critique tout le monde. Tous dans le même. Bah, après, c'est un peu leur délire, quoi, aussi. Non, mais dites-leur de critiquer. Non, mais après, des gens, critiquer, il y a critiquer. S'ils se foutent de la gueule des gens, je sais pas, de télé-réalité ou des trucs comme ça, oui, ça peut être marrant. Ouais, ça. Après, critiquer des gens qui ont un handicap, c'est un peu con, tu sais, en plus, c'est même pas marrant, quoi, tu vois. Ah, mort, si tu veux te foutre de la gueule de, je sais pas, d'une meuf ou d'un mec en fauteuil roulant, par exemple, tu vois, ou qui a un handicap, c'est vrai que c'est même pas drôle. Ouais, c'est ça. Parce que tu regardes la gueule de Maëva Guénam, elle a un handicap visuel, en parlant. Ouais, et puis cérébral également. Ouais, cérébral aussi, donc. Il y a pas que ça, ouais. Mais bon. Non, mais tu vois, elle, je dirais, elle a pas un truc. Elle a pas une tare ou. Non, puis c'est rigolo. Ouais. En fait, c'est quand c'est rigolo. Bah, te moquer de quelqu'un qui a un handicap, moi je trouve ça pas rigolo. Moi. Bah non, ouais. Bah ouais, c'est pas grave. Sauf si, comme je t'ai dit, c'est ton pote et qu'il accepte et qu'il se fout de ta gueule. Ouais, sa gueule, pareil. Voilà, ouais. Tu vois. Oui. Mais c'est vrai, sinon. Oui, aussi. Sinon, c'est vrai que c'est pas drôle. Je vous demandais donc dans l'équipe, vous aviez beaucoup de potes, vous, quand vous étiez au Bahut, ou alors est-ce que vous êtes parti d'un crew ou d'une bande moi, de. Moi, franchement, j'étais assez fidèle dans la même bande de potes et il y en avait pas énormément. Peut-être, je vais pas dire peut-être 5, tu vois. 5 bons potes et c'était toujours les mêmes, tout le lycée, tout le collège. Non, alors moi, pareil, un peu pareil bon que bon ça. Pote, j'avais 3-4 vraiment vrais potes. Non, 4, tu vois, après, bon, je sais pas, quand on tapait des soirées, on allait au bar et compagnie, et on était peut-être une dizaine, tu vois. Mais il y a des mecs avec qui j'étais quand même un peu moins proche, tu vois. Bah, moi, on s'entendait bien, mais c'est pas des mecs, c'est pas des genre des frérots, tu vois. Nous aussi, on était un petit noyau de 4-5 potos, et puis autour de ce petit noyau, il y en a qui venaient avec. Non, moi j'avais un pote, un vrai pote. Après les autres, non, c'était des amis. Ouais, tu vois, des amis, pas des potes, des vrais potes, tu vois, c'était pas des refs. Mais comme je me suis fait virer de plusieurs bahuts, à chaque fois je devais changer, me refaire des nouveaux amis. Ah bah oui, forcément. Tu vois, ça c'est relou. Ça c'est l'inconvénient de se faire virer des. À chaque fois tu dois te faire des nouveaux potes, tout c'est relou. Et Cédric, tu as des amis. Ouais, j'avais des amis. Il y a plein de potes, Cédric. Non, au quartier on avait des potes, tu vois, une dizaine, quoi, peut-être. Ah ouais, des vrais potes, quoi. Non, des vrais potes, après t'as toujours un.
T'as dit quoi? C'est quoi je crois que tu l'as choqué là. Tu suçais tes potes. Casse-toi de là, il est fou lui, mais t'es baisé. C'est pour entretenir l'amitié, Cédric. Ouais, non, non, leur entretenir la bite. Non, t'es plus sur les meufs que sur les mecs, désolé. Mais tu sais que moi ça m'est déjà arrivé. Je suis sympa. Non, 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 mais au centre aéré, gros. Tu sais, le centre aéré, on y allait le mercredi, gros, quand on n'avait pas école. Et avec des potes, on jouait à cache-cache. Et un jour, on rentre dans des chiottes en jouant à cache-cache. On trouve un mec en train de sucer un autre mec. Voilà, dis pas mon âge, gros. Voilà, dis pas mon blaze. Mais deux potos. Ouais, deux potos, ils se suçaient. Tu les connaissais ou pas? Je les connais, il y en a un, je le vois souvent. Voilà, dis pas mon blaze. Celui qui se faisait sucer, je le vois souvent. Est-ce qu'il fait partie de la radio libre? Tu l'as? Non, tu le fais. Sinon, je peux le mettre en contact avec un ami à moi. On va pas dire de blaze, les gars. C'est Cédric. Casse-toi. Ah, on en apprend de belles. C'est pas lourd. C'est beau, ça, Cédric. Je te jure, c'est Cédric. Jamais de la vie. Et toi, Guigui, toi, t'as un gros groupe de potes, non? On est, ouais, 6-7, quoi. C'est pas énorme, hein, mais c'est des bons potes. Et que j'ai depuis, putain, depuis collège. Enfants de cœur, comme toi. Non, pas d'enfants de cœur. Alors, il y avait beaucoup de mixité dans ce groupe. Et non, c'est cool parce que du coup, on a pas bougé depuis, ouais, depuis genre la 6ème, 5ème. Ouais, enfin, c'était pas il y a si longtemps non plus. Bah, connard. Non mais c'est vrai, non, mais tiens, Marie, l'agression qu'elle te fait. Connard, hein. Non mais c'est bien de les garder comme ça, des amis. Moi aussi, je dis pas Marie, des fois, elle a des craquages. Non mais ça fait pas si longtemps, bah, bah. J'ai pas eu l'impression de t'agresser. Elle est agressive, ces temps-ci. Ouais, mais parce que je lui ai volé une bière, Marie. Hein. Ah ouais, t'as vu ou pas, les affaires, t'as dit une seule, hein. Ouais, parce que bon, je me connais. Non mais quand même, ça fait 10 piges, ça date un peu. Ouais. Mais non, mais c'est des belles amitiés. Ouais, c'est cool, ouais. Moi je suis content, quoi. Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça empêche pas de pouvoir s'embrouiller avec les gens quand. Ah oui, bah bien sûr, ça arrive. Dans ça. Le groupe, ah oui, ça c'est possible. Non, mais Clément, je pense que ça va changer. Tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, Clément? Parce que sinon, l'idée, je sais plus qui nous disait ça, mais vous êtes plusieurs à avoir dit sur le collège et le lycée. C'est vrai que quand tu vas aller au lycée, ouais, ça a rien à voir. T'auras déjà de nouveaux potes et puis tu verras, ça change un peu. Non, mais puis souvent les groupes ils sont éclatés au lycée, tu vois. Entre là ils sont peut-être tous dans ta classe déjà au lycée. Ça va se répartir. Tiens, moi il y avait 5-6 secondes différentes, donc moi il y a plein de potes. Bon, on est restés potes, mais forcément bah tu te fais des nouveaux potes qui sont dans ta classe, quoi. Parce que les emplois du temps ils correspondent pas forcément. Exactement, donc ouais. Tu fais des nouvelles connaissances. Bon, en même temps, toi c'est pas une grande perte non plus. Si les mecs, bon, ils passent leur temps à se moquer des gens qui ont des problèmes, bon. Mais il faut pas se moquer des profs par exemple. Nous on rigolait sur la gueule des profs. Ouais, je sais pas, enfin je sais pas. Parfois, non, parfois ils le font aussi. Ah, ou alors t'as peut-être pas du tout le même humour qu'eux. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. On va dire ça comme ça. Je préfère ton humour à toi, Clément, toi. C'est plus rigolo de se moquer des profs. Bah ouais. Bah oui, c'est sûr. C'est classique. Bah ouais, vous aviez des profs, vous vous foutiez de la gueule de vos profs, vous? Bah moi, celui qui était biglouche, là, ouais. Ah, mais ça, c'est pas gentil. Ouais, mais non, mais il rigolait, après ça allait, il avait juste la cataracte. C'est la peau qui pousse devant les yeux. Et après, il s'est fait enlever sa cataracte et il voyait. Ah, la pleure de lynx. Il voyait super bien après. Ah, ouais, il voyait de ouf. À travers non, mais même, il avait une voix, tu sais. Il est pas comme ça. Il avait même la gueule, tu sais, il avait une tête de savant fou, il avait une grosse moustache blanche, tu sais. Sa grosse lunette. Des... Bon, en même temps, il avait des culs de bouteille, tu sais, ça lui déformait les yeux et tout. Le mec, c'était. Mais le mec, c'était. N'empêche que sans le savoir, c'était un mythe dans l'école. Tout le monde nous a dit qu'on arrive au lycée, ouais, si vous avez ce prof-là, vous allez trop rigoler. Effectivement, on a trop rigoler, quoi. Mec, pas loupé. Captait rien, tu sais, il arrivait pas à brancher les trucs. Bon, après, c'est pas bien, mais. Vous êtes enculé. Non, mais c'est un peu comme ce qu'on disait sur les gens de télé, tu sais, quand t'es prof, tu sais très bien qu'il y a des élèves qui vont se foutre de ta gueule. Bah quoi. Oui, c'est parti. Dites-nous si vous avez des profs rigolos, là, dont vous pouvez nous parler ce soir pour vous moquer, là. Allez-y, on vous attend en direct. Sinon, vous critiquez qui? Moi, je critique les politiciens, des escrocs, des menteurs. Bon, on va dire pas tous, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, même. Enfin bon. Si tu peux, tu vois, t'as le droit de te foutre de la gueule des politiciens. Hein, parfois, ils nous en font tellement morfler. Moi, c'est Pascal Pro, il est insupportable. Ah, ouais, ouais. À ce moment-là, tu le regardes pas. Tu vois. Moi, tu sais, je regarde jamais. Par exemple, CNews, je mets jamais dessus, ça me donne envie de vomir. Tu vois, c'est comme toi quand tu regardes une assiette, Romano. C'est ça. Oui, une assiette vide, quoi, que je viens de manger. Hein. CNews, je zappe même pas dessus. Donc Pascal Pro, je le vois pas trop. Donc tu vois, il m'insupporte pas trop. C'est Babas qui nous disait ça là. Putain, moi je le croise dans la rue souvent parce qu'il a envie de venir chez moi. Tu veux pas le balayer pour moi? Non, mais ouais, je suis pas un animal, le mec, je sais pas. On rigole, bien sûr. Non, mais attention, je le ferai pas. On balaye. Je suis pas un mec. Tiens, je suis pas un mec. On balaye personne. Tiens. Il y a Lazémis qui se rappelle de son collège. Bon, c'est pas si vieux que ça, Lazémis, qui nous dit, nous, c'était par groupe. Il y avait le groupe des fouteux d'un côté. Après, il y avait les gothiques. T'avais des gothiques au collège, toi? Après, il y avait des, ben, Romano, tu vois, elle était peut-être dedans, ta meuf, là. Ouais, mais, non, mais elle était pas dans un groupe de gothes, hein. Elle était pas dans un groupe de gothiques. Elle était juste gothique. Il y a le goth solo, quoi. Il y a le groupe des geeks aussi. Bon, moi, j'ai plein de potos, au collège. On s'est perdu de vue au lycée. Merci pour ton message. Après, des fois, ouais, la vie fait que tu c'est ça, sans t'embrouiller, des fois, il y a des gens que tu vois moins, quoi.
Bon, tu veux qu'on fasse que quoi pour toi, Clément? Tu veux des copains? Oui, déjà. Alors, il y a des réactions. On aura Elisa là qui arrive dans un instant avec nous. Elisa, qu'on va prendre en direct du 31. 31, on a offert 1 500 € ce matin, tiens. Ah, ben bravo. C'est tombé à côté de Toulouse. C'est Alex qui a gagné, Alexandre qui a gagné à Bessières, à côté de Toulouse. Il a répondu Skyrock. Il a gagné 1 500 €. Donc, on aura Elisa qui arrive. Vous trouvez pas qu'il fait très très chaud là? Si, j'adore. C'est là, il fait chaud. Ouais. C'est caliente la radio libre. Oh, ouais, je commence à puer, ça va être horrible. Oh, ta gueule. T'es là, Elisa? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'en coller une. Bon, et laissez-moi dire bonjour à Elisa. Bonjour, non, Elisa. Elisa. Salut, Elisa. Tu m'as répondu? Ah, bonsoir. Ça, t'as à se faire engueuler. Mais laissez-la répondre déjà. Ah ouais. Bon, Elisa, tu arrives pour témoigner pour Clément et puis pour tout le reste. On vous attend en direct de toute la France. Si vous avez un truc à nous demander, si vous voulez faire les cons avec nous, vous avez envie de parler de tout ce que vous voulez, d'amour, de sexe, de poteau, eh ben, on y revient dans un instant et on fait. Bah tiens, pour séduire, on parle d'amour et de sexe. Et pour séduire, eh bien, on va retrouver dans un instant le clash de la drague, Romano et Cédric. Ouais. Cédric? Ouais, je suis là. Putain, bah oui, mais parle. Je vais essayer de parler. Bah, j'étais non, mais tu parlais, je vais pas te couper la parole, après je vais me faire engueuler. Romano et Cédric, c'est Rit qui a le rythme dans la peau, là. Toujours. Ah oui, oui. Bah tu parlais, je laisse parler. Allez, le clash de la drague, à retrouver après Hamza et Damso, parce qu'on a aussi du gros son sur Sky. Radio libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Ici, tu peux tout dire. Il y a un moment, je crois, j'ai déraillé, j'étais trop proche avec elle. Genre, je commence à lui faire des bisous dans le cou, frère, je sais pas ce qui s'est passé. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Et Steph, elle me racontait au standard, des fois, elle se lève le matin, pépère, pour aller prendre son petit déj. Là, ouais. Il est dans le salon, il est en train de se faire sucer. Oh, quelle horreur. What the fuck? Radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Ah, je sais plus de quoi on parlait ce jour-là avec cette histoire de suçage-là. Vous pouvez nous en parler naturellement hein, de suçage et de tout ce que vous voulez. Tous les soirs, vous avez la parole. N'hésitez pas, c'est Radio Libre en direct sur Skyrock au 01 53 40 30 20. Je me rappelle plus, on disait quoi dans ce temps du suçage là? Ah, je suis avec l'autre qui se levait. Je sais pas, c'était des colocs, non? Elle ça avait être un truc comme ça. Elle ouais. avait un coloc et l'autre, quand il arrivait, quand il se réveillait, il se faisait sucer par sa meuf et elle tombait dessus, je crois. C'est sympa. Ouais, sympa, ouais. C'est sympa comme histoire. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'aurais participé. Non, bah, c'est gentil, oh, non. Ça, dis donc. Hein. Marie, non, quand même pas, non. Va participer, toi, Marie. Non, je serais devenu dingue. Bon, vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez tous les soirs. On est là en direct au 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock, le skyrock.fm, le 41 759. Salut tous ceux et toutes celles qui sont là. Bonjour à Bic. Est-ce que Marie peut venir me donner une punition comme je suis arrivé en retard, nous dit Bic. Non, je ne punis pas, moi. Tu punis pas? Non, je punis pas. Même pas de fessée à ton chéri? Non. Rien? Non. Mais tu dois choisir. Tu préfères te faire punir ou punir? Autrement dit, tu es sado? Tu es sado ou maso, Marie? C'est ça la question. Ouais, je préfère punir que de me faire punir. Ouais. Et toi? Non, mais... Ah, donc t'es plutôt dominatrice. Romano préfère se faire punir. Lui. Ouais, par toi, c'est choisir, Cédric. Quoi. Même ça, bah, j'ai déjà mis des fessées. Hein. Hey, ça t'avait, ouais, ça t'avait excité ou pas? Ouais, j'avais fouetté. J'avais fait quoi? Coup de cravache? Coup de cravache, ouais. Et la fessée. Ouais. Tout ça, t'avais fait bander? Non, peut-être pas, non. Comment t'en parles, j'ai quand même des gros doutes. Je veux dire qu'on n'est pas prêt de le refaire, on le fera même jamais. Vous voulez pas le refaire, c'est rigolo ça. Là, non, on va le refaire, gros. Non, cravache. C'est fini, l'autre, ça cravache les fesses. Ouais. Mais calme-toi. Je te mets sur les genoux comme un lance. T'es surexcité, les gars. Oh la cravache. Non, mais je crois que je les ai encore en plus, les cravaches. Ah. Je vais vérifier. Pourquoi tu te fais cravacher le week-end? Non, mais je les avais laissés à la radio. Mais t'en avais plusieurs? Bah, on en avait eu deux, une petite, c'est genre qui fouettait bien fort. Ah et ouais. Une fine là, tu sais, qui laisse des traces. Ouais. Là. C'est vrai qu'il fait des soirées sympas le week-end. Ouais, mais t'as fait quoi ce week-end, Cédric? Il t'a cravaché Lil Burke? Non, pas du tout, non. Lil Burke. Ça venait d'arriver, Cédric est avec un ami américain, il s'appelle Lil Burke. Non. C'est pareil que c'est une star à New York. Lil TJ. Ah, Lil TJ. C'est pas voilà. Lil Burke. C'est pas voilà. Lil Burke. Mais t'as pas un mec qui s'appelle Lil Burke? Non. Mais si, il y en a un, là, comment il s'appelle le carré? Il n'y a pas Lil Durke ou Durk Burke? Non. Burke, il y a Lil Wayne. Mais Lil Wayne, merci. Mais... Ah ouais, dis donc. Je sais pas, moi. Mais si, il y en a un qui s'appelle Lil Durke. Ça existe, si, il existe Lil Durk, les gars, wesh. Ouais, mais c'est très là, c'est donc Lil Burke. Non, je connais c'est pas. La copie. C'est la copie, c'est Lil Burke. Je le connais pas, lui. Bon, allez, profitez-en, vous avez besoin de nous, on est là tous les soirs, vous voulez parler d'un truc, vous avez un truc à nous raconter, on vous attend en direct de toute la France. On va faire le clash de la drague avec des méthodes pour le clash. Alors Cédric, tu as eu un petite galère de méthode tout à l'heure, mais je pense que t'as trouvé. Non, c'est bon, j'ai ma méthode. Ça y est, tu l'as, c'est quoi? Ouais. Bah, j'ai la bite déshydratée là, ça fait un petit temps que je l'ai pas hydratée. Ça veut dire quoi? Mais comment tu fais pour t'hydrater la bite? Non, mais c'est quoi ça? Ah bah, justement, j'ai besoin que la femme elle vienne la sucer. Oh, j'ai besoin que la femme elle vienne la sucer pour me la réhydrater un petit peu, tu vois. Réhydrater, d'accord. Bah ouais. Et toi, Romano? Bah, j'ai un coup
coup dans le nez, vu la tête de la femme ou de l'homme. J'étais pris un coup dans la gueule aussi. C'est le soir ou jamais où je vais baiser, parce que sinon ils sont impinables en étant sobre. Ah oui, tu nous avais dit. Bon, on a les deux méthodes, on va clasher là dans un instant. On fera les doubles appels juste après. Vous pouvez nous laisser les numéros pour les doubles appels. On fera tout ça. Vous nous envoyez les numéros, le prénom de la personne que vous voulez qu'on mette en contact avec quelqu'un d'autre. Et on s'occupe de nos doubles appels ce soir. On aura du PLK à écouter. On se fera un extrait de l'EP de PLK. Il est avec nous vendredi matin dans le morning. Ouais. On le salue, PLK, s'il nous écoute. On va se faire demain le gros son de PLK à retrouver. Il y aura du JJ Dinaz aussi avant minuit. Miley aussi, parce que j'aime bien Miley. Miley Cyrus. Tu sais que chaque fois que j'entends son son à la radio, je pense à son clip. À son clip avec elle en maillot de bain, ouais. Ah, ce soir, moi, je la trouve pas bandante, moi. Gros. Moi, j'aime bien, moi. Ah, moi, j'aime pas. Gros. Dans le corps, ça va, j'aime pas trop sa gueule. Un peu une tête de bulldog. Ouais, et sa voix. Ah non, mais non. Non, mais bon, ça se fait, elle comprend pas le français. Non, de corps, franchement, bon, oui, le corps, ça va. Ah, ouais. Bah oui. Non, la tête, ouais, pareil, moi. Pareil que. Elle te plaît pas. Ouais, non, bon, quoi, après, bon, elle s'en fout de moi, j'imagine. Bon, moi, je prends tout, moi. Chez Miley Cyrus, je prends tout. On sait jamais, hein, tiens. On l'écoutera tout à l'heure. Alors. Peut-être. Quel autre mano clash? On va prendre Elisa qui est au téléphone avec nous. On parle des groupes de potes dans lesquels vous êtes. Si vous êtes au bahut ou même plus au bahut, parce qu'on a tous des groupes de potes. Hein. Si vous êtes dans un groupe de potes, c'est quoi qui vous réunit? C'est quoi qui vous a séparé? Si vous êtes pris la tête pour un truc, toi Clément, t'as pas beaucoup de poteaux, t'as un super bon pote. Bon, ça c'est l'essentiel d'en avoir un bon sur lequel tu peux compter. Et puis sinon t'es dans un groupe au collège, t'es encore au collège, t'es en troisième. Toi. Ouais. Là t'arrives au bout de toute façon. Ils ont pas vraiment le même humour que toi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils se moquent, mais ils se moquent notamment de personnes handicapées, tout ça, et toi, ça t'énerve. Ouais, ça te plaît pas. Bon, t'as essayé de leur expliquer, et bon, au final, ça a pas fonctionné. Mais ce qu'on te disait depuis tout à l'heure, faut changer de groupe. Hein. Y a Elisa qui voulait témoigner, là. Oui. Après, c'est vrai, comme disait Karim, le problème, c'est que tu risques de te retrouver solo de si solo. Vas-y. Je vais me lancer dans des trucs, je vais faire cholo. C'est cholo. C'est pas super d'être cholo. Bon, vos petites histoires dans le groupe, je sais pas s'il y a eu des embrouilles, tout ça, vous pouvez nous raconter. On a Elisa qui voulait réagir, donc pour toi, en direct. Bonjour Elisa. Elisa en direct du 31. Bonjour. T'es à Toulouse? Salut. Salut. T'es à Toulouse, Elisa? Salut Elisa. Ouais, dans les environs. Bon, t'es à Bessières? J'habitais à Bessières. Ah bah tu vois, il y a Alex, il a gagné 1 500 € ce matin. Bah tu vois, tu serais resté là-bas, ça aurait été pour toi. Et ouais. J'aurais dû rester là-bas. Bah voilà. Bessières, c'est tombé ce matin. Dans le morning, il a répondu Skyrock le morning, il a gagné 1 500 €. Vous aussi, on vous appelle, on vous parle radio au téléphone. Skyrock direct, et c'est 1 500 balles pour vous. Alors, Elisa, tu voulais réagir par rapport à Clément, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ouais, je voulais lui donner un conseil, justement. Moi, c'est ce que j'avais fait quand ça m'est arrivé. J'avais des groupes de potes qui étaient pas qui étaient pas top. Il y avait que des filles dans ton groupe, toi? Non, il y avait un peu de... Enfin, c'était mixte. C'était mixte, ok. Ouais. Mais si c'était mixte, parfois ça couchait dans le groupe. Ça, c'est bon, ça. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, sauf qu'il y a des embrouilles après. Ah, ça, bon. Marie, tu l'as bien dit, il y a eu quelques petites embrouilles. Ah, bah ouais, ça m'étonne. À cause de ça. Et alors, Elisa? Ben, bizarrement, c'était une fille qui m'a fait chier, on va dire ça, qui essaie de me draguer. Et du coup, Draguer. Oui. Ah, d'accord. Donc, une pote à toi qui voulait aller un petit peu plus loin. C'est ça. Et bizarrement, j'étais la seule avec qui elle était tactile. Ah ouais, donc c'est vraiment toi qui l'a. Ouais, mais bon, c'est plutôt vieux mieux. Vous, ce soir, c'est la soirée des tu galères. Des proverbes, et la soirée où je galère à parler. Non, mais vaut mieux faire envie que pitié, comme on dit. Voilà. Ah, c'est marrant. Tiens, appelé Paul, là, il a eu une grosse embrouille, c'est à peu près la même chose, là. J'ai baisé avec un de mes potes, ça a niqué le groupe. Donc toi, elle te draguait, mais toi, t'étais dérangé par ça, parce que t'aimes pas les filles, enfin, t'es pas attiré par les filles. Ouais, c'est ça. Mais en plus, je lui avais dit. Je lui ai dit que moi, j'étais pas du tout intéressée, donc c'est pour ça que moi, ça me gênait. Ah, tu lui avais expliqué, tu lui as dit, moi, les filles, c'est pas mon truc. D'accord. C'est ça. Et du coup, je reviens du coup au conseil. Moi, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, je m'éloignais et je me faisais un autre groupe de potes à côté. Et du coup, ça s'est fait en douceur, quoi. J'ai changé de groupe. Ah, donc t'as évolué d'un groupe à l'autre juste à cause d'une meuf dans le groupe qui voulait coucher avec toi? Ouais. Marie, c'est arrivé ça dans ton groupe de meufs, une meuf qui était amoureuse de toi?
Non. Jamais. Bah non, non, je crois pas. Bah, tu vois, je suis étonné parce que connaissant tes copines qui sont quand même très ouvertes, je me suis dit, il y a bien une qui a voulu faire un truc de cul avec la Marie un jour ou l'autre. Non, un truc de cul, ouais, il y a déjà eu une copine qui voulait faire un truc mais de cul. Vous l'avez fait, non? Ah bah voilà, bah, c'était exactement ma question. Mais qu'on avait fait, mais pas amoureuse. Elle m'a bouffé ma grosse chatte. Ah non, mais moi. Je peux vous dire qu'elle était rassasiée. Bah, t'es con, mais que t'es con. Tu vois, moi, dans un groupe de potes, je fais pas trop la différence entre un pote qui a envie de m'enculer ou un pote qui est tombé amoureux de moi et qui veut m'enculer aussi. Ouais, non, mais bon, ta question, c'était ça. Était amoureuse, donc non, pas amoureuse. Ah, une copine qui a voulu faire du sexe avec toi. Bah ouais, et avec son mec, mais on l'avait fait, je vous les avais raconté déjà. Ah, tu l'avais, oui, c'est vrai. Il y en a pas une autre qui voulait ken avec toi, celle qui s'est touchée à côté de toi là quand vous dormiez. Non, mais c'est la même, mais elle voulait pas ken avec moi. Ah, elle voulait pas. Elle voulait juste se goder, elle. Elle se touchait, on était chez une copine. Et avec le mec, vous avez fait quoi tous les trois? Bah, on a niqué. Et ouais, la meuf, et toi aussi. C'est bon ça. Bah oui, tous les trois. Ah, donc la meuf et toi aussi. Bah oui. Ah bah. Je te l'avais déjà dit. Tu vas-y, raconte-moi un peu plus. Non, je me rappelais pas. Vas-y, Marie, attends. Je ne suis pas du tout, moi. Ouais, on est amnésique. On a tout oublié, raconte-moi. Non, mais vous m'aviez même demandé si je l'avais bouffé. Je vous ai dit non, c'est elle. Et puis voilà, j'ai tapé son mec, quoi. J'avais complètement oublié cette histoire. Elle a fait la chatte et le cul. Hein? Non, elle m'a bouffé la minette, mais pas le cul. Je crois pas. Elle a rentré sa langue. C'était plus fait à volonté pour elle. Et toi, Karim, quand tu as fait tes plans à trois avec tes potos? Ouais, et ben. Bah, vous avez aussi. Non, c'est pas sucé, gros. Non, jamais. J'ai jamais eu cette chance, putain, fais chier, gros. Bah, cette chance. Ah, putain, merde. Ouais, c'est con. Merde. Guigui, ça t'exciterait ou pas? Alors, de quoi? Bah, un plan à trois avec. Un plan à trois et avec un pote à toi et. Non, je pourrais pas, j'aimerais pas. Et une copine. C'est voilà. Bizarre parce qu'avant qu'on prenne l'antenne, Guigui m'a dit qu'il s'était enculé deux fois ce week-end. Non, trois. Trois fois maintenant. Et vrai ou faut que tu m'as dit ça? Non, mais on a rigolé tout à l'heure, t'es gros balai. Bah, je sais pas moi. Attends. Mais non, mais ouais, en fait, faire un plan à trois avec un pote, je sais pas, je serais trop gêné, je pense, de voir sa bite. Et tu sais, je vais pas être. Je vais pas être sérieux. Peut-être trop gêné de montrer la tienne qui est toute petite. Également. Ah, voilà. Également. Peut-être que ce serait le double complexe. Oh, sois pas gêné, mon Guigui. Ah, bah attends, bah ça va, c'est vrai. Voilà. Là, je suis rassuré. Mais Guigui, ouais, même un plan à trois avec un pote à toi et une meuf, tu pourrais pas, ouais. Non, je pourrais pas. Parce que, ouais, comme j'ai dit, je vois sa bite et tout, ça, je vais pas me concentrer. Bah, ça va. Par contre, si tu me dis de meuf, là, c'est autre chose. Et moi, j'ai déjà vu la bite d'un pote. Pas en train de bander, mais j'ai déjà vu les bites des potes. Ouais, mais s'il y a une meuf, que c'est dans une relation et tout, c'est tu vois. Ah, moi, je suis pas le code Guigui, tu sais, un plan à trois, je préfère autant le faire avec des gens que je connais pas, tu vois. Ah ouais. Ouais, je sais pas, avec un pote. Ouais, tu vois, j'aurais du mal. Ah, je me retrouve à baiser avec Cédric, s'il te plaît. Non, mais là, ouais, tu choisis pas le meilleur. Samy, c'est un enculé, il est à Marseille, c'est-à-dire qu'il il a 800 bandes de nous, 1000 bandes de nous, et il en profite. Bah ouais, c'est ça, il la ramène. Non, mais Romano, il a pris un exemple, c'est vrai que. Non, mais là, ça s'apparente à de la zoophilie. Allez. Ah, tu préfères baiser avec Samy en slip, là? Ah, moi, je suis à choisir, je préfère niquer avec Samy qu'avec toi, Cédric, je suis désolé. Voilà, Samy, t'as une. En plus, j'adore les culturistes. Ah, ok, je note. Bon, on manque plus qu'à trouver une meuf, alors. Merde. Bah, éventuellement. Ah, oh là, moi je me déguise, ça part. Voilà, c'est bon. Je vous laisse. Moi je te comprends, Elisa, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi la meuf, quand tu lui as dit moi je suis pas intéressé par les filles, on reste copines et puis on ira pas plus loin, pourquoi elle a continué à te draguer, à essayer de faire des trucs avec toi? C'est une lourde, bah oui. Alors là, je sais pas, mais en fait, quand je lui ai dit, elle a arrêté pendant au moins un mois, deux mois, et c'est vachement éloigné physiquement, on va dire. Et la nature a repris le dessus. C'est ça. Mais on était en cours ensemble et dans le même groupe. Alors, elle était toujours avec moi, toujours à côté de moi. Alors, du coup, des fois, elle se collait, elle me touchait la cuisse ou les trucs comme ça. Moi, ça me dérangeait. Ah ouais, je comprends. Moi, j'avais des potes en classe qui se touchaient la cuisse pendant les cours, mais c'était juste pour rigoler. Enfin, je pense qu'ils ont jamais rien fait d'autre. Ah. Mais moi, je te comprends, moi, Elisa, c'est ça. Ouais, non, mais. Parce que à un moment donné, bon, la meuf elle tente sa chance. Si tu lui dis gentiment non et qu'elle continue, tu vois, en fait, la meuf elle bascule dans la lourdeur. Ouais. Et au bout d'un moment, vas-y, t'as envie de lui dire, vas-y, lâche-moi, casse-moi pas les couilles. Ouais, donc Marie, dans tes groupes de potes, ça a jamais dérapé entre deux filles ou deux garçons? Non, pas à ma connaissance. Romano non plus, jamais. Non. Moi, à part mon pote qui voulait être curé là, qui m'a montré sa bite, mais ça s'est arrêté là. Ouais. Tu l'as branlé quand même. Non, j'ai pas branlé, c'est branlé devant moi. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était médical. Hein. Ouais, bien sûr. C'était médical. Non, mais c'est sérieux. Sur le coup, c'était vraiment médical. Ouais, tu m'étonnes. Cédric, des potes en bas des blocs qui ont eu des relations entre eux. Non, désolé. Non, même pas. Putain, j'en ai appris une bien bonne. Tu sais que j'ai un autre mec qui. Mais il y avait un mec dans mon bahut. Mais parce que j'ai eu un pote. Quoi, il est venu te voir, il a sorti sa bite ce week-end pour se branler devant toi. Non, mais par contre. T'imagines, t'as un pote, tu l'as pas revu depuis le bahut. Ouais, Romano, faudrait que je te montre ma bite. T'as regardé la bite du curé. Non, mais j'étais pas au courant, mais par contre, il y en a un autre qui était dans ma classe qui est devenu curé vraiment lui. Ah bah dis donc, t'entends Guigui?
Eh bah ben, ouais, c'est dingue. Putain, ça m'a fait. Mais le mec, rien à voir en plus, hein, au bahut. Le mec, je pense même qu'il a, il a dû niquer des meufs à l'époque et il est devenu curé, quoi. Bah écoute. Non, mais ça, ça m'a mis sur, sur le cul. Ré. ami de l'humour, bonsoir. Et Guigui, dans ton groupe de potes non plus, il n'y a jamais eu de. Non, copines comme ça, non plus, il n'y a pas des copines qui sont. Non, même pas, non. Non, ou alors, c'est toujours des meufs qui sont de l'extérieur. Peut-être qu'on n'est pas au courant. Ouais, peut-être, oui, il y a aussi des trucs qui peuvent se faire, on n'est pas, bon, en général, ça se sait quand même, ce truc-là. Bon, bah, écoute, Elisa, donc, le conseil que tu donnerais à Clément, c'est quoi? C'est de changer de groupe d'amis, si ça se passe pas bien avec eux? Ouais, c'est ça. Bah, de s'éloigner peut-être petit à petit, s'éloigner, pas d'un coup, parce que sinon après, ils vont essayer de chercher à comprendre pourquoi, et peut-être qu'ils vont venir l'embêter. Ouais, après, je pense que tout va se résoudre l'année prochaine, puisque tu passes au lycée. Donc au lycée, tu vas te faire de nouveaux poteaux. Ouais, ça va changer. Les gens sont plus mûrs au lycée qu'au collège. Je pense que Clément, tout va se résoudre d'ici l'année prochaine. Et puis l'important, c'est que t'es un bon poteau sur lequel tu peux compter, ton ref à toi. Et voilà, tiens-nous au courant en tout cas, Clément. Et puis si t'aimes pas leur humour, si tu rigoles pas avec eux, s'ils te mettent mal à l'aise, bah tu laisses tomber. Hein. Bah, c'est une solution. Bah oui. Okay. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ouais, écoute, merci à toi. On t'entend toujours aussi bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, merci à toi, Clem, en tout cas, pour le coup de fil. Vous avez pas eu Paul du 59, là? Vous avez pas essayé de l'appeler? Non? Bah, faudrait l'appeler. Je vous ai dit il y a 5 minutes. Attends, je suis en micro-sieste. Oui, bah, il faut se réveiller, ouais, Cédric. Bah, grave. Grosse embrouille, j'ai baisé avec un de mes potes, ça a niqué le groupe. On aura peut-être le témoignage de Paul, là. Dans un instant, Paul du 5-9. Elisa, on te fait de gros bisous. On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison dans 31. Et puis tu reviens quand tu veux. Dans un instant, on aura Ryan à aller sur la route. On va peut-être le prendre tout de suite. Et on fait le clash de la drague. Et oui, on va démarrer fort cette grande soirée. Enfin, on a déjà démarré bien, hein, mais on va démarrer très très fort avec le clash que vous attendez tous. Ah, on va envoyer du large. Cédric et Romano en ce lundi soir. Qui a gagné vendredi? Bah, c'est moi. C'est le passé, on s'en fout. T'as gagné vendredi. Je crois que j'ai tout gagné. Bon, on va voir si c'est une nouvelle semaine qui démarre. Ouais. Le clash. Et hier soir aussi avec Vincent dans la spéciale aussi. Ça a tout déchiré, j'ai écouté. Ouais. Je l'ai baisé. Bon, Ryan, viens voir. T'es en direct de la route, toi, et t'as 26 ans, Ryan, c'est ça? C'est ça, ouais. Salut l'équipe. Salut, Ryan. Salut. Alors, Ryan, on va rentrer dans la zone chaude de cette radio libre. Ouais. La première, parce qu'il y en aura plusieurs. Parce qu'on va parler de sexe avec toi, Ryan. Absolument, oui. Absolument. Vas-y. Et t'aurais besoin d'un coup de main niveau sexe. Hey, je peux le branler si non. Si c'est juste un coup de main. N'importe quoi. Voilà, et pourquoi que ça serait Marie? Si tu veux, c'est vrai. Pourquoi que ça serait tranquille. Marie, toi, t'es avec tes amis, t'es prêt à faire des trucs qui sont quand même assez spéciaux. Branler un de tes potes, tu l'as déjà fait ou pas? Bah, non, je branle pas mes potes. Non, mais admettons Marie. Non, mais par exemple, t'as un pote, le mec voulait se faire épiler le maillot, là. Je lui ai épilé les couilles. Se faire épiler les couilles, tu lui épiles les couilles. Normal, je me suis dit, puis tu trouves ça normal. Oui, non, mais ça, c'est mon meilleur ami, mais il n'y a rien de. Ton meilleur ami, dirais. Mais il est complètement asexué pour moi. Je veux me branler. C'est comme une meuf pour moi, tu vois. J'ai un meilleur exemple. Oui. Marie, demain, par exemple, dans l'imaginaire, je suis célibataire, je me brise les deux bras. Pendant 6 mois, je reste. Tu sais, je peux pas, j'ai les bras tout raides, tu sais, comme un zombie. Et un jour, je te dis, ouais, putain, Marie, je t'en supplie, branle-moi. Non, est-ce que par amitié, tu pourrais me branler? Non, tu te démerdes. Le pot, mais il peut pas. Bah, je le ferai, Marie. Ça va pas ou quoi? Non, mais t'es malade. Il a plus de bras. Non, mais en plus, je serais mort. Si, j'ai encore des bras, mais ils sont raides. Mais avec de te voir à poil, je pense que je meurs. Non, mais je baisse juste mon froc, tu vois. Oh mon dieu. Je sors ma tub. Oh putain. Tu le branles, quoi. Tu peux faire ma suite, Marie. Non, je ferai pas ça, non. Non, mais 6 mois, Marie. 6 mois, t'es. Non, t'es trop malade. Et genre, au bout de 4 mois, je te dis, Marie, j'en peux plus, il faut que je dégorge. Non, horrible. Tu te baises. T'appelles une prostituée, tu te démerdes. Ah non, mais tu pourrais. Bah, justement, il t'a appelé. Oh, attends. Guigui, attention. Ça parle mal. Mais qui a dit ça? Merde. Oh, Guigui. C'est toi. La confiance, là. Non, mais tu peux comprendre un manque comme ça, Marie. Oh, mais je peux comprendre un manque, mais je suis pas une distributeuse de branlettes. Distributeuse. C'est pas mal, ça, Marie. Tu parles bien français, toi aussi. Ouais, bah écoute, ça s'invente. Bon, bah Cédric, voilà, c'est ton jour de chance. Non, désolé, je suis occupé. Tu me le ferais pas? Ce sera toi. Mais je te laisse en galère, ouais. Bah ouais. Ah, t'es vraiment long cul. Mais tu sais, moi, je pense que. Ouais, grave. Tu sais, je te branle le cul avec un bâton. Je te branle le cul. C'est pas le cul, qu'on veut, c'est la merde. Mais si, ouais. Avec un bâton. Je te mets un bâton dans le cul, tu vois. Ah, bah, t'es gentil, toi. Tiens, bah, quoi. Ouais, je te tienne le cul. Bah, prends-moi un god, pas un bâton. Oh putain. Ah, voilà.
Nivea. Petite proposition. Cédric, t'as décollé là. Ah bah je t'en supplie. Je t'en supplie, ne te brise pas les bras. Putain, je me l'ai cassé les deux tout à l'heure, tiens. Oh bon. Vas-y, roulez-moi dessus. Oh, ouais. Ouais, bon, on a parlé de bande de potes. Il y a parfois le shit qui. Il y a eu plein de bandes de bédaveurs là, qui nous laissaient des messages. La bédave, ça réunit plein de monde. Il y a notamment Tom du 66 qui nous a laissé un message. On parlait de la bande de potes. T'as beaucoup de potos, toi, Ryan, dans la vie avant de nous parler de ta meuf? Pas beaucoup, non. Ouais. Non, bah, l'essentiel, c'est d'en avoir suffisamment, enfin d'en avoir des solides. Et des vrais, ouais. Exactement. Et des vrais. Alors Ryan, toi tu nous appelais par rapport à ta meuf et je lui disais on va parler un peu sexe ce soir et t'as besoin d'un service, écoutez bien. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas pour Ryan. Qu'est-ce qui t'arrive Ryan? Voilà, alors ça fait un an et demi que je suis avec ma compagne. Au tout début de notre relation, on avait tellement de blocages que je l'ai trompé. Et mon comportement a changé. Je lui ai avoué il y a quelques semaines là. Oui. Et depuis ce temps, elle m'a pardonné pour en fait les bonnes raisons pour elle, vu que j'avais pas de sentiments, c'était pardonnable. Ouais, elle est sympa. Ouais. Ah oui, c'est vrai, elle est sympa, parce qu'il y a plus d'une meuf qui serait barrée, ouais. Aïe. Ouais. Donc, du coup, depuis, c'est un peu remis en question, si tu veux. Elle essaye de se débloquer petit à petit, s'ouvrir niveau sexe, proposer un peu de piquant. Mais c'est vrai que moi, du fait que je lui ai avoué que j'ai trompé, j'ai peur de trop lui proposer... un truc trop dévergondé, en fait, ouais. Entre guillemets. Donc, en gros, si tu l'as trompé, c'est parce que sexuellement, t'étais pas satisfait de ce qui se passait entre vous. Au tout début, voilà, exactement. Mais par exemple, qu'est-ce que tu lui reprochais? Enfin, qu'est-ce que tu reprochais à vos relations sexuelles, plus précisément? Après, je l'ai pas reproché ouvertement, mais c'était dans le lit, juste missionnaire, quoi. Ah oui. Un préliminaire, tout est 36 du mois, puis c'était tout, quoi. Ah, toi, t'avais envie d'être un peu plus câlin au début, enfin, des petites pipes, tout ça? Voilà, exactement. Et toi, elle te suçait pas? Non. Et donc, t'allais voir une autre meuf? L'autre meuf, c'était... comment tu l'as trouvée? C'était qui? En fait, c'était une ancienne amie qu'on est resté en contact, en fait. Ouais, sympa. J'ai fait une soirée où je l'ai invitée, elle, et il s'est passé quelque chose, quoi, le soir et puis le matin. Tu vois, Marie, il y a des amis qui rendent service. Ouais. Alors que moi, j'ai les deux bras tourettes dans le plâtre. Ouais. Mais bon. Elle reste en chien. Cédric, on l'a bien compris. S'il te plaît, Ado, t'as fait des révélations, mon pote. Et toi, pourquoi tu l'as dit à ta meuf? C'est une bonne question que nous pose Method Woman, là, sur l'appli Skyrock. Parce qu'en fait, je suis le genre d'homme, tu sais, qui, de base, n'est pas mytho. Et dans mon comportement, je suis assez transparent, quoi, si tu veux. Je suis sans filtre. Du coup, à mon comportement, elle l'a vu. Ouais. Qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, elle t'a demandé, posé, toi, tu lui as dit. On en a discuté. D'accord, ok. Bon, écoute, elle, si ça l'a pas bloqué, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ta chérie? Un an et demi. Un an et demi, d'accord. Et là, vous en êtes tous sexuellement? Ouais, elle a un peu évolué, c'est quoi? À part le missionnaire, il y a quoi maintenant? Donc, tu l'as dit, je suis allé voir ailleurs parce que c'était préliminaire. Ouais, ah, donc elle a compris, ouais. Elle change un peu de position, mais ça reste quand même assez classique, quoi. Missionnaire, levrette, c'est tout, quoi. Oui, bon, il y a pas 36 000 positions. Enfin, quoi que si, il y en a plein des positions. Tu peux faire tout ce que tu veux. Après, c'est pas tellement les positions que je recherche. C'est le piquant, les pratiques sexuelles, quoi. Je veux dire, que ça soit inopiné comme ça, elle me surprenne ou quoi. À chaque fois, c'est moi qui vais vers elle, en fait. Ah ouais, donc t'as l'impression de toujours requémander et de... Ouais, ah, c'est chiant ça, tu te sens pas désiré. Non mais au niveau des positions, vous avez quand même fait autre chose que le missionnaire là. Elle a dit levrette, toi. Ah, levrette, pardon, j'ai pas entendu. Ouais. Bon, c'est déjà ça avance. Oui. En fait, il a dit que le problème, c'est pas les positions. Ouais, non, mais ça, j'avais entendu la suite. Ah, c'est bon. Vous voulez du piquant. C'est sûr, je peux continuer. Hein. Je te dis après ce qu'on a dit. Karine, mais c'est quoi que t'appelles du piquant? Parce que. Ouais, parce que tu nous as dit, j'aimerais. Piquant, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, il a dit moins routine, quoi, si tu veux. Et t'as dit, j'aimerais aller plus loin. Et je sais pas si c'est trop ou pas. C'est quoi les trucs que t'as vraiment envie de faire avec elle? C'est quoi qui t'excite? Par exemple, un truc tout con, faire le 69. Ou je sais pas, on est dans un magasin, dans une cabine d'essai, un peu moins basique. Du genre, quoi. Ah oui, donc en fait... Voilà, exactement. Ouais, un peu moins plan-plan comme truc sexuel. Voilà. Mais vu que je l'ai déjà trompé, j'ai pas envie que ça vienne trop de moi, tu vois. J'ai envie que, déjà avoir des conseils des auditeurs, auditrices qui éventuellement sont passés par là, pour
changer un peu la routine, mettre des piquants sans trop la braquer pour la fermer. Non mais c'est bien Ryan. En tout cas ouais, toi t'es. On nous dit au moins lui, il est honnête. Il a fait cocu, c'est un salaud, mais il l'avoue et il peut pardonner. C'est message de wesh sur donc la piste Skyrock. Donc je suis un bon salaud. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est si on veut, oui. Non non, mais en plus tu l'as expliqué, tu l'as expliqué ce qu'elle est pas. Bon, Même si t'expliques à la meuf. Ah bah ouais. Non, tiens, franchement, t'as de la chance que la meuf elle soit restée. T'as t'expliqué à la meuf. Ouais, bon vas-y, je vais t'en baiser une autre parce que je passe pas assez bien, tu vois. Bon, on va vous demander si vous aussi. De la chance. Vous avez été dans le cas de Ryan, c'est-à-dire que vous étiez avec avec quelqu'un qui niveau sexe. Alors ça marche pour les garçons et les filles, hein, parce que par exemple Marie, toi niveau sexe t'es complètement dévergondé. Il peut t'arriver de tomber sur un mec qui est un peu plus, on va dire classique. Ouais. Ah bah il fait pas long feu. Hein? Mais je le dévergonde. Ah, ou alors il fait pas long feu. Ouais, alors il fait dégages, pas long feu. Ouais. Simplement. Eh bien Ryan, j'ai une bonne nouvelle. Tu auras les conseils de la Marie. Comment dévergonder un mec un peu coincé. Wow. Tu vas voir. Ouais. Tu vas prendre dans le cul. Tu vas voir. Non mais tu vas nous expliquer Marie. Oui, bah écoute si tu veux. Et mais ils ont eu peur certains, non? Mais non, ils ont pas eu peur. Non mais il faut y aller doucement surtout. Tu vas pas arriver. Enfin bon, après moi je fais pas des trucs de ouf hein. Oh. Ah non, juste tu les godes, excuse-moi. Bah, c'est pas mal. Non, hein. J'en ai godé qu'un. Les mecs, ils se prennent des trucs. Oh, arrête, Marie. Mais non, mais je vous jure, j'en ai godé qu'un. Les autres t'assument pas. Ouais. Non, j'en ai godé qu'un. C'est après... que des doigts, les autres. Ouais, ou langue. Alors, les autres, je les ai bâtonnés. J'en ai eu qu'un. Je les ai pieds de tablé également. Je les ai perches de microé également. Ah ouais, quand mais même. Non, mais n'importe quoi. Mais avec un god, un seul. Non, non, mais sérieux. Non, mais là, tes mecs actuels, là, parce que je sais pas, t'en as combien, là. Mais je suis pas maqué. Non mais t'as ouais, tu cannes avec combien de mecs? Justement, c'est pour ça c'est la question. J'en ai deux. Deux, d'accord. Deux. Et il y en a aucun des deux à qui tu mets des doigts dans le cul? Non. Oh, pas encore. Tu sales. Ah, pas encore. Mais c'est prévu. Arrivera. Hein? C'est prévu? Non, je sais pas, on verra. T'aimerais qu'elle te mette des doigts dans le cul, Ryan? Pas du tout, non. Ah bah, il faut se dévergonder, Ryan, dis donc. Hein. Bah alors. Et il y a Jenex qui l'a fait pour que moi j'essaye aussi et pas m'ouvrir con et j'ai détesté ça. Ah, t'as pas aimé, ouais, bah donc faut pas. Bon. Non, mais déjà, Marie, vu comme tu l'as dit, il y en a un des deux, il va prendre cher, à mon avis. Bah oui. Alors, il y en a qui. Ah, c'est. Ah, je suis sûr, elle nous dit pas tout. Elle nous dit pas tout. Ah non, non, mais j'ai pas. Non, mais. Non, mais t'as déjà travaillé un truc du cul, là. Oui. Ah, donc voilà. Tu vois, mais ça se voit à ta tête. Ah, là, il prend cher. Ah, l'autre, il se fait démonter. Ah ouais. Bon, on va y revenir. Mais non, mais avec la langue, hein. J'ai pas pénétré. Non, il y a une très bonne idée de Jack qui nous dit, parce qu'on parlait d'un mec un peu coincé. Donc, mec ou meuf un peu coincé. Bon, meuf de Ryan, vos mecs, les filles, si vous êtes un peu coincé, comment vous les avez dévergondés? Si vous êtes un peu coincé et que vous avez dévergondé, vous pouvez nous dire. Il y a une très bonne idée de Jack, ouais, qui nous disait, montre-nous, Marie, comment tu peux dévergonder. Montre-le sur Guigui. Ah non, putain de merde. Guigui, c'est vrai que toi, tu dois être un peu coincé niveau cul. Bah, j'en fais pas, donc je sais pas. Oui, même moi, j'ai pas la réponse à la question. Quand t'étais avec ta meuf, c'était plan-plan. Bah, c'était assez classique, ouais. Il y a pas eu trop de folie. Et là, t'en es où, là, ce week-end, t'as fait quoi? Ce débrief du week-end. Ah putain, coach Romano. Ah ouais, mais c'est un peu coach Romano, il est. Non, il s'est pas passé grand-chose. Ah putain. J'ai vu des potes en petit comité, là, on a pas fait de folie, là. Ah, je suis désolé, putain. Bon, allez, on fait le clash. Moi, je suis déçu. Tu peux l'être. Part en couille. Vous êtes prêts pour le clash de la drague? Ah, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. T'es prêt, Cédric? Toujours prêt. Allez, dans le. Allez, c'est parti. Allez, à Romano, petit, à crâne d'œuf, Cédric. Quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Allons-y, on va clasher. Clash de la drague sur Skyrock. Cédric, oui. D'un côté, avec ta méthode de hydratation de la bite. C'est ça, ouais, j'ai la bite déshydratée. J'aimerais bien. Déshydratée. Tu vois, tu as une coupe allemande et tu parles comme un allemand. Ouais, non, pas trop. Non, déshydraté. Salon, vous. J'aimerais parler. Bien que la femme de la famille, elle me suce la bite pour réhydrater ça, tout ça, quoi. Ah, d'accord. Romano, ta méthode? Ah, moi, la femme et l'homme sont vachement plus beaux une fois que je suis bourré. Donc ce soir, j'ai un coup dans le nez. Donc c'est le grand soir ce soir. Eh ben c'est parti, premier tour du clash, écoutez bien, puis vous allez pouvoir voter, pouvoir encourager d'ailleurs. Allez, en plus vous êtes beau gosse. Votre clasheur préféré, les deux beaux gosses sont là. Ouais ouais ouais. Cédric à mon extrême droite, Romano à droite tout court. À ma gauche. Ça me met mal à l'aise quand tu dis ça, tu sais. Bah c'est ta position. Mets-toi à moi à l'extrême droite alors. Je suis pas à ton extrême droite gros, je suis juste à ta droite là. Bah si, non, alors, là, tu es à mon extrême droite. Parce que là j'ai concentre-toi Cédric. Je suis concentré, t'inquiète pas. Oui, allô. Bruno. Allô, ouais Bruno. Ouais. Comment ça va mon petit Bruno? Ça va? Ouais, c'est Michel, Michel Schneck, le voisin. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, dis-moi, je t'appelle là parce que tu sais, j'ai la bite complètement déshydratée là depuis un petit temps. Ouais. Et j'aurais aimé savoir si ta femme elle pouvait pas me la sucer ou toi d'ailleurs pour réhydrater. Non, je pense. Bon, allez. J'ai pas envie. Bon, une petite fellation. Non, j'ai pas envie. Une petite chalute. Bon, sinon, je demande à ta femme. Ouais, non, même pas, non, elle va pas vouloir non plus. Ah, hein. Bah écoute, la fois que j'ai parlé, elle avait l'air partante, hein. Ouais. Elle a essayé de téléphoner sur le portable. Ouais, répondez pas, ouais.
Non, ça marche pas. J'ai plus le même portable. Ah ok, d'accord. Bah écoute, ce que je fais, c'est que je vais venir à la maison. Comme ça, tu me donneras ton numéro de portable et je m'occupe de ta femme, d'accord? D'accord, ouais. Bon ben, j'arrive tout de suite alors. Ah. Allez, bisous, mon petit Bruno. Et qui c'est au téléphone? Michel, le voisin. Michel. Michel Schneck, dis-lui. Non, mais qui c'est? Bah, Michel Schneck. Non, je vois pas qui c'est. Bah, Michel Schneck, je t'ai dit. Oh. Bah, de toute façon, je suis à côté de chez toi, j'arrive, d'accord? D'accord. Non, mais je vois pas qui c'est, non? Bah, c'est moi. C'est. Allez, à tout de suite, bisous. À tout. Et voilà. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Bah, j'arrive chez lui, je vais me faire pisser, tu veux pas de plus. Et bim. Et bam. Et boum. Et bim bam boum. Et bim bam boum. Excuse-moi, Cédric, j'étais pas focus là, du coup. J'étais perturbé par une photo. Mais c'est quoi cette photo? C'est jouer ta gueule de con là. J'ai pas vu la photo. C'est une photo que j'ai mise sur mon Instagram, @lebelge, allez voir. C'est une photo de. Mettez un petit like, ça fait plaisir. Un beau gosse qui s'appelle Cédric. Je suis en train de regarder la photo. Elle entre en avant là. Jean-Alain. Allô, Jean-Alain. Allô. Ouais, bonsoir, Jean-Alain. Oui. Oui, bonsoir, comment ça va? Très bien, mais c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Dis-moi, là, j'ai un petit coup dans le nez, là. Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis, un copain de ta femme. Tu m'entends, là, Jean-Alain? Attends, c'est quoi ces conneries, là? Non, mais en fait, c'est pas une connerie. Tu sais, là, j'ai un coup dans le nez. Putain, ta femme, qu'est-ce qu'elle est bonne quand je suis bourré. Est-ce que je peux passer la voir ce soir? Ah, Jean-Alain. Jean-Alain, je vais passer, là. Ah, tu l'as coincé. Jean-Alain, t'es en panique ou quoi? Coincé. C'est qui derrière? C'est un copain. J'étais en train de l'enfiler, mais je préfère enfiler ta femme. Et tu m'enfiles pas. T'entends? Je peux passer dans 5 minutes? Ouais, sa femme t'entend. Je vais passer dans 5 minutes, on va faire l'amour tous les trois. Hein, Jean-Alain? Jean-Alain, parle un peu, là. Ou passe-moi ta femme que je vois directement avec elle. Allô? Il est coincé, Jean-Alain. Allô, chérie, j'arrive. Ah, Jean-Alain, il est pas au courant, mais on va lui expliquer ce soir que toi et moi, on adore faire l'amour ensemble. Ou pas. Jean-Alain. Bon, vas-y, Jean-Alain, casse les couilles. Tu vois, et Ryan, tu nous as appelé tout à l'heure parce que ta meuf, tu l'as trouvé un peu coincé. Romano, il a coincé Jean-Alain, là, sur le. Ouais, coup. Jean-Alain, en même temps, bon, il était pas non plus. Dans le clash. Coincé, ouais, Jean-Alain. Bon, ok, Jean-Alain, bon, là, je me suis fait cramper, là. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu veux un deuxième tour? Ah bah je veux bien. Ah non, ouais, je crois que tu me proposes un rappel. Non, ça va aller pour lui. Sébastien. Allô, Sébastien. Oui. Comment ça va, mon petit Seb? C'est qui? C'est Michel, ton voisin. Michel, mon voisin. Ouais, dis-moi, je t'appelais ce soir là parce que tu sais, j'ai la bite totalement déshydratée et du coup, j'aurais bien aimé que ta femme elle me dépanne et qu'elle me la suce histoire de réhydrater un peu le truc, quoi. Ouais. Alors, allô. Est-ce que tu prends un rappel, Cédric? On a combien de rappels? On a un rappel pour les trois coups de fil qu'on va passer. Bon, je le garde alors. Tu gardes ton rappel? Ouais. Allez. Eh ben, tu gardes ton rappel. Il te restera un tour. C'était sacrément bidon ton deuxième tour. Ouais, mais le premier, t'as vu, j'ai eu un serrage par contre. Bah, pff, t'as eu rien. Toi, t'as rien fait du tout. T'as eu ma bite. Toi, t'as strictement rien fait. T'as eu ma bite, il dit. Qui c'est, Guigui? C'est Jean-Michel. Passe-moi une bonne famille, c'est Jean-Michel. Tiens. Allô, Jean-Michel? Allô, attendez, je vous le passe. Ah, comment merci, elle va, madame. La belle? Allô? Ouais, Jean-Michel? Ouais, Jean-Mi? Jean-Michel? Oui, allô? Ouais, tu m'entends, Jean-Mich? Oui. Ouais, comment vas-tu? Ça va, mais tu es qui, toi? Je suis un amant de ta femme. Ah, d'accord, pas de problème. Ouais, et vu que je suis un peu bourré, quand je suis bourré, je la trouve vachement plus belle, donc je vais passer la voir, là. Ouais, pas de problème. Boss. Ouais, je vais arriver dans 5 minutes, je lui fais l'amour, ça te dérange pas? Ah non, du tout. Voilà, comme ça, et puis à la limite, toi, si tu veux, je peux t'enfiler derrière. Voilà, pas de problème. Bah écoute, super. J'arrive, tu prépares un petit truc à boire? Pas de problème. Parce que pour la baiser, il faut être sacrément allumé quand même. Tu m'étonnes. Ah bah, tu m'étonnes. Toi aussi, c'est pareil. Ah, une femme comme ça, c'est à devenir alcoolique. Bon, bah je suis là alors, ma poule, j'arrive là. Salut. À tout de suite. Et ben voilà. Bim, et bim, bim. Et bam. Et boum. Et bim, et bim bam boum. Eh bien, c'est serre ce soir. Putain. Oh putain, Romano, là, vraiment, respect. Vas-y, mais, t'as vite raccroché. C'est bon, je raconte. Je baisse sa femme, je le baisse lui. Oui, okay. Là, je vais pas raconter ma life. J'ai même pas eu le temps de te répondre. Il va pas prendre un rappel non plus. Bon, c'est bien. C'est bien tous les deux. Félicitations, on fait le troisième tour qui fera peut-être la différence. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Guignolo. Pourrez voter pour votre préféré, là, dans un instant. Romano.
contre Cédric. C'est ton dernier tour, Cédric. Ah, j'espère que je vais le baiser. Ça. Troisième et dernier tour. Et vous avez tous les deux encore un rappel à utiliser. Ouais, ouais. Si ouais c'est vrai. Bah, moi, j'en ai pas besoin. J'ai serré. Bête de serrage. Voilà, bête de serrage. Bête de serrage. Oh putain. N'exagère pas. Voilà, Romano. Putain. Même Cédric. Tu vas te faire cramer là, par exemple. Vous êtes sur la messagerie. Trop de cramer là. Allez, un autre pour Cédric. Autre. C'est toi qui dis ça, gros. Oh là, j'en reviens bah pas. Bah ouais. C'est moi qui le dis, ouais. T'as bien entendu, ouais. Guignol. T'as bien entendu, le con. Guignol. Allez, Cédric. Allô. Allô. Ouais, bonsoir, Gilles. C'est Gilles. Oui, c'est Gilles. Comment oui. ça va, mon petit Gilou? C'est Michel, le voisin. Michel, le voisin. Ouais, ta femme, elle a la baraque, là. Allô. Oui. Ouais, ta femme, elle a la maison. Oui. Oui. Oui, je t'appelle parce qu'en fait, voilà, j'ai une petite galère, là. J'ai la bite totalement déshydratée. Et on m'a dit qu'il fallait hydrater ça ce soir. Donc, du coup, je pensais à ta femme. Alors, je sais pas qui t'es, mais ça va. Je vais te dire, Michel. Attention, ça va pas durer longtemps au téléphone, hein. Je vais venir à la maison tout de suite, là. Ouais. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, j'arrive. Bon, bah, c'est bon, il a dit c'est bon, j'arrive. Je suis comme Romano, là, pour le coup. Ah, mais qu'est-ce que tu arrêtes déjà de comparer à moi, un peu comme toi sur l'appel d'avant. Tu n'as pas de rappel? Bah, si, je prends mon rappel. Ah ouais, parce que mais qu'est-ce que t'as sur l'appel d'avant, gros? J'ai serré, mais t'écoutes les appels? Bah oui, j'écoute. T'es connecté sur quoi? Bah, sur Skyrock. Oh là, j'écoute France Info. Ah ouais, c'est pas la bonne radio. Oh, super. Il y a des trucs qui parlent, je comprends rien. Ça m'étonne qu'à moitié. Voilà. Ils ont parlé d'un pays qui s'appelle Koweït. Ils font du pétrole. De Koweït. Koweït. Je parlais Koweït. Ça, c'est ton rappel. Qu'est-ce que tu fais, Guignolo? Bah, il a rappelé, enfin, là, Romano, rappelle, toi aussi, tu comprends rien. Non, mais je t'explique, il essaie de me chauffer, ça ne fonctionne plus. Allô, Gilles? Alors, au lieu d'appeler en indisponible, ouais. Mets ton numéro comme non, mais moi, je suis disponible, hein. J'arrive tout de suite à la maison, hein. Au lieu d'appeler en indisponible. Et puis, si tu veux, je te donnerai même mon numéro, comme ça, tu pourras me rappeler une fois que je me serai occupé de ta femme. Ouais, ouais, va te faire foutre. C'est chaud qu'elle va kiffer, la belle. Va te faire foutre. Non, mais je suis à côté de chez toi, là. Gilles? Elle finit par va te faire foutre. Ouais. Oh là, il a dit qu'il allait me foutre. Ah, je pourrais dire ça, ouais. Oh, ouais, voilà, bête de serrage, flip flap floup. Allez, dernier tour de Romano, à toi. Bon, t'as eu ton serrage, Cédric. Romano a eu le sien. Est-ce que tu vas faire le doublé ce soir? À toi. Bah, on va voir. Allô. Karine. Allô, Karine. Allô, Karine. Donc, Karine. Karine. C'est pas Canine, sinon on est chez le dentiste. Vas-y, ça marche pas, je veux quelqu'un d'autre. Tu veux quelqu'un d'autre? On raccroche Karine. Je dis Christophe. Et on appelle Christophe. Et après, vous votez. Attendez, attendez, attendez pour voter. Ça vote déjà, là. Je vois José, là, qui est en train de voter. Salut, José. Mais attends mon top officiel. Nadia. Allô, Nadia? Allô, Nadia? Allô, Nadia? Oui. Ah, oui, bonsoir Nadia, mais comment, qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal à la gorge? Nadia a une voix d'homme. T'as une voix d'homme, Nadia? Tu m'entends? Nadia? Il y a tous les téléphones qui vas-y, sont parle, Nadia, là. Parle! Oh. Allô, Nadia? Tu peux me passer Nadia, s'il te plaît? J'ai rendez-vous avec elle pour faire l'amour ce soir. Allô? Allô? Aligno. Oui, cul, là. Comment? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et ta gueule. Bah, tu veux que je vienne? Ouais. Bah, vas-y, je viens. Et je vais bien m'occuper de ta femme et je vais bien m'occuper de toi également. Ah ouais, moi aussi, je vais m'occuper de toi. Viens ici, tu prends un coup de revolver, tu vois. Ah bah, moi, je vais te sodomiser, moi. Ah ouais, allez, salut. Ah bah, tout de suite, alors. Bon, écoute, j'ai droit à un rappel, en plus. Vas-y, oui, rappel. Allez, vas-y. Tu vas droit à ton rappel. Comme ça, je finalise. Un coup de revolver. Vous savez que c'est un cow-boy, quoi. Généralement, les mecs, ils arrivent avec un fusil. Non, c'est un revolver. Ouais, carrément. Un revolver. Bon, on le rappelle et après, vous allez voir. Ouais, bon, à mon avis, il le rappelle, je sais pas. Il allait chercher son revolver. Déjà, il a mis du temps à répondre. Donc, Je vais chez les flics, là. J'y vais tout de suite. Ouais, ben moi, j'arrive. Tourmentez bien qui c'est, l'appel masqué. Bah, de toute façon, j'arrive, moi, là. Bah, ouais, bah, bien sûr. Bah, vas-y, donc j'arrive dans 5 minutes et puis on fait l'amour.
Ah, malheureusement, on saura pas si tu fais l'amour avec lui. Écoute, mais bon, il y a une petite invitation et on a fini le clash. Invitation quand même. Top vote pour le clash. Vous pouvez y aller maintenant. Vous êtes retenu. Bah, allez-y, ne vous retenez plus. Votez pour votre préféré, Romano ou Cédric. Romano, ta déclaration. Eh bien, ce soir, mes amours, grâce à mon magnifique serrage sur le tour d'avant, je propose que, je sais, ça va être dégueulasse, qu'on décharge tout sur Cédric ce soir. Mais tu vas rien décharger. Qu'on lui fasse comme une douche de sperme. Allez, va te chercher. Qu'on le recouvre entièrement de notre semence. En votant quoi? En votant Romano, ROM. Mano, parce que je vous aime et vous le savez, mes amours, I love you. Cédric, ta déclaration. Ben moi, la famille, j'ai un putain de serrage sur le premier appel. Bruno et sa femme, ils m'attendent à la maison. Je vais débarquer là tout de suite. Pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. Soutenez-moi, la famille. Je vous aime très très fort. On peut lui faire fermer sa grande gueule à l'autre chauve. Je vous aime. On va se doucher, Cédric, ce soir. Votez Romano. Ben, va te laver déjà, toi. Pour bon, vous avez 5 minutes pour voter. Il est quoi, 22h07 jusqu'à 22h12. Vite, votez votre préféré. Cédric, Romano, vous nous appelez. Votez Romano. Tout ce que vous voulez aussi au 01 53 40 30 20. Dans un instant, on aura vos réactions pour Ryan. Ryan qui a trompé sa meuf parce qu'elle était trop coincée au lit, lui a dit. Et depuis, bon, ça va un peu mieux, mais il aimerait un peu, comme il dit, la dévergonder, aller un petit peu plus loin. C'est ça. Sexuellement parlant. Et on aura donc la démonstration de la Marie. La démonstration. Qui va nous montrer comment dévergonder quelqu'un. Bien sûr, ouais, avec Guigui d'ailleurs. Non, on avait dit Romano tout à l'heure. Non, Guigui. Non, mais moi je suis assez dévergondé, va. Bah. Ouais, c'est clair. Il y a Jack. Maintenant, il faut quelqu'un de coincé. Il faut un mec coincé du cul. Voilà. Tiens, allez, c'est toi. Allez, vas-y, c'est bon. Je suis réélu. Tu as été élu, coincé du cul ce soir. Ah, ça fait plaisir. Donc, ça fait plaisir, le titre. Ah putain, j'ai le trophée là. Marie nous fait une petite démo, puis les filles, si vous avez dévergondé votre mec. Les gars, si vous avez vous aussi dévergondé votre meuf, vous pouvez nous raconter. On attend vos messages. Ah bah oui. Ça me rassure pas cette histoire. Avec le 01 53 40 30 20. T'as raison de te faire du souci. Je crois que je vais me faire allumer là. Ah ouais, tu vas prendre cher. Marie va te faire quelques petites propositions. Ah, allez, on s'en occupe. On est sur Skyrock. On se fait Miley Cyrus tout de suite avec Flower. Et on se fera du PLK aussi avant 11h. Ah ouais, t'avais jamais vu une bite qui bondait. Romano. Je suis magicien. Marie. Tu mets ça dans la cuvette. Cédric. Ouais. C'est ça, ouais. Samy. À la limite, je te tends mes fesses. Karim. Les clitobites. Genre les meufs, il y a des meufs, elles ont des clitos, t'as l'impression que c'est une bite un peu. Guigui. Femme qui rit totalement dans ton lit. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, radio libre en direct sur Skyrock. Merci à vous d'être là. Vous profitez de la soirée. Vous nous appelez au fait de la radio avec nous. 01 53 40 30 20. Dans un instant, on va revenir aux histoires de groupes de potos et on va attaquer les groupes de potes qui baisent ensemble. On aura Léo de Lyon qui est au téléphone avec nous. Salut Léo. Yo les gars. Yo. Salut Léo. Léo. C'est Léo le Lyonnais qu'on a au téléphone. T'as 24 ans toi Léo, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah écoute, sois le bienvenu. Ah, tu vas nous raconter ce qui s'est passé dans ton groupe de potes toi. C'est ça, hein? Yes, exactement. Tu vas tout nous expliquer. Ça a baisé? L'histoire, ouais, ça a baisé, tu vois. C'est un truc de baise. Tu t'es fait baiser, Léo? Pourquoi il s'est fait baiser, Léo? Ça a baisé, il a pu se faire baiser. Oh, il est jaloux, Romano. Non, pas du tout. Non, parce qu'on est un groupe de potes aussi, nous, à Skyrock. Là. Ah, ben non, mais c'est pas ensemble. Bon, je le dis, Romano aimerait bien faire l'amour avec un des membres de l'équipe que je ne sais pas. Ah, non, mais vas-y, va pas m'exciter ce soir. Mort, là. C'est Cédric. Ah, bah tiens, je voulais pas le citer, c'est cité lui-même. Mais je vous l'ai déjà dit plein de fois. Un jour, faudrait que vous essayiez. Et je t'ai dit, il bande sur moi, lui. Mais essayez, faut pas mourir idiot. Mais non, mais je serais jamais fait un truc avec un mec à part branler ton pote. Non, mais j'ai jamais branlé un pote. C'est un malade de dire ça. Bah écoute, ouais, voilà, allez un petit. C'est rien, pas, bro. Je sais pas ce que t'en penses, Léo. Ah, c'est rien. Allez un petit peu plus loin, ça peut être assez. Commence par Guigui, là, à côté de toi. Bah. Ouais, bah évidemment, bah parce que il est en galère. Non, mais c'est bon, il va se faire déjà démater le cul par Marie. Ouais, voilà, je suis tout prêt. Non, 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 je ne le touche pas. Il est immonde. Tu vas kiffer ta soirée, toi. Léo, tu vas prendre cher. Ah bah ouais, depuis tout à l'heure, là. Tu restes avec nous, Léo, tu vas nous expliquer. Depuis que Guigui, enfin Marie, elle sait que t'as une petite bite, elle est bloquée, elle a eu un blocage. Je sais pas pourquoi. Non mais même. Non, mais tout à l'heure t'as dit une saloperie. Je vais te dérouiller le trou du cul. Non mais non. Putain, quelle chance. Je vais pas le toucher. On te reprend, Léo, tu vas nous expliquer. Puis dis-nous si s'est passé des trucs dans votre bande de potes. Vous êtes une bande de potos. Puis il s'est passé 2-3 trucs. Karim, tu nous expliquais ta bande de potes avec les deux potes qui se sont sucés là. Ouais, non mais c'est pas des potes, c'est des mecs que je connais. Des connaissances. Ah d'accord, je crois que c'était pas des potes. Ah bande. Allez vas-y, dis-nous c'était best. Ouais. Ah gros putain. Et comment ils ont réagi? C'était mal à l'aise? Ah, ils étaient mal à l'aise, gros. Et en fait, normal. Je sais pas c'était quoi l'histoire. Ils se retrouvaient à se sucer, gros. Mais nous, on se foutait de leur gueule après. Ah, c'est pas gentil, ça. Ouais, si, c'était drôle. On était petits, gros. Vous aviez quel âge? On avait 11 ans, je crois. Ah, gros, 11 ans. Ah, je te jure, ah, gros. Ils se suçaient à 11 ans. Ouais, 11 ans. Mais on jouait à cache-cache, gros. On jouait à cache-cache. On s'est cachés dans les chiottes. On les a trouvés en train de se sucer. C'est meilleur qu'un film de cul. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es chelou, toi, comme mec. Bon, Léo, tu bouges pas. Tu restes avec nous. On va revenir avec toi. Tu vas nous raconter ta story. Et puis là, il y a des témoignages pour toi, Ryan. Alors, Ryan, toi, tu voulais débloquer ta meuf. Ouais, c'est ça. Et donc, parce que c'est une bonne idée, tu l'as trompé pour ça. Non, mais il a pas. Oui.
Enfin bon, ça, bah, si, il l'a trompé quand même. Oui, mais c'était avant. C'était pas pour la débloquer. Tu l'as trompé parce que sexuellement parlant, vous étiez pas. Enfin, ça allait pas assez loin pour toi. C'est ça. Donc, t'as trompé ta meuf. Et puis, comme t'es un mec transparent, comme tu nous l'as dit, à un moment, elle t'a demandé pourquoi t'étais bizarre. Et bah, tu lui as dit, bah, je t'ai fait cocu. Et après, tu lui as expliqué, on va pas assez loin au lit, etc., etc., etc. Et elle essaie de faire des efforts, du coup. Donc, ça est plutôt pas mal. Oui. Alors, elle essaye de faire des efforts, mais pour toi, c'est encore un petit peu coincé. Ouais, ouais. T'as peur de lui proposer des trucs un peu trop osés. Eh bien, on a peut-être la solution avec Benjamin, puis Marie qui nous fera une démonstration sur comment déverglander Guigui. Parce que Guigui, je suis pas rassuré. Tu nous as dit que t'étais un peu classique, plan-plan, niveau cul. Ouais. T'as pas fait des trucs. Bah non, j'ai rien fait de folichon, non, c'est sûr. Bah, en plus, mais. Ouais, non, mais en là, plus, tu t'as pas baisé depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que t'as pas quitté? Je ne compte plus. Voilà, il compte plus. Non, mais genre, ça fait un an. Ça fait des années, là. Non, pas un an, peut-être pas un an. Alors, Benjamin. J'espère pas, je saurais pas te dire. J'espère pas. Viens voir. Donc, tu vois, Ryan, il y a quelqu'un qui vient de sauver, c'est Benjamin de Brest. Il a le même âge que toi, en plus, 26 ans. Salut, Benjamin. Ah oui, Benji. Excuse-moi, Benjamin, je m'étais trompé de ligne. Et tu là, Benjamin? Salut, Benjamin. Yep. Oui, je suis là. Salut. Bah, merci à toi, Benjamin, de nous appeler. Comment ça va en Bretagne? Bon, ça va. Pour une fois, il fait beau. Ouais. On se plaint pas. Bâtard, pour c'est les vacances en Bretagne aussi. De toute façon, c'est vacances partout, sauf dans l'Occitanie et en région parisienne. Ouais. Bon, ça arrive fin de semaine. Pour l'Occitanie et la région parisienne, ouais. Ouais. Puis il y en a qui reprennent lundi. Eh oui, ça c'est vrai, c'est moins drôle. Ouais, lundi, non, c'est férié. C'est non, le premier. Non, lundi, c'est pas férié. Ah non, pas encore, non, excusez-moi. Excusez-moi que vous avez fait faux choix. Une semaine d'avance, toi. Ah bah non, il n'y a pas de férié, du coup. La zone A, c'est annulé. La zone A, vous reprenez vraiment lundi. Hein. Ah oui, il n'y a pas de jour férié. Là, je pensais qu'on était déjà le 1er mai, mais non, pas encore. Non. Ou alors, vous tentez le coup, vous dites, vous revenez mardi, puis vous dites, ah bah j'ai entendu sur Skyrock, l'autre jour, ils ont fait ouais, genre, c'est à cause de Romano. Faux choix. Bon, alors, Benjamin, dis-nous, qu'est-ce que tu. Parce que toi, t'as connu à peu près la même chose avec ta meuf, toi, une meuf un petit peu pas très sexe. J'ai pas tout suivi pour Ryan, mais moi c'était en fait j'étais son premier amour, donc c'est la première fois qu'elle le faisait avec quelqu'un. Et en fait elle avait tellement peur de plein de choses, parce qu'elle a quand même regardé du porno et tout, mais elle voyait des choses qui pourraient la dégoûter. Et en fait elle en avait peur pendant longtemps. Ah bah quand on regarde du porno et si on s'imagine que les relations sexuelles c'est la même chose, c'est vraiment comme ça, oui c'est pas ouais. Ouais, donc du coup elle avait énormément de blocages, genre flipper, ouais. Elle faisait pas de préliminaires elle. Mmh. Ah mais genre tu l'as niqué à sec. Certaines préliminaires quoi. Oula. Tu rentres à sec? Bah non, du coup, j'ai eu lubrifiant. Mais le truc, c'est qu'il y avait plein de choses. Bah ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je pouvais pas humidifier, je pouvais rien faire. Et au bout d'un moment, bah moi, on était coincés dans une relation où déjà, on le faisait pas beaucoup. Après, je peux comprendre au début, mais bon, par la suite, c'était chiant. Mmh. On le faisait vraiment pas beaucoup. Et du coup, bah moi, au bout d'un moment, bah, j'ai craqué hein, pendant une soirée. J'avais une pote qui était là avec qui on s'entendait bien, et puis bah on a fait ce qu'on avait à faire. Mais tu penses que t'as fait ça uniquement parce que sexuellement, comme Ryan, hein, sexuellement t'étais en manque de quelque chose ou c'était tellement platonique, tellement lent, mou et peu souvent que je sais pas, c'est bâtard de dire ça comme ça, mais bon, on reste des hommes quoi, on a des besoins, on a besoin de faire des choses. Ah non mais moi je peux te comprendre si la meuf genre elle écarte les jambes. Ouais mais c'est la première fois. Il y a pas de oui non mais d'accord, mais tu sais qu'il y a pas de préliminaire, il y a rien, tu te badigeonnes la queue de lubrifiant et tu rentres dedans, tu gigotes puis tu limite c'est médical le truc. En fait les premières fois enfin je le comprenais, je suis pas un monstre, je comprenais très bien que c'est compliqué, mais bon par la suite quand ça faisait quasiment 2 ans qu'on était ensemble moi je comprends et tout ça moi j'ai... En 2 ans t'as le temps quand même d'avoir confiance en ton mec et que ça se passe mieux. Ouais après c'est même pas le fait qu'elle ait pas confiance, c'est le fait qu'elle se braque elle-même en fait, elle se met des blocages et du coup au bout de 2 ans par la soirée, donc j'ai trompé et sincèrement c'est quand même la pire chose qu'on peut faire à une femme qu'on aime, parce que je me sentais super mal, donc je lui en ai parlé, je lui ai dit t'es comme Ryan toi, tu lui as avoué. Ouais je lui ai dit, parce que personnellement je me sentais mal de l'avoir fait déjà et je me sentais mal de le lui cacher en fait. Ouais. Donc tu lui as dit je t'ai fait cocu, j'ai t'en baisé une autre. Non, en fait, je lui ai dit quasiment le lendemain, parce que j'ai dit le surlendemain, je lui ai dit pendant la soirée, là, il y avait une copine à moi qui était là. Sincèrement, je suis navré, j'ai fait ce qu'il fallait pas, j'ai dépassé les bornes. Je suis pas rentré dans les détails, mais je lui ai dit, quoi. Donc, je pense que les détails. Oui, tu rentres pas dans les détails. Voilà, t'as pas besoin de rentrer dans les détails, t'as quoi. Pas envie de savoir. J'ai la meuf, tu lui expliques, j'en ai sauté une autre, bon. Oui, si tu le rentres. Je pense que ça suffit, le supplice pour la meuf. Sincèrement, quelques temps après, elle m'a quand même demandé ce que j'avais fait, pour savoir exactement tout ce que j'avais fait. Ah ouais, sexuellement parlant, elle voulait savoir ce que t'avais fait avec la meuf. Elle a voulu le détail pour savoir ce qu'elle faisait pas, elle, en fait. Et donc, tu lui as dit quoi? Bah, je lui ai donné les détails de ce qu'on avait fait, tout simplement. Mais sur le moment, quand je lui ai dit, en fait, on était assis en train de manger à table, et je lui ai dit ça à table, quasiment au dessert, en fait.
T'as bien fait. Comme... Elle a fait quoi? Elle a tout rendu ou elle t'a foutu la tape sur la gueule? Non, elle a fondu en larmes. C'est triste à voir. Bah oui, oui. Non, non, elle a fondu en larmes. Ouais, mais c'est horrible. C'est totalement normal. Non, mais au moins, elle aura fait un beau, elle aura fait un beau repas. Ouais, ouais, bah. Ah, mais moi, ça aurait pu... moi, dans le sens inverse, ça peut me faire gerber, hein. Ah non, mais elle avait plus faim à la fin. Ah bah, tu l'as coupé l'étonnant, dis donc. Bon, attends, tu vas bien finir le repas, merde. Mais merde. Non, mais c'est pour ça que t'as bien fait de lui dire à la fin du repas, c'est mieux. Non, et puis bah, du coup, sincèrement, après, elle était tellement dégoûtée que bah, pendant quasiment 3 mois, on n'était plus ensemble. Puis, elle est revenue avec des conditions que j'ai acceptées parce que c'était moi qui ai fait l'erreur. Donc bah, t'as fait profil bas, quoi, forcément. Et c'est quoi les conditions? Ouais, c'est ouais, bah, tu vas faire cocu. Il y a d'autres affaires que de s'excuser et espérer qu'elle avait. Oui, mais dans ce cas-là, ouais, t'as juste à fermer ta gueule, oui. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait, clairement. Ouais, t'as bien fait. Et ça, est-ce que ça a été un déclic pour vous, sexuellement parlant, pour qu'elle aille un peu plus loin, pour que... Ouais, voilà. En fait, le truc, c'est que une fois qu'on s'est remis ensemble, elle m'a dit, dans ces conditions, par contre, du coup, je veux tout savoir ce qui s'est passé dans la soirée, tout ce que t'as fait, que je comprenne ce que moi je fais pas, et que t'as besoin. Tout simplement. Et du coup, bah, je lui ai expliqué un peu tout ce que, ma copine me laissait faire, enfin, ma pote me laissait faire. Est-ce que t'en as rajouté un petit peu? ouais, en plus, oui, ouais, j'ai des choses que j'avais envie de faire avec elle et que je... Non mais franchement, bah, étant donné qu'elle te demande, ouais, tu te dis bon vas-y, je vais mettre la bonne dose. Et t'as mis quoi? J'ai rajouté 2-3 trucs en plus. T'as mis quoi dans la liste? Il y avait quoi? Enculé par exemple. Oula, ah, ouais. Tu as dit que tu l'avais enculé alors que t'avais pas enculé ta pote. J'avais jamais enculé personne avant. D'accord. Et donc finalement tu l'as enculé. T'es un bâtard quoi. Et du coup il y avait ça que je voulais faire et puis tenter ce qu'on avait vu une fois dans les pornos, c'est-à-dire la gorge profonde. Ouais. Ah ouais, tu es pas allé de ma morte quand même. Ah ouais, enculage et gorge profonde. Tout est passé là. Le menu, dis donc, il était juste en merde. Bah mais je lui ai pas dit ça comme ça. Enfin, je lui ai dit que j'avais fait ça avec elle et que bah j'aimerais bien un jour faire avec elle. Et la gorge profonde après l'enculade. Non, l'inverse. D'abord l'enculade, après la gorge profonde. C'est mieux. Ouais, non, si on pouvait faire l'inverse, c'est sympa pour elle. Oui, c'est mieux pour elle, ouais. Mais non, du coup, je lui avais dit ça, donc bon, bah, par la suite, en fait, elle a fait l'effort d'essayer certaines choses et de voir ce qu'elle pouvait vraiment pas faire, en fait. Et elle m'a dit, si je peux pas faire, c'est que je peux pas faire. Donc du coup, bah, vous vous doutez bien que j'ai fait une croix sur la gorge profonde. mais tu l'as enculé. Mais par contre, bah, il s'avère qu'elle aime bien ça. Ah bah tu vois, d'essayer des trucs. Bah ouais, c'est ce que je veux dire. En fait, par la suite, donc c'était quand même tendu, mais dans les compromis, donc elle a accepté de faire certaines choses et tout. Et puis elle m'a dit, mais si j'aime pas, j'arrête. Et quand on a fait donc la pénétration anale, elle était sur le coup, bah ça faisait super mal. Mais en fait, par la suite, elle m'a dit que la sensation, c'est incroyable. Après, elle m'a dit, je le ferai jamais sans lubrifiant, par contre. Oui, bon. Je comprends. Non, mais c'est mieux que ce soit un peu. Oui, c'est vrai que c'est mieux que ce soit que ça coulisse un peu mieux plutôt que ça racle sur les. C'est mieux. Sur les bords. Moi, j'ai du mucus anal. C'est bien pratique, Marie, mais tout le monde n'en a pas. Eh ah oui, bon tout le monde n'a pas de mucus, anal. Ah ouais, moi aussi, ça me dégoûte. C'est une petite pâte marron. Ah non, mais je mouille du cul. On appelle ça les mucus. Ah, les mucus, mucus anal. Et ouais, alors la faut que tu lui fasses une liste, Ryan. Elle t'a pas demandé ce que t'avais fait. Ah avec mais l'autre. C'est peut-être mollo parce que toi la gorge profonde et la pseudo, t'y as pas été de main morte quoi. Après, ah ouais, t'as tout tenté. Ça restait mes fantasmes personnels, donc c'est très égoïste, mais je voulais quand même le faire. Et puis ben, je me suis dit que comme c'était elle que j'aimais, c'est avec elle que j'aurais voulu le faire et pas avec. Non mais t'as quand même. Au final, il y a des trucs qui lui ont plu. Non mais t'as quand même eu de la chance au final. Si moi je mets le truc dans le sens inverse, ma meuf elle m'explique qu'elle était se faire baiser ailleurs et qu'en fait le mec il l'a. Il l'a mieux baisé. Ouais, il l'a mieux baisé et elle me dit et je lui demande ouais c'est vrai que je te fasse quoi et elle me dit ouais une gorge profonde et que tu m'encules. Moi je pense que la meuf je pète un câble. Je pète un câble et je l'envoie chier mais je lui dis mais vas-y casse-toi. Présenté comme ça, c'est pas, ça reflète pas la réalité. C'est-à-dire que je lui ai pas dit ça direct. Je lui ai dit tout ce qu'on avait fait dans le sens que j'avais pu lui brouter le minou, ce genre de choses qu'elle ne voulait pas. Ah, mais même, t'imagines la violence du truc. Hein. Elle voulait pas de cunis, elle. Non, en fait, ça l'a dégoûté parce que bah, dans les pornos, généralement, t'entends des bruits, t'entends des bruits de langue et tout. Et ça, c'est le genre de bruit qu'elle aime pas. Mais la réalité est tout autre déjà, elle est beaucoup plus loin. Non mais faut vous dire que si vous n'avez jamais fait de sexe ou vous êtes jamais allé très très loin parce que vous avez vu des pornos, la vie c'est pas comme dans un porno hein. Non, c'est clair. Certains diront malheureusement, parfois on peut se dire heureusement. Ouais, quoi, ça n'est pas le porno. Ouais. Oui, c'est vrai, parfois. Là, franchement, moi je suis ouvert, il y a des trucs des fois ça dégoûte. Hein. Ah ouais ouais. Bon ben bah, écoute Benjamin, c'est intéressant de voir tout ça, j'espère que ça se passera pareil. T'es encore avec elle aujourd'hui? Ouais, ça se passe super bien. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble maintenant et. Bah, c'est bien. Et t'as jamais plus envie de la retromper? Jamais, jamais.
Non, absolument pas. Non, c'est. Ah, c'est du carrière, en fait. Non, mais c'est bien, tu vois. Ryan, j'espère qu'il va se passer la même chose pour toi, en tout cas. Hein. Bah, on te le souhaite. J'espère aussi, hein. Alors, attendez, bougez pas, parce qu'on a Kevin. Vous pouvez réagir en direct, hein, 01 53 40 30 20. Je vais l'embrasser Marion aussi, parce qu'on parle des filles qui sont un peu coincées niveau sexe. Et enfin, plus coincées, ce que vous, vous aimeriez faire avec, les gars. Mais il y a également l'inverse. Il y a Marion G qui nous envoie un message qui nous dit. Moi, c'était avec mon mec, je suis resté 10 ans avec, et elle a 32 ans aujourd'hui. Et j'ai jamais réussi à le dévergonder, pas de préliminaire, jamais, il m'embrassait pas. Ah ouais, putain. T'as 10 ans. Et t'as plus 10 ans avec. On l'appelle dans 5 minutes, Marion, elle sort du taf là. Très bien, Marion. Bah, merci pour ton message. Vous pouvez, si vous sortez du taf ou que vous soyez, nous laisser vos messages, hein, avec l'appli, l'appli Skyrock, ou alors au 41-759. Et ouais, il y avait Kevin aussi, qui nous appelle d'Avignon. Kevin qui a 25 ans. Salut, Kevin. Salut les gars, ça va ou quoi? Et salut, Kevin. Salut. Bien, Kevin. Ça va, ça se passe, je suis content de vous avoir, hein. Eh ben, c'est gentil de nous appeler, Kevin. En plus, j'aime bien Avignon, c'est sympa comme ville. 8-4. Ouais, ça, c'est cool. C'est beau. Moi, j'ai jamais foutu les pieds là-dedans. Bah, c'est, c'est pas mal, franchement. Il y a des pires, il y a un pont d'Avignon. Oui, non, mais. Non, mais il y a des petits bars et tout, c'est mignon. C'est de l'envie, tiens, je vais aller voir un pont. C'est le pont d'Avignon. Et je vais danser dessus. Ouais, exactement. Eh, cool. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à l'histoire de Ryan, toi, Kevin? Alors, moi, j'ai eu la même histoire. Sauf que derrière, moi, j'ai complètement développer l'infidélité, c'est-à-dire que je peux pas m'empêcher tous les 3 jours, 4 jours grand maximum, et je vais voir ailleurs. Ah, donc toi t'es avec une meuf, et toi, sexuellement ça va pas très loin, et donc t'as un cocufieur compulsif. C'est ça. Exactement. C'est juste pour le sexe, tu vas voir ailleurs. Que pour le sexe, j'aime énormément ma femme. Ouais. C'est beau. J'arrive pas du tout à la quitter. Elle a fait des efforts, alors je suis comblé, c'est-à-dire qu'elle fait certaines choses, mais moi par exemple, il faut savoir que quand je suis beaucoup excité, ben, j'ai une genre de mouille qui sort. Ah, de la bite. Ouais, ça c'est normal, ouais. C'est la gougoute, on appelle ça la gougoute. Ouais, la gougoute. C'est la gougoute, voilà, pour lubrifier le vagin. C'est le liquide séminal. Ah ouais, et le problème c'est que... Oui, le liquide séminal, moi c'était le sperme. Non, le sperme, c'est le sperme. Ah ouais. Sinon, ça ne s'appellerait du coup pas le liquide séminal. Ça s'appelle pas la gougoute. Non, ça s'appelle, je crois, hein. Je crois que c'est le liquide séminal et après t'as le sperme, quoi. Il me semble, ouais. D'accord. Attends, je vais regarder. Ouais, c'est ça. Et puis, ça dépend des mecs, hein. Il y en a pas de temps en temps. Ah, Marie. Je suis très déçu quand il n'y en a pas. Ah, ben, par exemple, quand je suis avec d'autres meufs, je l'ai pas, ça. Je l'ai pas. Pourtant, je l'ai bien dur. Mais quand je suis avec ma femme, je l'ai tout le temps. Même pour des bisous. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est flatteur pour elle. Et le problème, c'est que ben, plusieurs fois, ben, quand elle fait des fellations et tout, ben, il y a ce liquide-là et ça la dégoûte. Ça la dégoûte. Et depuis, elle veut plus me. Ben, il n'y a plus de. Il n'y a plus de sucette. Que du bouffe de la chatte, en fait, limite. Ah, mais il faut essuyer le truc. Bah oui. Ben, le problème, c'est que c'est pendant qu'elle me suce. Donc, t'es excité. Toi, t'étais un gros mouilleur, toi, Kevin. Ouais, quand même, mais c'est qu'avec elle, c'est ça qui me surprend. J'ai déjà demandé à d'autres meufs, elles m'ont dit non, y a pas. Ouais, ou alors elles ont pas remarqué, elles ont pas capté, ça. C'est physique, en fait. C'est une lubrification naturelle du zboub. T'es un gros mouilleur, toi, Romano? Ah ouais, mais moi, je suis un gros. Ah, t'es un gros mouilleur de liquide séminal. Je liquide bien séminalement et j'ai beaucoup de sperme également. D'accord. T'es un gros mouilleur, Cédric, ou pas? Non, pas trop, non. Mouille pas, toi. Non, pas trop, non. T'es déshydraté de la bite. Tiens, j'aurai les résultats du clash à vous donner dans un instant. En parlant de déshydratage de la bite, c'était la méthode de Cédric. Il y a des gros mouilleurs dans l'équipe? Moi, juste ce qu'il faut, je pense. Mais des fois, moi, quand je bande dans mon caleçon, tu sais, le caleçon peut être un peu, mouillé. T'as un gros mouilleur, toi. Ah ouais, là, ça c'est. Ouais, mais moi, de toute façon, je suis un gros producteur de liquide. Alors, j'ai tapé liquide séminal sur Google. Alors, écoute bien, Guigui, ça va t'exciter. Ah, vas-y. C'est bon, liquide séminal, grande ablution. Après, ça dit liquide séminal jeune. Ça, c'est pour certains membres de l'équipe. Voilà. Et après, en 3, liquide séminal prière. Pourquoi prière? Je sais pas, c'est écrit à Saint curé. Par rapport à la religion musulmane, on est obligé de refaire nos ablutions quand on l'a. D'accord. Étant donné ce qui précède, la sécrétion de ce liquide dans le cas annule la prière et les ablutions. Ce que tu dis. Toi, je savais pas non plus. Il faut que vous laviez les endroits touchés par ce liquide de façon à se mettre à l'abri de la divergence des oulémas sur cette question. Ah putain. Putain, là, tu parles, c'est chinois, quoi. Bah, c'est rebeu. Ah non. Non, mais dans le sens où je ne comprends rien. Ah, musulman, on va dire. Alors, liquide séminal. Et qu'est-ce que c'est, le liquide séminal? Liquide composé de sécrétions des vésicules séminales et des sécrétions prostatiques. Il se mélange aux spermatozoïdes, ici, le testicule,
au moment de l'éjaculation. Ah non, en fait, c'est t'as d'un côté le liquide séminal, de l'autre les spermes, et au moment. Ah, c'est le. Ouais, c'est la dent qui arrive. Tu l'as. Tu, ça fait un cocktail. À un moment, il se rend compte, ça fait un cocktail. Ouais, mais ça apparaît quand même avant de, le sperme. Ah, oui, bien avant, bien avant. Même dès le début, et pour, des fois, je peux faire des séances de, ben, de 10-15 minutes bien intenses, et c'est là où je sors tout, hein. Donc. Ah, Mister Cocktail, j'adore Mister Cocktail. Phil Santé Jeune, je suis dessus. Oui. Le liquide pré-séminal, c'est quoi? C'est un liquide visqueux et incolore, sécrété par des glandes. J'adore. Émis par l'urètre de l'homme lorsqu'il est sexuellement excité par la masturbation, les préliminaires, au début d'un rapport. C'est quand? C'est avant l'éjaculation. Il survient systématiquement à partir d'un certain niveau d'excitation. Il faut que l'érection soit suffisante pour que ce fluide apparaisse. Alors la gougoute, c'est le liquide pré-séminal, c'est ça en fait? C'est ça, exactement. Voilà. Très bien. Et le problème, c'est que c'est les glandes de Cooper qui le... Waouh. Ce brave Cooper. Il est sympa, hein, ce brave Cooper, ouais. Bon. Mais ben. Voilà, donc depuis, ben, comme il y a moins de choses, ben ouais, je peux pas m'empêcher, donc ça peut être travail, des anciens ex. Ah ouais, donc tu baisses tous les trois jours avec le sens, et ta meuf, elle s'est jamais rendue compte de rien. Alors faut savoir que je suis un très très gros cachotier. J'ai avant d'être avec ma meuf, j'étais un charro professionnel. Charro professionnel. C'est écrit sur son CV quoi. Oui, charro professionnel. Voilà, donc ça veut dire que j'ai toutes les combines pour pouvoir tromper. Même des, quand on se fait attraper, j'ai même des traces types pour pouvoir contre-attaquer. Tu devrais sortir. Mais tu dis quoi? Tu devrais faire un tuto, toi. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, je dis quoi? Bah, tu dis quoi à la meuf quand elle te crame? Tu dis que t'as la phrase magique pour qu'elle se calme? Bah, alors, ça dépend dans quelles circonstances. C'est-à-dire, si elle trouve un message, là, je peux rien dire, je suis mort. Mais ah oui. Bon, je fais en sorte de pas qu'elle trouve. Mais j'ai déjà eu des tentatives où elle a fait des faux comptes, etc. Parce que je suis dans tous les sites de rencontres, etc. Ah ouais, t'as dalleux de chez dalleux, toi. Ah, j'ai fait un mois. Eh, hey, j'ai fait. Eh bien, mangez-moi. Ah, attends, bouge pas, Kevin, parce qu'il y a Mathieu qui voulait réagir pour l'histoire du liquide séminal, Mathieu du 6-2. Salut, Mathieu. Salut, l'équipe, ça va ou quoi? Ça va bien. Donc, Mathieu. Donc, t'as 29 ans et toi aussi, tu voulais réagir comme ça en speed. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ce dont on a parlé? Ou le liquide séminal, je crois que c'est sur la gougoute que tu veux réagir, toi. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est pas la gougoute, c'est la mare, quoi. La mare. Ah, t'as un gros mouilleur de gland, toi. Attends, tu mouilles encore plus que Romano qui laisse des taches sur son jean. Non, pas fact. T'as dit full comme il remixe les trucs. Ouais, mais grave. Jamais. J'arrose les jardins. Avec je me mets au-dessus des fleurs et ça dégouline. Non. Quand j'ai un calbar et que je suis vraiment bien excité, tu sais, et que, bah, forcément, quand je bande, ça décalote, tu sais, ça peut laisser une petite trace humide. Complètement décaloté, hein. Absolument, ouais. Non, mais ça peut laisser une petite trace humide sur le caleçon, mais c'est tout, quoi. Et toi, Mathieu, ouais, donc toi, c'est vraiment des, c'est beaucoup. Non, moi, c'est, en fait, c'est comme si j'étais incontinent, quoi. Ah, c'est comme si tu pissais, en fait, toi, la gougoute. Ah ouais, moi, ça m'est déjà arrivé de changer de slip et de pantalon, quoi, parce que ça passe à travers. Ah, tu mets des slips. Ah ouais, à ce point. Ouais, je mets encore des slips, là, de temps en temps. Sexy comme Samy, quand il fait ses compétitions de culturisme. Exactement, en slip, ouais, pareil. La même, même chose. Ah ouais, non, c'est... Et t'as déjà des meufs qui ont... Dis-nous, les filles, si ça vous excite ou ça vous dégoûte, Marie, toi, ça t'excite, toi. De quoi, la gougoute? Ouais, ça montre qu'il est excité, trop, le mec. Non, pas spécialement, c'est pas... Non. Quand t'as soif. C'est salé, ce truc. Ah, c'est salé? Ouais, moi j'avais un mec qui était un peu comme... Enfin, c'était pas autant. Comme Mathieu? Ouais, c'était pas autant, mais je me souviens, ouais, quand je le suçais, c'était un peu salé, c'était un peu space. Non, t'aimes pas. T'as vu le message de Elvira? Non, je te coupe, Marie, pardon. Elle dit, elle peut pas passer, gros. Ah ouais, bah elle est déçue parce qu'elle adore ça, la gougoute, et son mec, il en a pas du tout, elle est frustrée, quoi. Ah, son mec, il est tout sec. Ouais. Donc ça peut être un atout de séduction, les gars. Si vous êtes sur les applis de rencontre, vous pouvez dire que vous avez beaucoup. Si vous avez beaucoup de gougoutes comme Mathieu, grosse tu vas mettre ça sur ton profil. Bah, on sait jamais. Regarde, Elvira, elle cherche. Elle adore la gougoute. Elle adore ça. Il y a des filles qui ont été dégoûtées par ça, toi, Mathieu, ou pas? On va dire ouais. Sur 5 filles, il y en a 4 qui ont été dégoûtées. Après, j'ai rencontré une ou deux meufs que ça excitait, quoi. C'était un peu comme une femme fontaine, mais version homme, quoi. Il y a Médisa qui nous dit c'est comme s'il éjaculait dans notre bouche quand on le suce, alors qu'il éjacule pas. Ouais, alors là vraiment c'est qu'il est très 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 mouillé. Ah ouais, à ce point-là quand même pas. Très 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 mouillé du job. Ah moi c'est ça, c'est comme le premier jet de pisse en fait, c'est. Et ça te le fait à chaque fois que t'es excité, toi, c'est pas avec une meuf en particulier et pas avec d'autres? Ben généralement c'est quand on foisonne dans le cul, mais ça peut varier. D'accord, très bien.
Ah, c'est l'interrupteur en fait. C'est l'interrupteur. Dans, t'as le robinet, t'as le robinet que dans le trou de balle, toi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ah ouais, non mais c'est marrant. Mais quand tu parles de jet, mais ça gicle aussi. Ah ouais, ouais, ça gicle des fois même plus que le sperme, quoi. Ah ouais. Ah ouais, donc toi ça. Ouais, mais t'as pas la jouissance à ce moment-là. La jouissance, ça vient quand il y a du sperme. Bah en fait j'ai un orgasme pas pareil que quand je lâche la chose, quoi. Ah d'accord, donc quelque part t'as deux orgasmes, t'as un pré-orgasme et après un autre orgasme. Exactement. Un pré-orgasme avec le truc transparent qu'on dit, donc la gougoute, et un autre orgasme avec du sperme blanc, quoi. C'est ça. Ah c'est marrant toi comme t'es foutu, Mathieu. Ah ouais, c'est chelou. J'adore. Non, mais c'est étonnant, j'avais jamais vu ça, moi. Tu vois, Marie, Mathieu. Bah quoi, non, mais écoute, peut-être moyen, on sait jamais. Tant mieux, tu vois. Et tant mieux pour toi, mais. Tant mieux pour toi. Ok. Ah ouais, donc un autre message de Elvira qui nous explique son délire, là. Ah, Elvira. Elle dit que la texture, c'est pas comme le sperme, elle trouve ça doux, c'est agréable. Non, mais c'est plus liquide, hein. Ouais, c'est plus liquide. En tout cas, je parle de ma goutte à moi. Non, mais bien sûr, ouais, t'as raison. Il y en a un qui est en train de se pourlécher les babines, là. Oh, je dire, pas du tout, non. Enfin, là, parle pas de moi, là. J'en peux plus. Oh, je vais craquer. Moi, non. Je vais cracher, surtout. Mais casse-toi, les trucs. Bah, écoute, merci du témoignage, Mathieu. Comme quoi, on est tous différents. Pas de bon, pas de voilà, bah, tu sais que t'as un représentant, au moins, dans l'équipe. C'est Romano, le gougouteux. Gougouteur. Bon, ça va, c'est sympa, alors. Bon, on t'embrasse, Mathieu, on t'envoie ton t-shirt Skyrock. On est ensemble dans la gougoute. Ouais, exactement. Kevin, merci du témoignage. Est-ce qu'un jour, tu te présentais comme le charreau du 8-4, est-ce qu'un jour, tu penses que tu seras fidèle avec ta meuf? Là, je suis en train d'essayer. Et t'y arrives pas, ouais. 7 jours, là. Je suis à 7 jours. Ah non, mais oui, mais bon, fidèle. Mais c'est vrai qu'au début, mais tu as dit c'était tous les 3 jours. Faut savoir aussi qu'elle a fait beaucoup plus d'efforts et c'est beaucoup plus dévergondé. Tu veux dire sexuellement, que ça va mieux, ouais. C'est ça, ouais, je lui ai dit, en fait, je lui ai un peu fait comprendre que je commence à regarder d'autres femmes, mais que je suis pas allé voir ailleurs. Parce qu'il faut savoir qu'elle pensait que je voyais que par elle. Parce que quand même, il suffit que je la vois que j'ai la barre, par exemple. Donc ça fait que ouais, me voyait un peu acquis. Ouais. C'est ça. Et le fait de l'avoir dit, ben, j'ai l'impression que ça l'a un peu réveillé. Non, mais peut-être, donc, peut-être qu'en discutant. Il y a un message que nous a laissé le dragon débridé pour toi, Ryan. Ouais. Ryan, donc c'est pour toi qu'on a eu tous ces témoignages, celui de Kevin, celui de Mathieu, de Benjamin aussi. Dragon débridé qui dit parlez de vos fantasmes tranquillement. Exactement. Ryan. Si vous aimez assez, vous pouvez aborder, parler de ça. C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est pas faux, ouais, c'est clair. C'est très important. Et tu lui proposes, tu lui dis voilà, si t'as ça comme fantasme, moi je fais ce que tu veux. Je fais des efforts, on va dire. Ouais, je fais ce que tu veux, guide-moi, dis-moi ce qui te fait du bien et tout. Achète-moi GPS, enfin des trucs comme ça, ouais, c'est pas mal, guide-moi. En fait, il faut savoir s'il la trompe parce que pour ses fantasmes ou s'il la trompe par rapport à juste parce qu'il a envie de la tromper, quoi. Toi, c'était vraiment les fantasmes à toi, Ryan. Non, c'était juste au début où elle manquait un peu de piquant. Mais tu vois, ça s'améliore. Donc j'espère que ça va progresser cette histoire-là. En tout cas, merci pour tous les témoignages. Merci pour les messages que vous avez envoyés. On aura peut-être d'autres témoignages là-dessus. Et on aura le dévergondage de Guigui par la Marie que vous attendez tous. Ah, on a hâte. Oui. Ah, mais oui, t'as cru qu'on avait oublié. T'inquiète pas, Guigui, on va s'occuper de ton cas. Je vais prendre cher. Donc Marie, elle va te proposer des trucs et puis on va essayer de te dévergonder et tout ça. Donc restez bien sur Skyrock. Vous aurez un tuto, une leçon. Ouais, une petite démo, quoi. Une leçon en live, là. Bon, Mathieu, on t'embrasse, on t'envoie ton t-shirt Sky dans le 62. Kevin, pareil, t-shirt Skyrock, on t'envoie à la maison. Dis-moi, Kevin. Je voulais juste dire bisous à tout le monde. Bah, des bisous à toi. Romano, tu me fais bien rire. Ah, bah, tant mieux. Je voulais dire qu'il y a beaucoup de triches dans le clash du drag. Cédric, il doit gagner beaucoup plus de points. Merci, ça c'est vrai. Vous êtes vraiment d'accord avec toi. Toujours en train de vous plaindre. Et ben, c'est peut-être pour ce soir. Je vais vous donner les résultats du clash dans un instant. Ah. Promis. Et Benjamin de Brest, merci à toi. On te fait des bisous, Benjamin. Salut mon poteau. Bisous. Ciao, bonne soirée, mec. Et t-shirt Skyrock à Brest aussi pour toi. Je crois que j'ai dit au revoir à tout le monde. Et on vous envoie votre t-shirt Skyrock. Tout le monde s'est fait. Marie qui voudrait réagir pour le dévergondage. On va reparler avec Marie qui a jamais réussi à dévergonder son mec. Témoignage en direct. Ouais. Léo qui va nous parler des bandes de potes où ça baise ensemble. Et on aura le témoignage donc de Léo. Et puis, dis à Clovis, Tim, Marius, Orlando, Karim d'attendre 2 minutes. Vas-y. Parce qu'on va les retrouver. Ils sont 4, ils sont en Espagne, c'est vrai que c'est des vacances pour nous. Ah bah oui. Ils sont en vacances en Espagne, à Séville, et ben ils ont bien de la chance, mais ils ont un petit souci, et on va reparler avec eux juste après le son de PLK sur Skyrock. PLK, on écoute demain sur Sky. Radio Libre,
21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Radio Libre sur Skyrock, 22h47. On n'a pas encore fait le double appel. Ah non, il faudrait peut-être s'y mettre. On peut pas trouver des gens qui travaillent pour le double appel, en plus des gens normaux dont on est. Et on pourra avoir les résultats du clash aussi. On a récupéré les numéros. Là, merci pour tous les numéros que vous avez envoyés. On va attaquer le double appel là dans un instant. Avant le double appel, tu veux les résultats du clash, Romano? Qui a gagné ce soir? Je les veux si je gagne, sinon ça m'intéresse. De toute façon, c'est pas le choix, t'as demandé, maintenant tu vas les avoir. Le clash de la drague de ce soir, ça a été serré, oui. Parce que Cédric t'a fait un serrage. Romano t'a fait un serrage et une invitation. Ouais. Ouais, c'était quand même de l'autre niveau, quoi. Qui a gagné? Je veux dire, Cédric, lui c'est de l'amateur, moi c'est de la Ligue des Champions. Tout, les résultats donnent 43 à 57. Ah, c'est pas l'autre con qui gagne quand même. 43 à 57. Ah, ça serait pas mal ça. Donc ça a été beaucoup plus serré que ce qu'on a connu vendredi par exemple. Où je t'avais déglingué à plus de 60%. Le gagnant du club, tu te rappelles? Ah ouais, mais il y en a qui. Je sais plus qui tout à l'heure nous donnait le score, Marie. Ouais, 65. Voilà, j'ai noté. Bah ouais, j'avais noté. Ce soir, 43% pour Romano ou pour Cédric. Et 57 pour Romano. Putain, ou pour Cédric. J'aimerais tellement qu'il perde ce con. Eh bien, Cédric. Il va falloir attendre un petit peu parce que c'est Romano qui gagne avec 57% des voix ce soir. Dans ton cul de merde. De vos votes. T'es juste beau à ce que je t'encule. T'es con. Dragon, il avait trouvé le résultat. Ouais, mais Dragon, il aime bien faire des pronostics et souvent il a raison, Dragon. C'est Dragon débridé. Ouais, c'est Dragon débridé. Ouais, mais lui il est fort au niveau des pronostics. Bravo, Dragon débridé. 57-43. Mais bon, ça a été serré, ça a été un beau match. Vous avez voté, vous avez bien fait. Merci d'avoir voté comme des oufs. Prochain clash de la drague, mercredi soir. Peut-être avant, ça nous prend, mais bon, mercredi soir, c'est sûr. Clash officiel, mercredi, Romano contre Cédric. Préparez vos teams, les gars. Et Merci quand même, ma team. Et les teams, préparez-vous. On a perdu soir, mais on ne baisse pas les bras. Voilà, s'il te plaît, si. Mercredi, on peut le déglinguer encore. Bon, on va prendre Léo, là, Léo de Lyon. Juste avant, on fait un petit coucou à Tom, Clovis. Marius et Orlando de Séville. Décidément, il y a du monde, vous êtes partis en vacances. Hola, qué tal, Tom, Clovis, Marius. Hola. Comment ça va, les gars? Ça va super. Vous avez 15 ans? Vous êtes en vacances à Séville? Ouais, ben on est de Toulouse, donc on est parti une semaine en voyage scolaire en Espagne. Ah putain, vous avez tout compris, parce que la semaine prochaine, c'est les vacances de Toulouse pendant 15 jours. Et donc, vous, la semaine avant les vacances, vous prenez une semaine comme ça? Ouais, on a 3 semaines de vacances comme ça. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est vous êtes des champions. On n'en branle plus une au bahut maintenant. Hein. Non, mais c'est, déjà que moi, à mon époque, on n'en faisait pas beaucoup, mais alors maintenant, vous êtes vraiment des champions. Hein. Bravo. Et donc, vacances à Séville, vacances. Il y a les profs aussi? Bah oui, vacances de classe. Ouais, mais eux, ils sont à l'hôtel. Enfin, vacances de classe, voyage. Et après, on est en voyage à Séville. D'accord. Donc, vous visitez des trucs avec les profs la journée, c'est ça? Ouais, là, aujourd'hui, on a visité Séville. Demain, on va à l'Alhambra, à Grenade. Ah bah ouais, Putain, mais est-ce que par moment, vous avez du temps libre? Mais vous avez une chance de ouf, quand même. Mais ouais, aujourd'hui, on a eu temps libre toute la journée. Ah, franchement, c'est ça qui est mieux dans les voyages scolaires. C'est mortel, parce que les visites, ça casse les couilles. Ah ouais, tu fais plein de points bons, après, bon. Sauf ceux qui ont envie de se cultiver. C'est un peu chiant, parce qu'à l'aller, on fait 17 heures de bus. Au retour, on fait 17 heures de bus. Faut pas dormir dans le bus, parce que c'est pas possible de dormir, donc... Ouais, parce que t'as toujours un pote qui fait chier quand tu dors. Ouais, le bordel, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, hier on n'a pas dormi. Putain, mais moi, pourquoi ils m'envoyaient en voyage de classe dans des fromageries à 10 km du bahut. J'avoue. Ou alors à faire du ski de fond dans le Jura. En montée. Putain, nous, on a fait l'Angleterre, nous, c'était chiant. Ah, mais non, j'ai fait des voyages de classe tout pourri. Tout pété, hein. Et vous avez dragué des Espagnols? Voilà, qu'est-ce que Ouais, ben, nous, on peut pas trop parce que on est dans une famille, il y a une grand-mère et sa petite-fille qui a genre 5 ans, donc on peut rien faire. Mais après, il y a des potes, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, ils étaient sortis avec les meufs de la famille d'accueil. Ah ouais, c'est clair que toi, tu vas pas sortir avec la petite de 15, de 5 ans à l'école maternelle. Ah, ça, évidemment. Je sais pas faire grand-chose, non. Non, c'est pas... Je suis pas comme Cédric. Non, mais vous avez... Au passage. Vous avez dragué des Espagnols, non? Non, enfin, on a vu. Il y avait des belles personnes, mais on a rien fait. D'ailleurs, il a fait... Bah, en tout cas, bon, vous avez une chance de ouf, hein, quand même. Tu te retrouves pendant... Ah ouais, non, mais il y a pire, comme voyage scolaire, c'est clair. Ah ouais, c'est bon, vie. Ça fait un an et demi, on l'organise, parce que l'année dernière, on n'a pas pu faire du Covid, et là, on est enfin parti. Non, mais bon, vous allez vous éclater. Donc, vous y restez jusqu'à vendredi, c'est ça?
Ouais, au vendredi, on rentre à Toulouse. Ok, vous êtes parti quand, ce week-end? Mais ouais, on est parti dimanche à 14h. Voilà, on arrivait ce matin à 8h. On a passé toute la journée dans le bus. C'était affreux, on n'a pas dormi. Ça faisait depuis samedi soir, on n'a pas dormi. Là, on dort toujours pas. On l'entend ta voix, hein. C'est vrai que c'est vachement long. Mais vous venez d'où, vous? Toulouse. Toulouse, Espagne, c'est pas super loin, si? Ouais, mais c'est Séville, c'est en Andalousie. Ouais. C'est au sud. Ah ouais, je sais pas. Mais 17h, c'est beaucoup quand même. Complet. Ouais, mais un bus, ça roule pas dans une bagnole. C'est ça. Ouais. Puis il faut que les pauses toutes les deux heures. Ouais, puis il faut que le mec fasse des pauses toutes les deux heures. Oui, hier, on était à 2h, on était en train de faire un volet sur une aire autoroute parce qu'on devait attendre que le chauffeur y passe sa pause. On n'arrivait pas à dormir. Non, voilà. Mais j'aurais pu prendre deux chauffeurs par contre. Ouais. Ouais, mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ça voyage au rabais là. On est parti à deux chauffeurs et on s'est retrouvés là, on se retrouve avec un seul chauffeur. Le deuxième, il a disparu, c'est comment il est passé. Ouais, parce qu'en général, quand c'est des longs voyages. Bah, je me souviens, quand c'était des longs voyages, il y avait deux chauffeurs. Ouais, ou alors, il y en avait un qu'on récupérait à un endroit, tu vois, pour éviter d'attendre pendant 2 heures sur l'aire d'autoroute. Ouais, c'est ça. Putain, il y a Blacky, lui, il a fait la même chose que toi. Il a fait Paris-Venise, en bus, même chose. Putain, mais il y a que moi qui fait. Paris-Venise. Ouais, Paris-Venise. Il y a que moi qui fais des voyages de classe tout pourri, quoi. C'est... Ah, mais Paris-Venise, il faut se les frapper, les ordinateurs. Ouais, mais bon, tu vas à Venise, c'est cool. Ouais, j'avoue. Il y a des potes, après il y a la classe LV2 allemand, ils vont partir une semaine à Europa Park en Allemagne. Sympa aussi. Et on a un bon collège. Europa Park, t'es fou. Ouais, défonce. Sympa aussi. Ah ouais, grave. Ah, c'est mieux que visiter des musées, ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais bon, l'Espagne, le sud, c'est bien, il fait beau. Ouais, non, mais là, c'est bien, tu vois. Après, c'est bien les temps libres, quoi. Quand tu non, c'est que Séville, il n'y a pas la plage, c'est à une demi-heure pour aller à la plage. Ouais, non, par contre, on va pas à la plage. Ah, ça qui est con, ouais. Bon. Oui, bon, il y a pire ça. Ça va. Ça ou aller à Saint-Étienne. Ça fait sauter une journée de fou. C'est quoi cette question? Oui, non, mais bah... bon, par exemple, c'est le premier nom de ville qui m'est venu. Tu vois. C'est étonnant. C'est étonnant, c'est la mienne. De ville. Non, vraiment, comme ça, c'est un pur hasard. Ouais, Crazy, elle a fait le voyage Rennes-Naples en car et c'était méga long. Wow, Rennes-Naples. Déjà, Rennes-Combat, j'avais une semaine. Ouais. Zakalou, lui, partait en voyage de classe en train couchette. Zakalou de Seine-Saint-Denis, il a 20 ans. Salut à toi. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Moi, j'ai fait Calais-Naples pour visite complète de l'Italie. Mais putain, vous avez fait des voyages de ouf. Lannion-Cardiff, toi, t'es parti en Angleterre en 5e. C'est Mathieu qui a 17 ans aujourd'hui. Guigui, t'as fait quoi comme voyage de classe? Moi, au collège, classe on est allé à Lourdes. Et après, on est allé au Vatican. Au Vatican. Ouais, c'était super. Non, on a fait une classe de neige au collège, c'est tout. J'ai pas eu beaucoup de voyages, mais c'est sympa. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait moi aussi, c'était trop bien. Moi, j'ai fait l'Angleterre deux fois. J'ai fait la Vendée. Bon, moi j'étais de Bourgogne, donc c'est toujours cool. C'est toujours sympa. Je fais quoi? J'ai fait le ski deux ou trois fois. Ça c'est bien. J'avais fait l'Auvergne, s'il te plaît. Ça c'était moins cool. Putain, la crapahuté sur les volcans là, tout pourri. En plus, ils sont pourris les volcans d'Auvergne. Tout pourri. Pourquoi tu parles mal des Auvergnats? Non mais pas les Auvergnats, mais les volcans, ils sont tout pourris. Ouais, c'est des collines. T'sais, c'est des pauvres collines. T'arrives en haut, il y a rien. Tu sais, il y a plus de cratères, il y a plus rien. Bah, tu veux pas que le volcan il se déclenche et qu'il ensevelisse. Ouais, il était plein d'activités. Clermont-Ferrand. Ouais, mais tu vois, au moins faire un truc. Ouais, j'ai fait ça. Après, j'ai fait quoi d'autre? Après, j'ai été visiter des casernes militaires. J'étais content. J'avais fait du tank. Du tank. T'avais conduit le tank? Non, on était derrière. Le mec qui conduisait, j'étais dans le tank, tu vois. Mais tu sais que les tanks, si tu fais genre comme dit Full, plus d'1m90. Ouais, il y a une taille réglementaire. Bah, Guigui, par exemple, tu pouvais pas de conducteur de tank. Putain, dommage. Bon, après, c'était pas prévu, donc bon, à la limite. Non, bah, je te le dis. J'ai pris sans doute un de tes rêves, tu ne seras pas conducteur de tank. Putain, dommage. Tiens, en BTS, on est parti à Lisbonne pendant une semaine en venant de Lille. C'est Little 59, c'est vrai, c'est stylé ça. Va être long, hein. Nous, on a visité un centre de tri de déchets au collège. Waouh. Ah ouais, bon. Ça je l'avais fait. C'est mieux la fromagerie. Mais nous, on l'avait fait dans la ville, la station d'épuration. Ouais, sympa aussi. L'avantage c'est que ça fait sauter une journée, c'est déjà ça. Ouais, bah oui, tu fais le con dans le bus et tout. Il y a Greg du 59, il a 23 ans aujourd'hui, il a fait Maubeuge dans le 59, donc Londres en bus 8h parce qu'on est parti, il y avait de la neige. Ah putain. Ouais. Mais l'essentiel c'est de se barrer. Parce que t'es avec les poteaux, tu rigoles, c'est ça, cool. C'est bien. Barcelone, tiens, pour le petit poussin en 3e. Ah, ça tue Barcelone. De Vrim, moi je suis parti de Strasbourg, direction l'Écosse. Mais c'est ouf, il y a que moi qui fais des voyages de classe de merde. Ah putain, moi je me souviens quand j'avais été en Angleterre. Ah, Emma, elle a fait, je suis content, Emma, 23 ans, elle a fait une visite de fromagerie en 6e dans la Drôme. Moi aussi j'avais dégueulé à l'intérieur. Ah nous on avait kiffé parce qu'on était allé en Angleterre et on était revenu je crois par la Belgique ou les Pays-Bas. Et on avait fait une espèce de mini croisière, tu vois. Et sur le bateau le soir il y avait une boîte.
Et tu sais, on était trop contents, on avait tous été en boîte et tout ça, il y avait des Anglaises bourrées, on était heureux comme tout. C'était, non mais les voyages scolaires, c'est toujours bien avec des potes, de toute façon, tu rigoles, oui. Moi. Je te déteste, Romano, nous dit Loucette du 63. Ça y est, je te déteste. Romano, il visite des stations d'épuration et il ose critiquer nos volcans d'Auvergne. T'imagines? Ah non mais je suis désolé. Non mais moi en plus j'avais un prof, il était passionné par les volcans. S'il te plaît, en une semaine, on a passé notre temps à marcher. Si on a été voir un truc à Clermont-Ferrand où il y a des espèces de goutte à goutte sur des par exemple sur un oiseau mort et en fait tu sais ça tout l'oiseau ça le momifie genre dans ouais, le calcaire non, ouais. Du calcaire ouais tu sais ouais. Et on a été voir ça mais s'il te plaît c'est vraiment à chier, je suis désolé. C'est vrai que présenté comme ça, il y a des espèces de goutte à goutte sur un oiseau mort, ça donne pas très envie. Non mais ouais, et après le reste du temps, on était dans une caserne militaire au milieu des volcans, et le mec, le prof, le matin, il était là, bon allez, aujourd'hui on va monter le Puy de Dôme. On marche. Demain on va monter le truc du Sancy ou je sais pas quoi là, tu vois, et on avait fait tous les volcans, tu sais, tout le monde en pouvait plus. Et en plus de ça, fallait faire un exposé en revenant en cours. Un enfer. Ah, il était passionné, ouais. Ah oui, il était passionné, ouais. Bah, qu'il aille crapahuter tout seul, il nous fasse pas chier. Avec ces voyages de merde. Bon, bah vous avez de la chance en tout cas, Tom, Clovis, Marius et Orlando. Vous voulez passer un petit coucou? Vous avez un truc à dire en plus? Dites-nous. Ouais, moi, j'ai. Alors d'abord, dédicace tout le troisième E qui m'écoute. Salut et les dédicace gars. Dédicace au collège Jean Moulin à Toulouse. Le collège, comment il s'appelle? Jean Moulin. Ouais, collège Jean Moulin. Jean Moulin. C'est marrant, il y a des collèges Jean Moulin partout. Ouais, mais. Ah, c'est le meilleur de Toulouse et après. Je peux avoir un petit t-shirt, s'il te plaît? Bah, on va vous envoyer les t-shirts. Olé! Olé! Et faites-nous un petit bilan quand vous revenez ou rappelez-nous avant la fin de la semaine, les gars, ok? Ben, ok, on fera un résumé jeudi soir. Eh ben, si tu veux, jeudi soir. Éclatez-vous bien. On sera allez, là. Allez, amusez-vous bien. Allez. Java! Bon séjour en Espagne, les gars. Ah, bah, l'enquête, là. Là. Bon, c'est Tom, Clovis, Marius et Orlando. Olé! Olé! Que dalle! Oh, magnifique le voyage de classe. Non, mais c'est vrai, ça donne envie. Hein. Demande, dites-nous un pays, j'ai toutes les musiques qui vont. Ah, le mec est équipé. Bon, il y a Léo, tiens, qu'on va prendre. Merci d'avoir attendu, Léo, hein, parce qu'on t'a dit bonjour il y a quoi? Il y a une petite demi-heure, là, tout à l'heure. Ouais. T'es toujours à Lyon, t'as toujours 24 ans, ça n'a pas bougé hein, depuis tout à l'heure. T'es peut-être 25 maintenant? Peut-être. C'est pas une demi-heure, c'est il y a une heure avant. Ah, ouais, excuse-moi. Oh là là là. On va le punir, dit full, t'inquiète. Alors, Léo. Donc tu réagissais, ouais, parce qu'on a parlé, c'est vrai, qu'on a parlé en tout début d'émission là tout à l'heure des bandes de potes et donc ouais, toi tu voulais nous parler de ta bande de potes avec un plan cul qui a vrillé. Attends, je rallume juste ma clope. Vas-y. Non, vous avez une sale fumeur hein, dans la radio libre hein, si vous voulez fumer en nous appelant. Oh mais en plus c'est cigario, c'est pas clope. Ah, Cigarios. Ah là, moi, je fume que la pipe. Ah bah tu vois, Cédric, il, c'est ça, ouais, il fume la pipe, lui, tu vois. Ah, on n'est pas comme Difool, lui, il fume la concurrence directe. Exactement. Bah, un bon, Léo, t'es un bon. T'es content. Alors, donc raconte-nous ta bande de potes, parce que tu vois, il y a une petite couille. Quand ça couche dans les bandes de potes, parfois, ça peut partir en couille. Bah ouais, c'est logique. Ouais, c'est compliqué, en vrai. En gros, ma copine travaillait dans un resto, tu sais, il y a un turnover de fou et tout, et on s'est fait plein de potes là-bas. Ouais. L'été dernier, on faisait que des soirées, mais tous les soirs. Et il y avait une meuf avec qui on rigolait bien. Au début, on se blaguait en mode « Ah tiens, elle me disait, tiens, je vais te voler ta copine. » Je lui disais « Non, non, il y a que si on fait un plan 3, sinon tu y touches pas. » Et finalement, on a parlé en mode « Bon, on blague souvent là-dessus, mais est-ce que c'est sérieux ou pas ?» Puis au début, tu connais, je lui dis, bah écoute, pour moi, c'est de la vanne, mais après, si ça se fait, ça se fait, quoi. T'es malin, toi. Et on se dit, bah, ouais. Tous les deux, elle aussi, elle est en mode, bon, une vie, quoi, autant s'amuser. C'est vrai, on en parle, ça, tous les trois. Tout à fait. Et en parallèle, dans le groupe, il y en avait un qui était à fond sur elle. Truc de ouf, hein, quand il venait, il attendait ses messages, quand il recevait ses messages et tout. Ouais, c'est un bon pote, donc ouais, il me parlait tout le temps, il me parlait que d'elle. Il regardait son téléphone, il attendait, il était là, ah, m'a envoyé un message et tout, elle m'a répondu, tiens, elle m'a invité quand elle va déménager, elle m'a invité chez elle et tout, enfin, le truc de zinzin, il était à fond. Ouais. Et on, bon, finalement, on en a parlé, il y a quelques fois où on faisait des soirées chez quelqu'un et on lui disait, ouais, tu peux nous raccompagner en voiture, tout ça, parce qu'on, c'était la seule dans le groupe qui avait une voiture. Et comme les autres, ils étaient pas loin, c'était bénef pour eux et nous, on était un peu plus loin. Ouais.
Donc elle nous raccompagnait les soirs en voiture, puis on faisait nos petites vies, quoi, en gros. Je vais pas te faire un dessin quand même. Ah non, mais je veux bien que tu me racontes. Non, mais... ah ouais, un dessin à la radio, ça va être compliqué. Un peu de détails, oui. Ah ouais, attends, vas-y. Bah en gros, ça a commencé, tu sais, au tout début, la toute première fois, c'était un peu gênant. C'était, on savait pas comment commencer, on se mis à faire des jeux à la con. Tu sais, t'as des applis un peu en mode action vérité, mais juste des actions. Ouais. Donc on faisait un peu ça. Bien action vérité, mais c'est que action. Il y a que action. On s'en fout des vérités. Oui. Je te jure. Non, mais c'était pour créer, tu sais, le petit, juste histoire de placer le truc, parce que sinon c'était un peu malaise, ça parlait chinois, parce que, bah, ma copine, elle est un peu, plus timide que moi. Donc, ça dépend, les actions, c'était quoi? C'était au début des vieux trucs en mode on s'embrasse, tout ça, mais on sautait sa gueule justement parce qu'elle apprenait beaucoup de temps. Ah, vas-y, allons-y. Enfin, tu sais, il y avait une hésitation. Ouais, alors que, ouais, là, dépêche-toi, allez, embrasse. On a des actions, ouais, c'est action. C'est un peu ça. Puis après, c'était à moi, donc je me suis levé direct, j'ai pas eu le temps de m'amuser non plus. Puis, on a commencé à s'embrasser, à aller plus loin, se déshabiller, tout ça. Puis ça s'est répété à plusieurs reprises. C'est-à-dire que presque à chaque fois qu'on faisait une soirée limite, on se voyait après. Une fois, elle avait même laissé son chargeur de téléphone ou un truc comme ça. Il y a mon pote qui est venu le lendemain, il l'a reconnu. Il a dit tiens, c'est le chargeur de machine, ça. Ah ouais, parce que c'est ça la question que je voulais te poser. Tes potes, ils étaient au courant que tu fricotais avec elle? Non, il y en avait qui se doutaient, parce qu'avec la meuf, on était très très potes, c'est-à-dire on s'entendait hyper bien, on a exactement le même humour, même manière d'être. Donc il sentait, en gros j'en avais parlé avec une pote et elle sentait qu'il y avait un truc, mais elle pensait que je trompais ma copine Mais ta meuf dans l'histoire là, quand vous y action vérité, elle était pas là? Si justement. Elle était là, d'accord, elle te voyait embrasser une autre meuf. Elle parlait un peu chinois. Ah ouais, ouais. Mais elle participait dans action vérité? Oui, après oui, ça a commencé à partir un peu plus, ça a parlé à moins, enfin ça a commencé à moins stresser, tu vois. Il y a Momo qui nous envoie un message, qui nous dit, mais au final, il l'a baisé? Absolument. Bah, c'est le principe d'un plan 3, donc logiquement. Donc voilà. Ah, ça a fini 2 et 3, ouais. Alors, ouais, oui, c'est, bah, Marie, c'était 3. Ouais, c'était un plan 3, donc c'était pas 12. Donc ta meuf, ta meuf, ta pote et puis toi. Et moi-même. Et toi. D'accord. Exactement. Non, mais c'est donc, bien. Bon enfant, tu vois, le lendemain. Mais ta meuf, elle a fait des trucs avec ta copine? Bah oui. Bah non, elle était dans un coin à regarder, à prenait des. Ah non, mais tu peux très bien faire un plan 3. C'est quoi cette question? Bah, regarde Karim, par exemple, il a fait un plan en 3 avec un pote, il nous a dit tout à l'heure, et on était tous très déçus, il l'a pas sucé son pote. Ah ouais, dommage. T'as juste frotté ta bite contre lui. C'est ça, ouais, contre sa bite. On se débite à se frotter quand on la ken, la meuf. Je crois que Bibi, j'appelle Bibi, moi, ça va mieux. Alors Bibi nous a lâché là. Je crois que Bibi est en érection. Moi, je suis sûr. T'es en érection? Quoi? Tu bandes? Non, mais pas du tout. Non, mais il est chelou. C'est du coup, il y croyait. Non, mais c'est chelou, gros. Il est vautré. Je sais pas, je vois pas ta teub. Non, mais je vois pas ma teub, mais je vais pas bander pour un témoignage quand même. Bah hein. Écoute, je te un peu de tenue, merde. Ça peut, hein. Un peu de tenue quand même. Ouais, mais bon, tu tiens pas ça. Un peu de tenue. Putain, mais il est fou ce mec. Il parle comme un daron. Ah ouais, c'est clair. Un peu de tenue quand même. Alors calmez-vous, les jeunes. Les gens. Et ouais, et là, du coup, après le plan A3, ça s'est passé comment entre elle et dans votre groupe de potes? Parce que. Juste après. Littéralement, après on va se coucher un peu, on se réveille et non, même pas avant de se coucher, elle reçoit un message de mon pote qui a fond sur elle en lui disant tiens, tu fais quoi, j'ai pas dormi de la nuit et tout. Oh bah je me suis fait baiser par Léo et sa meuf. Moi non plus, j'ai pas dormi. Elle lui a dit, elle lui pas expliqué les raisons, bien sûr. Mais en gros, c'était marrant. Puis tu connais, après un date, t'as mal au bide parce que tu t'es retenu de péter. Bah là, c'était pareil. Donc comment dire que le lendemain j'avais hyper mal au ventre, donc j'ai dû trouver, je suis allé faire des croissants. Quel est le rapport là? Je ne comprends plus rien, moi. Bah pour te dire que j'étais grave dans le mal physiquement. Mais non, mais c'était trop dur. Ouais, il était pas bien, ça lui a fait un nœud à l'estomac, quoi. Ouais, t'es par rapport à ta meuf, tout ça, tu te dis qu'est-ce qu'on a fait? Ah non, c'était littéralement parce que je me retenais de péter toute la nuit. D'accord, ok, super. Ah, en vrai, en fait, en vrai, je pense que c'était grave. Tu fais grave la rêver. Classe. J'avais pas compris, mais bon, ça y est, maintenant c'est beaucoup plus clair cette histoire-là. Comme quoi, des plans parmi la bande de potes, ça peut finir bien. Ça peut finir en histoire de paix. Voilà. T'es toujours avec ta meuf ou pas, Léo?
Il y avait quelques... Ouais, on est toujours ensemble, là, justement. D'accord. Et toujours amie avec la meuf, l'autre. Ouais, elle a déménagé, mais ouais, on est ultra... ultra ouais, ça passe quand même. Ok, bah écoute, merci du témoignage, Léo. Si vous avez d'autres histoires dans vos bandes vous pouvez nous raconter. Je voulais témoigner. Bon, Guigui, Marie va s'occuper de toi, opération dévergondage de Guigui. Ouais, avec prépare-toi Guigui parce que la Marie elle est chaude là ce soir. Putain, comment dévergonder un mec un peu coincé? Et justement parlant de mec un peu coincé, on aura le mec dont Marie veut nous parler, Marie en direct de Québec. Ah bah c'est ben bon. Hey tabernacle. Oui. Hey. Hey, que tu t'es fait péter le rideau de viande. C'est ben bon hein. C'est ben bon. Salut Marie. Salut. Salut. Eh ben, ça fait plaisir de vous avoir. Ouais bah oui, ça va bien et toi aussi, ça va bien Marie? Oui, ça va, merci. Et il fait combien? Moins 58? Non, il fait plus chaud qu'en France. Non. Mais oui, ce week-end, il a fait plus beau qu'en France, mais du soleil et tout. Mais combien ça il fait? Ça faisait du bien. Ben là, je sais pas, il doit faire genre 5 degrés. Ah, mais bah, ah oui, là, il fait vachement beau. C'est la canicule. Ah oui. Ah bah, canicule au Québec. Non, mais j'ai vu du 22 degrés, moi. Québec. Ouais, mais c'est Samy, tu nous as dit, t'as démarré l'émission, ouais. Il fait 38 à Marseille. Il y a un problème avec les températures. Ouais, déjà, ouais. Non, je vous jure, j'ai une pote qui est là-bas et j'ai vu, elle a mis la météo. Par contre, c'est vrai que s'il y a une journée, il fait 22, 23, le lendemain, il va faire 4 degrés, tu vois. Bon, alors on va retourner au Québec. C'est bien, on voyage. On était en Espagne. Hey, c'est pas bon. Direct sur le Québec. Et puis, si vous aussi, vous voulez témoigner en direct, 01 53 40 30 20. Oui. On vous attend, Léo. On t'envoie ton t-shirt Skyrock à Lyon. Et Marie, on revient au Québec et on fait notre double appel tout de suite. Un double appel là direct là. Ouais, on va y aller. Allez. Là, je suis à poil là. Eh, mais tu vas te calmer, toi, mes couilles là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ouais, je suis à poil là. Mais qu'est-ce que tu vas me péter les couilles là? T'es qui toi? Le double appel de Default sur Skyrock. Allez, double appel, mise en contact de nos familles. C'est parti avec. Avec Patrick qui peut nous aider. Et j'ai également tes sons, Romano, parce que j'adore ça. Ah oui. Oui, absolument, oui. Ouais, allô c'est... Oui, allô. Allô. Oui, allô. Oui. Oui, allô. Allô, oui, bonjour. Votre correspondant vous a... Allô. Allô, allô. Allô, bonjour. 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 Oui. Allô, oui, bonjour. Mais c'est qui? Oui, bonjour. Merci. Allô. Allô, monsieur. Aussi. Allô. Aussi. Il y a un problème dans les téléphones, hein. Oh, Romano. Attends, bouge pas, toi. Ah, Romano, il est pas là. Mais si, il est là. Tu fais oui, allô. Mais non, il est pas ça là. Ça fait 3 fois que vous m'appelez. Ah bah oui, mais on a testé les numéros. Attends, raccroche, on te rappelle le quatrième. Comment ça va? Ça va? Bah écoute, ça va, tu es qui, toi? C'est Chicken City, je te rappelle plus. Chicken City l'année dernière. Ah bah bravo. Cédric, il rappelle tout le temps les mêmes. Bah du coup, il veut des trucs ouverts. T'es où? T'es une commande. En fait, on a récupéré vos numéros. Mais Chicken City, c'est pas à Lille. Mais ces numéros que vous nous envoyez, t'as des fans à Chicken City. Ah ouais, du coup, t'as des fans. Ouais. T'es à Lille, toi. Ah bah voilà, je vous rappelle, tu vois. Eh ben voilà. Eh bien, on salue les fans de Chicken City qui sont. Voilà, bah tiens, mets-moi un poulet. Allez, on va lancer le numéro. On va prendre des nouvelles de Chicken City. Bon, comment ça va depuis le double appel l'année dernière? Bah impeccable. Impeccable. Bon, il y a toujours du monde à Chicken City. Ça bosse. Toujours, on est en livraison. Bon, ah bah super. Très bien. Bon, bah allez faire un petit tour à Chicken City. Voilà, petite pub en plus. Avec le code promo 10Full10, il fait 10% ah, en plus. 10% en plus. Voilà, 10% pour 10Full. Eh bah, c'est, voilà, 10Full10, c'est mon code promo parce que je suis influenceuse. Waouh, c'est cool. Exactement. Voilà, autre chose. Bon, bah tu quittes pas mon poteau, c'est quoi ton prénom déjà? Moi, c'est Salim. Allez, bah Salim, on te remercie et puis on t'envoie ton t-shirt Skyrock. Ou alors, si tu as déjà eu un t-shirt du morning. Allez. Salut Salim. Salut, bon courage. Salut à toi. Ciao. Salut. Bonne livraison, hein, Salim. Salut tous les restos qui bossent et qui nous écoutent. Allez, on te rappelle Salim, on te rappellera juste après. Hein. Tu as le numéro de Salim, si tu connais. T'inquiète pas, j'allais. C'est bien. Alors on y retourne, on a le numéro pour le double appel. Allô. Allô. Oui, allô. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je vous écoute. Oui. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Vous êtes chicken? Non, c'est bon. Allez, bonne soirée à toi. Merci, au revoir. C'est qui? C'est vous qui m'avez appelé, en fait? Non, non, c'est pas moi qui vous ai appelé. C'est vous qui appelez depuis tout à l'heure. Ah non, pas du tout, non. Bah si, si, c'est vous qui appelez depuis tout à l'heure. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Ben, c'est vous. Vous êtes qui? Vous appelez depuis tout à l'heure chez moi, là. Mais vous êtes qui, madame? Bah ben, moi, je ne sais pas personne que vous dérangez à 23h le soir. Bah, c'est vous qui appelez? Absolument pas. Oui. Ah si, c'est vous qui appelez, il y a plusieurs appels en même temps. Non, on s'est trompé monsieur, allô. Ah, il y a quelqu'un. Ouais, je pense que c'est des gamins qui s'amusent à nous mettre en relation, donc on va pas. Mais on est où là?
Allô ? Oui ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui ? Pardon ? Mais on est où ? Comment ça, vous êtes où ? Bah, vous êtes qui, vous ? Bah, moi, je suis dans un bar, je travaille, là, actuellement. Oui, non ? Allez. Attendez, j'ai une amie qui voudrait vous parler. Dans le bar. Allô, oui, bonsoir. Est-ce que je peux vous parler de Jésus-Christ ? Oh oui, allez, parlons de Jésus-Christ. Attends, je sais pas qui j'ai appelé là, mais merde. Ouais, je voudrais boire de l'eau bénite avec de l'alcool à 90 dedans. J'ai appelé un poste. C'est celle de mon pénis. Ah, l'eau bénite, c'est celle de ton pénis. Ah, excellent. Va te faire enculer. Ah bah tiens, sympa. Va te faire enculer, va, bâtard. Très bien. C'est très gentil. Alors moi, je prends l'eau du pénis et je me fais enculer. Je peux avoir les deux. Allô. Cédric, tu veux l'eau? Allô. Non, ça va aller. Oui, non. Et celui qui s'amuse à faire ça va te faire enculer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Allô. Allô. Oui. Alors j'ai le commandant bébé qui voudrait vous parler. Oui. Je peux vous le passer? Oui. Oui. Alors il est accompagné par son meilleur ami, le brigadier Krink. Brigadier Krink. Le petit. Non. Voilà. J'avais compris, c'est quoi, vous me demandez ou... Comment ? Allô ? Bibi, bonjour ! Ah, ils sont partis. Tu vois, quand on arrive avec les forces de l'ordre, hein, le brigadier Krink. Bah, ça impressionne aussi. Hein. Et le commandant Baby, les gens. Ah bah, ça la ramène moins. Les gens, ils sont plus là, je t'encule, tu veux boire l'eau de mon pénis, tout ça. Non, ils se calment direct tout de suite. Hein, ça. Allô ? Est-ce qu'on a d'autres numéros ? Oui. Allô ? Oui ? Oui, demandez-vous. Oui. Encore chez Kentucky. Allô. Oui. Allô, qui demandez-vous? Ah bah c'est vous qui m'appelez, monsieur. Non, c'est vous qui venez de m'appeler. Ah oui, d'accord. Bah, très bien. Bonne soirée. Merci. C'est gentil. Y a plus personne qui veut nous enculer, ça y est? Non. C'est fini. Non, c'est gentil. C'est dommage pourtant. C'est dommage. Oh, j'aurais bien pris une dernière bite dans le cul. Ouais, il est content. Eh bien, tu sais que ça m'a fait plaisir de retrouver ce bon vieux commandant Baby. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu nous rendre visite. Lui, parce que avec le beau temps qui arrive, il va partir en croisière, lui. Ah, c'est ça. Et notre ami le brigadier Krink. Brigadier Krink. Eh bien, merci le commandant Baby et le brigadier Krink. Et ben voilà, puis les autres c'était les familles qu'on a eu au téléphone. Bon, c'est quand même pas bon la drogue. Ah ouais, non, mais laisse tomber, mec. Un beau double appel en nocturne. Ouais, bravo les familles, bravo. Il y a Déborah qui nous dit, Déborah même, qui nous laisse un message qui dit le commandant m'avait manqué. Et ben voilà, il est de retour. Et les autres sont morts de rire. Ah, c'était super le double appel. Allez, c'est pas fini, dans un instant on retrouve Marie. Et puis opération dévergondage. Vous avez un mec trop coincé, les filles. Et bien, prenez exemple sur la Marie qui va nous faire une petite démonstration. Démonstration. Je vais vous dire comment moi je fais. Après, tu es le cobaye, tu fais le mec coincé. Ouais, c'est ça exactement. Bah, ça va pas être trop difficile. Il va pas se forcer. T'as déjà mis des doigts dans un cul, Guigui? Non. Et dans le tien? Non plus. Non, mais t'as pas léché? Mais t'as pas eu envie, ça? Non, même pas. Non, mais j'ai un blocage au niveau du cul, moi. Et t'as pas envie de doigter ta meuf? Non, même pas. Mais pas un pouce dans le cul en levrette. Non, même pas, je te jure. Je sais pas, ça m'a jamais trop attiré. Bon, après, un pouce dans le cul, c'est bien en levrette. Ouais, il paraît que c'est bien, ouais. Pourquoi tu fais pas? Bah, écoute, je sais pas, moi ça me tente pas personnellement. Ouais, faut que la nana. Mais t'es coincé comme ça? Mais pas coincé, c'est pas parce que je mets pas un doigt dans le cul que je suis coincé. Elle voulait pas? Mais en fait, on en a jamais parlé. Je sais pas, moi j'ai pas été motivé, elle non plus. Après, ça date un peu, cette histoire. Donc ça date. Je sais que je déçois Marie quand je dis ça. Tu mens. Ah bah je déçois. Tant pis pour ta gueule. Tant pis pour ta gueule. T'es un canard comme ça que je te le dis. Ouais, connard. Tu t'éclates pas. Chacun son problème. Enculé de ta race. Alors Marie va s'occuper de toi, Guy. Et on aura même deux Marie. Marie du Québec et Marie de Skyrock. Exact. Et puis vous tous aussi, vous pouvez débarquer ici. Alors pour l'opération des vergondages, y'a pas de souci. Si vous êtes tombé sur un mec ou une meuf un peu coincé. Tant pis pour vos gueules. Et puis on a le droit d'être coincé aussi pendant l'amour. Je voyais le message.
message de Beg sur l'appli Skyrock. Salut à toi, Beg. Qui disait, moi, j'ai jamais trop fait des trucs de fou, mais avec ma meuf, on s'entend très bien. Ça se passe bien comme ça. Bah, tant mieux. Ah, ouais. Non, le problème, c'est que ce qu'on a eu tout à l'heure, quand il y en a un qui a envie d'aller plus loin ou une qui a envie d'aller plus loin. Ah, ça peut être compliqué. Un problème. Et Claude est un peu coincé. Donc, vous pouvez nous appeler pour ça, pour tout le reste aussi, hein. Si vous avez besoin de nous, envie de nous parler d'un truc, vous n'hésitez pas. Le temps d'écouter Jaja Dinaz tout de suite. Déchire ce son de Jaja Dinaz. Foule. T'as besoin de lubrifiant, toi, Romano, quand tu te branles? Romano. Pardon, je rote. Cédric. Oui, j'aimerais montrer ma bite bien épilée aux familles, quoi. Marie. Oh, dégueulasse, un vieux molar sur ta pompe. Samy. Karim. C'est-à-dire que je l'attrape par le col, tu sais, je le traîne un petit peu partout, tu vois. Tu traînes partout. Gigi. Ah, mais j'ai nourri un chameau, là, c'est devenu grave mon pote. Et Medellin. Oh, c'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Ah, attention, d'être du lourd avant minuit. Opération dévergondage de Guigui par Marie. Ah ouais, putain, oh, t'as nourri un chameau, j'ai entendu. Ouais, ouais. Oui. Il se passe des trucs de ouf. Ah bah là, tu vas téter une chamelle. Ah, arrête. Ah bah c'est dur. Je crois pas. Alors, si vous avez des conseils pour dévergonder un mec un peu coincé. Tiens, les filles, dites-nous, qu'est-ce que c'est pour vous un mec coincé? Vous êtes tombé dessus, vous nous racontez, vous nous laissez vos messages avec l'appli, le 41759 et le skyrock.fm et au 01 53 40 30 20, vous pouvez nous appeler. Allez-y, on vous attend. Et on a une autre Marie qui est en ligne avec nous en direct, ouais, du Québec. Et on a gardé des numéros que vous avez laissés depuis 21h pour le double appel de demain, parce qu'on n'a pas appelé tous les gens, parce qu'il y en a, ouais, qui, on s'est dit il est tard et tout, donc on a fait un... Quoi qu'on a fait un bon double appel. Oh, on était bien là. Voilà, on appelait des gens qui bossaient aussi. Merci pour les numéros que vous nous avez laissés. Si vous avez des potos qui bossent le soir, vous pouvez nous laisser tout ça. Et on les met dans le double appel, on s'occupe d'eux. Alors, l'opération dévergondage avec la Marie et Guigui, je sais que vous l'attendez depuis tout à l'heure. Ouais. Oui, ça va être chaud. Et Marie du Québec, en ligne avec nous. T'es là, Marie? Oui, je suis là. Coucou. Alors, toi, tu voulais nous parler d'un mec qui était complètement coincé, hein, que t'as connu toi aussi. Hein. Ouais, c'est ça, mais je suis quand même restée 10 ans avec. Hein. Ah, mais j'ai pas lu ton message tout à l'heure, Marie. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est le message que t'avais lu. Ouais. C'est ah, mais t'es française, ça, Marie, ouais. Oui, je suis française. Ouais, non, t'as pas, t'as pas l'accent du Québec. Oui, tu fais pas, c'est ben bon. C'est ben bon. Et tu dis pas, c'est mon chum. Je commence. Ah, vas-y, tu commences à l'avoir un petit peu par, sur certaines phrases, vous verrez. C'est mon chum. Ouais, peut-être certaines expressions, mais non, quand même. Ça fait longtemps que t'es là-bas. Ça va faire 3 ans bientôt. Et t'es parti là-bas pourquoi? Par amour ou pour le boulot? Dans le fond, j'ai fait un voyage et puis coup de cœur pour le pays. Et j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Puis du coup, il paraît que c'est super là-bas. Ouais. Bon, bah c'est bien le Québec. Ouais, vraiment. On a plein d'auditeurs au Québec qui nous travaillent du jour au lendemain et tout. C'est vraiment cool. Ok. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce mec? Donc, c'est un Québécois ou c'est un Français? Non, c'est un Français. Et c'est ça, dans le fond, on s'est mis en couple. Ben, on était quand même jeunes, on avait 20 ans. Oui. Et moi j'avais eu d'autres mecs avant et tout ça, et moi j'ai toujours su que j'aimais beaucoup le sexe. Et en fait quand je me suis mis avec lui, tout de suite j'ai vu rapidement qu'il était coincé, mais dans le fond il avait beaucoup de qualités, il était sérieux, il était très affectueux et tout ça, donc j'ai mis tout ça de côté. Mais comment t'as vu qu'il était coincé? Parce qu'en fait déjà je pense qu'en 10 ans il m'a embrassé langoureusement 2 fois. Ah non, mais je crois qu'au début, t'avais vu qu'il était coincé. Non, oui, au bout de 10 ans, si le mec t'a embrassé 2 fois, oui, c'est que ça. Mais langoureusement, c'est quoi? Genre rouler des grosses pelles, quoi? La langue? Ouais, c'est ça, mais tu vois, genre, comme dans les préliminaires ou quoi, normalement, tu t'embrasses, t'as qui t'excite, tu t'arraches les vêtements et tout ça, ça, moi, j'ai pas eu, quoi. Mais il faisait quoi, lui? Ça se passait comment, une relation sexuelle avec lui? Bah, c'était comme des petits bisous, puis genre, après, il faisait bien. En fait, il n'y avait pas de préliminaires, mais en fait, quand il me pénétrait, j'étais pas mouillée parce que j'avais pas l'excitation des préliminaires, quoi. Mais il te mangeait pas les seins, tout ça, rien? Ah, rien du tout, non. Ah ouais, c'était direct dans la minette. Ah, genre, vous foutiez à poil, il rentrait son sexe en toi, et puis il terminait, quoi. Quoi, il gigotait, et puis merci, au revoir. Et c'était souvent? Ouais, c'est ça. Non, c'était pas souvent, c'était le lit ou le canapé, et puis c'est tout. Et en fait, quand tu lui demandais, mais tu préfères dormir ou le sexe, il disait toujours dormir, et ça me choquait à chaque fois. Ah oui, surtout, c'est vexant pour toi, quoi. 10 ans comme ça. Clairement. Quand tu te penses ça, Ah non, je préfère dormir, tu me fais chier, là. Après, il est resté 10 ans avec toi, donc il t'aimait, hein. En fait, il était comme ça. Ouais, je pense qu'il est comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui aiment le sexe plus que d'autres, sauf que moi, je ne suis pas du tout écoutée et moi, j'ai toujours eu envie de plus, tu vois. Enfin, et t'as pas vraiment trompé? C'est... Lui ou moi? Toi. Non, j'ai résisté. Ah, mais comment t'as fait? Marie, toi, tu l'aurais fait cocu, je sais toi. Pas. Tiens, je me serais séparé, je serais pas. De toute façon, même quand il baisse bien, je l'ai fait cocu, alors. Mais non, non, mais je suis amoureuse, Marie.
Ah non mais amoureuse, ouais, oui, non mais après si le mec me désire pas et qu'on fait mal l'amour. Mais il faisait non. du sexe quand même. Ouais, il faisait du sexe, mais déjà s'embrasser, t'imagines? Ouais, ça franchement je sais pas comment j'ai fait avec Jordan. Bah, je sais pas comment moi je vous ai raconté, j'avais un pote, il a jamais embrassé une meuf de sa vie. Ouais, c'est vrai, ça. Tu nous avais dit ça. Il aime pas embrasser. Non mais le pire dans tout ça, c'est que maintenant en fait le plus dur, c'est que j'ai jamais eu d'orgasme en fait pendant 10 ans avec lui. Mmh. Et du coup maintenant j'arrive plus à avoir d'orgasme avec un mec parce que je pense que psychologiquement je me dis bon bah voilà je vais avoir du sexe mais je vais pas avoir d'orgasme et j'ai plus d'orgasme avec d'autres hommes. Il t'a éteinte quoi. Ah, alors, le mec il t'a coincé. Ouais. T'as éteinte. Il a coincé ton orgasme. À côté de ça tu te masturbes, t'as joué tout ça, enfin t'arrives à te faire jouer. Ouais quand même. Ouais, moi tout seul y a pas de problème, mais c'est ça en fait, c'est que dans le fond quand bon c'est déjà ça au moins, c'est que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, mais c'est ultra frustrant même pour les hommes. De leur dire, bah non, mais j'ai pas l'orgasme et tout. Mais t'es tombé sur des mecs, t'es tombé sur des mecs chauds qui te faisaient des trucs de, enfin qui faisaient des trucs que t'aimais bien, enfin des trucs chauds. Ouais, ouais, vraiment. Maintenant, je me lâche. Et même avec eux, rien. Ah ouais, faut se lâcher dans ces cas-là. Mais je me lâche, mais je pense que c'est vraiment psychologique et je me dis bon bah voilà, tu vois, je me concentre sur le plaisir de l'autre et puis du coup bah et voilà, ça m'a éteint. Du ouais, coup. Je kiffe que toute seule, et c'est parce que, en fait, bah, pendant 10 ans, ben, bah, voilà, j'avais pas d'orgasme, j'attendais qu'il soit sous la douche pour moi me masturber, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. En cachette. Et pourquoi tu, si t'es avec des mecs qui sont assez ouverts, sexuellement parlant, pourquoi tu, commences pas par te caresser devant eux, et puis à ce moment-là, ils te pénètrent. Tu les guides, tout et ça. Et tu continues à te caresser, ou ils prennent leur lait, enfin. T'as essayé, ça marche pas? Ouais, non, ça t'es bloqué, ouais. Il va falloir que j'aille faire un tour au Québec. Ah là là. Somatique. Exactement, du coup, je t'attends. Faut faire quelque chose, là. Bah oui. Bah c'est marrant que le mec il t'est bloqué, parce que moi je me serais dit une fois que tu laisses ce mec t'as un mec au contraire, un mec qui te fait des petits trucs et là c'est la folie totale. Et là tu te lèches. La folie totale. Ouais mais non, mais ça marche pas. Pourtant vraiment j'ai eu du sexe incroyable depuis, je me suis dit mais comment t'as pu passer ça pendant 10 ans, c'est fou, enfin c'est dingue, je me rattrape vraiment. Hein. Je remercie mais, Les auditeurs de Skyrock qui sont là pour toi, donnez-lui mon numéro, c'est Lève Lève Jojo. Avec plaisir, je suis célibataire. Bah tu vois, regarde. Je prends. Si elle veut un orgasme, je peux dépanner pour Mika Masutra. Salut Mika. Moi je préférais baiser toute la nuit que de dormir, ça c'est clair, c'est le message du dormeur. Moi aussi, ouais. Moi et du couteau. Je l'aurais bouffé de partout, la petite Marie là, c'est la canne à Marie qui nous laisse un message. Et il y a Gazou, tiens, qui nous laisse un message et qui nous dit pareil, j'aime pas embrasser. Ouais, bah écoute, ça peut arriver. Ouais, mais toi c'était pas que ça, c'était un tout. C'était le mec qui était pas du tout sexuel quoi. Limite, c'est chelou de pas aimer embrasser. En parlant vulgairement, il t'aurait bien démonté, bon, t'aurais eu pas trop de bisous, ça t'aurait pas gêné quoi. Lui, c'était, il y avait rien, quoi. Mais là, aujourd'hui, tes relations, en fait, tu prends ton pied en faisant du bien à l'autre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bah, après, c'est le sexe est bon, mais par contre, j'atteins pas l'orgasme, quoi. Ouais, t'arrives pas à mais c'est un problème, c'est qu'il fout le papa de partout. Exactement, et puis le Québec, c'est pas à côté. C'est fort ennuyeux, c'est tout ça. Fait toi, Romano, quand t'étais tombé sur la nièce frigide, là. Ouais. C'est pareil, t'avais tout de suite senti qu'elle était pas cul. Non mais c'est horrible parce qu'en fait elle ressentait rien. Donc tu sais, je lui mettais, bon pour être cash, je lui mettais les doigts dans la chatte, j'aurais mis un doigt dans le nez, ça aurait été la même chose, tu vois. Et en fait moi je trouvais ça horrible parce que j'avais la pression, je me disais putain c'est pas possible, je ne sais plus faire quoi. Ah ouais, c'est horrible. Ah tu croyais que tu savais plus faire. Et en fait ça venait d'elle, mais et moi en fait ça, tu sais, ça me fatiguait parce que tu sais, quand t'as quelqu'un en face que toi t'as super envie, que la personne en face est super froide, bah ça te passe l'envie de le faire quoi, tu vois, tu te dis ouais bah pff, d'ailleurs on faisait plus rien à la fin, ça me gavait quoi. T'es resté combien de temps avec longtemps, ça a duré un mois et demi hein. Puis on se voyait tu sais, genre mercredi, samedi, dimanche quoi. Mais moi je te dis à chaque fois tu lui mettais des doigts et à chaque fois rien. Ah mais à la fin j'étais content parce que des fois il y a son cousin qui venait, tu vois. Il lui mettait des doigts aussi. Non, et on jouait à la console. Et tu vois, j'étais content parce qu'avec elle je me faisais chier. Donc, tu préférais jouer à la console plutôt que de. Ah ouais, bah ouais, donc c'est pour ça après j'ai arrêté en fait. J'ai dit, oui, c'est mieux. Ouais, on va s'arrêter là. Terminé. Il y a Venom 87 qui comprend pas. C'est un message pour toi, Marie. Il te dit, avec un bon cuni, impossible que tu jouisses pas, jolie québécoise. Ben moi, j'aime pas ça, un cuni. Ah, d'accord. Non, mais ça dépend. Le cuni, il faut que ça soit fait. C'est compliqué hein, avec le cuni. Hein. Pour penser. Ouais, mais si elle aime pas direct, déjà, c'est réglé. Ouais, non, mais déjà, elle bloque. Déjà, tu bloques. Tu t'es bloqué. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais clairement, mais en même temps, 10 ans à dire que j'ai pas d'orgasme et à le savoir, forcément, ça, je pense que ça laisse des traces, quoi. Mais les mecs, pas tant de temps que oui, puis en plus, tu te fais super bien jouir toute seule, j'imagine. Ouais.
Ouais, ouais, clairement, voilà. Hein, clairement. Et puis voilà, je me suis aussi ouverte et je m'étais vraiment moi aussi du coup éteinte pour entre guillemets me mettre à son niveau parce que c'était ça allait bien plutôt. Mais maintenant que je suis célibataire, je me suis acheté des jouets et puis bah voilà, quand je rencontre des mecs, je dis tout de suite que j'aime le sexe comme ça pour être sûre qu'en face il y a du répondant. Et puis comme ça, voilà, on voit si ça fonctionne. Et puis enfin, j'ai pas de plainte des mecs avec qui je suis, quoi. Il y a pas de problème. Mais pas d'orgasme. Il y a peut-être un truc, Marie, parce que t'as connu l'amour avec lui, parce que t'étais amoureuse de lui pendant 10 ans. Et là, maintenant, ouais. Les mecs avec lesquels t'es sortie, c'est que des mecs, des coups pour baiser. Plus forcément maintenant. Là, je recherchais plutôt quelqu'un aussi pour me poser et tout ça. Mais est-ce que si tu trouvais un mec qui soit efficace niveau cul et dont tu sois amoureuse, c'est peut-être la combinaison des deux qu'il te faut maintenant. Ah bah oui. Ouais, peut-être. Donc peut-être que les mecs un coup d'un soir comme ça, t'avais pas de plaisir parce que t'avais pas l'amour et donc il te faudrait peut-être les deux maintenant. Un bon coup dont tu sois amoureuse. Maintenant 2 ans en plus, c'est bon quoi. Oui, mais je crois que tu n'as pas le choix, il va falloir y aller. Ouais, tu vas être obligé d'aller faire un tour. Un petit tour au Québec. Et t'as tout essayé, t'as discuté avec lui, c'est Nyanya qui nous laisse un message. T'as discuté avec lui, t'as parlé? Ouais. Tu lui as dit, ça va pas à ce point. Non mais puis il y a des moi je pense qu'il y a non, moi, mais je... si tu peux rien lui dire. Non mais je pense foncièrement il y a des gens ils sont pas cul, tu sais, t'auras beau faire ce que tu veux. Ouais. Il y a des gens c'est pas leur truc plus mais que non, ça. Non, tu veux discuter, ils préfèrent dormir que tu sais, j'ai jamais réveillé que genre te faire l'amour. Pour non mais déjà le mec qui te dit ça déjà c'est motivant, ça te coupe l'envie, tu m'étonnes. Ouais, c'est vexant. Bah ouais. Bon. Ouais, non, mais là, ça me change la vie de voir des, enfin, tu sais, des gars, ouais, où quand tu te déshabilles, ils disent, ah, oh, mais t'es magnifique, j'ai trop envie de toi et tout ça. Non, mais c'est ça, c'est le désir, en fait. C'est le désir qui te manquait le plus. Ouais, c'est ça, sentir le désir de l'autre et tout ça, c'était fou. Ah, c'est quoi ce cum, nous dit Mamba Noir? Il y a plein qui hallucinent depuis tout à l'heure. Il y en a qui sont au taquet. Ouais. Il te faudrait un mec comme Colonel Charlie. Tiens, Marie, te laisse un message, Colonel Charlie. Ouais, bah c'est bien. C'est pour toi. Marie, je me suis encore branlé sur toi aujourd'hui. Ouais, super. Je kiffe rêver que je te lèche ton beau trou du cul. Eh bah, ben, rêve. Miam, miam. Ou à foie, elle est chaude. Mais dit Colonel Charlie. Eh ben, rêve, connard. Sois gentil avec les auditeurs de Skyrock. T'as pas la contente, Marie. Ouais, ouais. T'es pas contente, ouais. Bah oui. Tu penses que Colonel Charlie, c'est un mauvais coup, Marie? Ouais, c'est sûr. Pourquoi, c'est sûr? Ouais, c'est sûr. Ça, c'est fait. Ah, Marie, elle sent la sulfateuse, quoi. Ça part dans tous les sens, quoi. Ah ouais, c'est clair. Non, mais pendant une période, c'est pour ça, il me vénère. Colo, il mettait des trucs sur ses stories, mais il me prenait limite pour une pute, quoi. Donc, c'est pour ça, que tu me vénères. Et je pense que t'es pas à mon coup, ça, c'est sûr. Oh, oh là, bim. Elle est vexée. Il y a des Québécois qui nous laissent leur numéro, là. T'es à Gatineau. On parle d'une ville qui s'appelle Gatineau. C'est où le message? Là, t'es à Québec, toi? Non, moi, je suis à Québec, ouais. Et Gatineau, c'est loin? Mais Gatineau, c'est vers Ottawa. C'est une région, non? Non, c'est pas une région. Ouais, c'est ça. C'est un parc, une région, et c'est aussi, c'est une ville aussi. La région du Gatineau. Ouais, c'est ça. C'est vers Ottawa. C'est toujours des noms à la con, là-bas. Putain, excuse-moi, c'est marrant. J'ai perdu ton message. T'as laissé un message de Gatineau, et je sais plus qui t'es. Mais il va se déplacer de Gatineau pour venir à Québec. On a reçu plein de messages depuis tout à l'heure, et j'ai perdu le tien. Elle a appelé Colonel Charlie, que Marie, elle se fight avec à l'entrée. Ouais, droit de réponse. Alors, je vais pas me fighter. Il s'est calmé, déjà, donc c'est bien. La connard de Colonel Charlie. Déjà, il faut que je m'occupe de Fifi ce soir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Guigui. Bon, oui. Enfin, c'est surtout Marie qui on va essayer de vergonder Guigui. Tu vas passer un mauvais quart d'heure, je crois. Putain de merde. Voilà. Marie, qu'est-ce que tu aimerais? Guigui, tu roules des pelles? Ouais, ça j'aime bien, ouais, normal, ouais. Tu sais faire? Je sais faire, écoute. Tu sais faire? Non, mais je sais pas, je demande. On se fait une petite démo tous les deux, du coup. Non, ça va aller. Ah, bah écoute, comme tu veux, c'est toi. Ouais, par contre, moi, si vous commencez à faire ça, je vais m'en aller. Bah, il y a des trucs. Je suis prêt à accepter beaucoup, mais ma tolérance a des limites. C'est la radio libre qui part en couille. Il y a un message de paix de Colonel Charlie qui vient nous envoyer même une photo avec l'appli Skyrock. Pour envoyer vos photos, on aime bien. Oh, j'ai peur là. Enfin, des photos comme ça, moyen, mais bon. Colonel Charlie qui envoie donc la photo de sa bite entre ses mains et regarde le message de paix qu'il t'envoie, Marie. Marie, calme-toi, bébé, et viens gober ça. Ouais, c'est ça. Faut que tu c'est mignon, c'est une invitation. Bah oui, c'est gentil, Marie. Ouais, c'est gentil. Voilà. Pas une grosse bite à Colonel Charlie. Hein. Tu parles avec un handicap. Oh. Quoi? Bah non, mais je viens de regarder. Non. Oh, ça te plaît pas, Marie? Hein. Ah, non. Faudrait que tu bandes plus, Colonel Charlie. Elle a un peu de mi-molle, là, ta bite. En plus. Bah, tu vois. Non, mais c'est vrai que t'as pas une très grosse tub, hein. Ouais, mais bon, après. Non mais c'est vrai, Marie, toi qui t'y connais, tu connais plus que moi. Bah, je sais pas, je vois que le gland, il y a un peu. Ouais, mais le gland, il a un petit gland, tu sais. Bon, Colo, merci de ta photo, c'est très gentil. Très sympa. Alors, Marie et Guigui. Bah, surtout Marie, hein. Alors, Marie. Quoi, surtout Marie. Pour décoincer Guigui. Pour dévergonder un mec, comment tu fais? Quelles sont tes méthodes? Voilà. Bon, déjà, conseil à pas trop suivre, mais bois un coup.
Ah. Non, mais attends, mais ça c'est. Guigui devient alcoolique. Mais ouais, bah non, mais ça marche pas ça. Voilà. Il faudrait également que tu prennes un peu de drogue. C'est quoi ce conseil? Non, mais on est d'accord, Romano, si tu bois un coup, tu te sens un petit peu. Non, mais attends, Marie, moi, je suis entre. C'est quoi ce discours d'alcoolique? Non, mais bon, bon, je serais un peu d'accord avec toi, mais bon, ne vous mettez pas à boire si vous ne buvez jamais. C'est pour ça que je dis, voilà. Si vous ne buvez jamais, tu vois, s'il y a quelqu'un qui. En plus, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire, c'est un coup à dégueuler, tu sais. Ah ouais, là, ça coupe tout, là. C'est terminé. C'est quoi tes fantasmes, Guigui? Waouh, putain, je me dis ça comme ça. Qu'est-ce que t'aimerais bien faire? Ah, t'as une touche, là, Guigui. Oh la question qu'elle m'a posée. Non, mais moi, ça va être. Ça comme ça, quoi. Moi, ça va être hyper basique. C'est j'ai pas de fantasme de fou étant donné que bon tout le monde le sait, j'ai pas une expérience de malade. Ouais, mais tu peux avoir je suis dans des trucs expérience très simple. Fantasme très simple, faire l'amour très simple. Ouais, voilà, déjà c'est vraiment basique, quoi. Mais t'as pas est-ce que t'as déjà pensé à un truc tu sais que tu considères un peu sale et que t'aimerais bien faire à une meuf? Ouais. Bon, voilà. Si elle était d'accord, un truc qui t'excite, jamais fait mec. Les gars, je vais pas faire le mytho. Non. J'ai pas pensé à un truc. Je sais pas, par exemple, t'as jamais pensé à enculer une meuf dans tes fantasmes, dans bouffer le cul? Non, mais ça m'attire pas. Le cul, les gars, ça m'attire pas. Mais donc, on met ça de côté, déjà. Enculer une meuf, ça t'attire pas. Non, je te jure, je sais pas, j'ai un blocage. Je me dis, putain, j'ai trop ce côté-là, je pensais à la merde et tout. J'ai un blocage sur ça, les gars. Oh là, mon dieu. Bon, voilà, bon. Alors, comment tu fais? Attends, Marie, elle est choquée, tu sais. Mon dieu. Oh là là, c'est bon, les gars. On parle, y a plus rien à faire. Non, mais quand tu regardes tes films de cul, là, c'est quoi le truc qui t'excite le plus? C'est les meufs qui te ressemblent pas, Marie. Mais moi, je suis pas intéressé, tu sais. Ah, je rigole, Marie. C'est une question. Enculé, bah. Non, enculé, moi, de tarasse. Moi, j'aime bien les trucs, vraiment les shows à l'américaine. Genre, donc, les sites comme Brazzers, par exemple. C'est vraiment bien. Pour ceux qui connaissent pas Brazzers, qui sont alors, Brazzers, allés, en gros, c'est des meufs. Moi, j'aime pas du tout, moi. En gros, c'est les américaines. Bah, c'est tout fake, c'est comme les américaines. Ouais, c'est archi fake, ouais. C'est des meufs qui sont refaites, mais alors vraiment, il y a pas plus refaites que ces meufs-là. Et donc, forcément, elles ont un cul énorme, des seins énormes aussi. Et quand elles ken vraiment, tu sais, elles hurlent de fou, elles font oh yeah! Tu sais, ça hurle de partout. Et ça, t'aimerais bien, genre, demain, tu vas, je sais pas, dans un bar, là, et t'as une meuf comme ça, une américaine bien vulgaire, qui te propose de ken, est-ce que tu y vas? Bah, tu sais, au début, je pense que je vais un peu la prendre pour, putain, c'est quoi cette cassos, tu vois. Mais une fois pour le délire, finalement. Non, mais tu sais, bon, le cliché. En fait, tu vois, tu fais rien, mais tu veux que la meuf elle crie comme une américaine, mais ça marchera jamais. Bah, comment ça? Bah, si tu veux qu'elle crie comme une américaine, faut lui faire des trucs. Oui, bah, bien sûr, bah après, non, mais là en l'occurrence, dans ces vidéos-là, ils ken, hein, je sais pas, genre, ça peut être, je suis en rien, moi, ça va être juste une levrette, la meuf elle se met à hurler dans tous les sens. Voilà, c'est pas les trucs. Ça m'excite le bout. Putain, moi, si j'étais ta meuf et que je te demandais la question que je t'ai posée et que tu me dis ça, je bah, alors, attends, oui, bon, non, mais oui, je te dirais, putain, mais. Mais attends, mais Marie, du coup, je te pose la question. Un mec qui te dit vraiment, genre, d'entrée, ah non, le cul pour moi c'est pas possible, enfin le cul, je parle vraiment de. Ouais, l'anus, j'ai capté. Voilà. Et vraiment, il te dit, bon, écoute, ça m'écœure, j'ai pas envie, ça me dégoûte. Tu fais quoi, toi? Tu réponds quoi? Tu le dis, bah, écoute, dégage. Non, je dis rien. Déjà, et puis petit à petit, elle pense qu'il est coincé sexuellement déjà. Ouais. Ouais, oh, enfin bon, non, mais il y en a plein qui aiment pas ça. Hein. Mais il y en a plein que j'ai détourné surtout. Il n'a pas enculé, juste léché. Tu vois. Je faisais enculé comme les gars. Alors, un mec qui est bloqué, donc par exemple, moi je suis bloqué sur ça, comment tu fais pour le dévergonder? Ah bah déjà, je m'assieds sur sa tête. Mais non, déjà, je l'étouffe avec mon truc. Ah, c'est violent, Marie, un peu. Et je lui pète dessus. Ouais, d'accord. Non, mais déjà, faut le détendre, le gars. Déjà, je pense que c'est bien de faire un petit massage, tu vois. Tu fais un petit massage, tu détends le mec et tout. Mais là, tu gifles, tu dis non, c'est le Thomas. Ah, moi, je pars très vite. On te masse en dos. Ah, putain, moi, tu sais que c'est un truc, ça, je déteste, moi. T'aimes pas qu'on te masse? Ah, je déteste. Mais toi, t'es chelou, toi. Ah, je te jure, tu sais que une masseuse, je pourrais. Je mets avoir... droite. En quelque sorte. Ouais, je pourrais avoir. Ah, je sais pas, je déteste me faire toucher, en fait. C'est con quand on fait l'amour. Non, mais pas dans l'amour, ça me gêne pas. C'est trop bon, ça. Ah, bah oui, mais c'est elle qui aime pas. C'est de la bombe, t'es fou. T'as l'impression de machin jambon, quoi. Tu parles, t'es pas très loin, porciné. Oui, mais tu vois, moi, je l'épargne. Non, mais par exemple, salon de massage, ah, je peux pas, je t'assure. Ah ouais? La meuf, je pense que. Il ferait faillite. Non, mais en 10 secondes, la meuf, je lui dis, vas-y, arrête, je vais me vénère. Même les massages. C'est genre non mais j'aime pas en fait même un médecin tu sais il me palpe le bide quand il touche admettons là vers le bide, ah je déteste. Ah le mec je pourrais lui mettre une droite. Ah ouais. Tiens Marie du Québec, t'as un truc une question pour dévergonder Guigui? Non, moi, Guigui, je trouve qu'il a une très belle voix. Ah, c'est gentil, c'est bien. Yes, putain, un point positif. Il a quel âge, Guigui? Il a 15 ans? Non. Alors, Mika qui pose une question. Donc, Guigui, il a 22. 22, exactement. Voilà, ouais. Guigui veut juste une meuf pour le moment. Ouais, mais c'est bizarre que. Ouais, moi, je suis même dans la même moi, quand j'avais pas baisé, j'avais déjà des fantasmes, des trucs que j'avais envie de faire. Bah ouais.
pervers va. Non mais pervers. C'est normal. C'est bon. Non mais tu vois, c'est là que t'es coincé du cul. Bah bizarre. peut-être. Bon, Mano, avant, quand t'étais puceau, t'avais envie de faire des trucs. Ah mais moi je pensais à des trucs. Pensais à quoi par exemple? Bah je sais pas, bouffer la chatte, l'enculer, tu vois. faire plein de positions. Voilà quoi, tu vois. Des trucs. Bleu, bah, non mais je sais pas, je trouve ça normal. Ouais, comme tu disais, dit fou, je trouve ça normal, tu sais, d'avoir des envies de trucs que t'as pas encore fait, ouais. Tu vois. Bon alors effectivement, la sodomie. Non mais tu peux ne pas aimer la sodomie. Non mais après ouais effectivement, si toi t'apparentes ça au fait que ça pue la merde ou qu'il y a de la caca, ce blocage. Alors mais non mais c'est con hein. Non mais c'est con mais quand tu lèches. Non mais à la limite ça je peux comprendre. Tu vois, il y a des gens je pense on en a déjà parlé souvent à l'antenne, il y a des gens qui sont vachement plus vieux que toi Guigui et la sodomie c'est no way quoi, tu vois. Moi je suis pas fan non plus. Mais quand tu lèches, tu te dis pas qu'il y a du pipi qui sort de là? Alors déjà deux trucs. La première chose, ça me dégoûte moins déjà. Le pipi, t'aimes bien le pipi au caca. Si on doit comparer vraiment sur les dents de trash. Guigui, il aime bien le trottin de pipi dessus. Je sais pas le demander, tu vois. Ah bah attends, ouais. Et puis, je gêne pas. Hein. Et puis, du coup, ça, j'ai déjà testé et j'ai pas eu ce goût-là, tu vois. Donc, ça tu peux bouffer le goût de la piste, toi. Tu peux bouffer un cul, t'as pas le goût de la merde non plus. C'est pas la même pour moi, c'est pas la même. Non, mais ouais, mais je vois ce qu'il veut dire. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que. Je sais pas, c'est pas pareil, tu sais, t'as le trou de balle, tu te dis, ouais, c'est par pas là. La que même. Le trou de balle. C'est par là que ça sort, ça peut sortir la merde. Mais alors que pas du tout, hein, franchement, une meuf qui est propre, ça sort pas du tout le caca. Bah, j'ai un pote, là, très récemment, là. C'est marrant. Ah ouais. Ah, il a bouffé un cul sale. Ah putain, j'étais mort. Il m'a raconté ça ce week-end. En fait, il a une meuf, là, depuis pas longtemps. Et, il l'a mis dans les fesses pour la première fois. Et en fait au bout de il m'a dit au bout de 5-6 minutes, tu sais, il sentait que la meuf était plus trop à l'aise, genre c'est pas il sentait qu'il y avait un mauvais feeling avec la meuf. Il se dit, ah bon, chelou. Vas-y, tu sais quoi, je vais me retirer. C'est le moment le plus dangereux quand on sortir. Et bah justement, ça a été dangereux, il a une trace de merde en fait sur la bite, tu vois. Il m'a dit ça puait et tout machin. Il a pas foutu de capote. Si, il avait une capote. Ah oui. Mais capote ou pas, t'as quand même de la merde. L'odeur est la même. Il m'a dit, mais là, c'est mort quoi. Il était dégoûté. Mais c'est une meuf d'un soir? Non, c'est une meuf qui fréquente régulièrement. Après, ouais, c'est pas encore sa meuf officielle, tu vois. Mais voilà quoi. Donc là, je crois que ce sera du coup jamais sa meuf officielle. Ah ouais, ça l'a bloqué. Ah ouais, ça après, ça, c'est les risques du métier. Comment on dit? Ouais, tu sais où tu vas, ouais. Et donc, du coup, en ce moment, je suis pas chaud pour prendre le risque. À chaque fois, il y a une trace. Non, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, tu vois. Bah, il sort, c'est un cadeau d'ailleurs. Ah, c'est dégueulasse. Guigui devrait aller voir une dame de joie pour découvrir les plaisirs et notamment la sodomie. C'est trop bon. Message de Axel du 95, 27 ans. Salut à toi, Axel. Salut, Axel. Qu'est-ce que vous nous dites? Arrête tes films de cul. Tiens, un autre Mika. Tiens, on a trois Mika ce soir qui nous laissent des messages. Non, mais tu sais, je me demande si tu t'enfermes pas un peu trop là-dedans. J'ai eu le même problème, moi, une époque, avec porn, c'était quoi, YouPorn, moi. Ouais, mais toi, tu vois, sur YouPorn, tu regardais des trucs réels. Guigui, lui, regarde des trucs complètement. Ouais, mais tu vois, ça, mon ami, c'est pas bon, ça. Non, mais moi, j'étais déjà avec Cariole, hein, et en fait, des fois, j'avais plus envie de baiser parce que je m'étais branlé, tu vois, j'avais regardé mon truc de cul, je m'étais un peu enfermé là-dedans. Et toi, fais gaffe parce que, non, mais c'est un truc, là, sur le coup, je te parle sérieusement. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Okay. Non, mais si en fait, tu sais, ta vie sexuelle, sans t'en rendre compte, ta vie sexuelle, elle se résume à ça, quoi. Ouais, mais c'est pour que ça que j'essaie de me limiter. Tu limites les films de cul? Ouais, je fais max deux fois par jour. Ah bah ça va. Ah putain, c'est bien la limite quoi. Non mais c'est vrai que je sais que t'as raison en plus. Par semaine. Non mais il a raison, dit ouais. C'est un truc que tu vas pas vivre, tu vois, d'avoir une américaine avec un gros. Bah cul, ça dépend. Putain, c'est américaine, elles aiment la bite. Hein. Ouais, bah, putain, c'est jamais si je mets un gros billet sur la table. Non mais même sans billet, tu sais, tu peux tomber. À Paris, il y a plein de touristes. Tu vois, toutes les américaines, je pense qu'elles, c'est pas comme dans Brazil. Oui non mais. Ah oui c'est bon. Ouais mais tu peux tomber sur une grosse chienne quoi. Non mais la vérité. Non mais ça peut arriver. Alors évidemment, ce sera pas la majorité des meufs, mais tu peux tomber sur une meuf, elle est complètement cinglée du cul, elle hurle comme dans les films de cul. Marie, toi tu hurles jamais toi? Non, je hurle pas, non. Moi, il paraît que je chante. Mais il y a un mec qui m'a dit ça. Attends, mais concrètement, le mec qui était, parce que le mec était après à tout pour te calmer. Oui. Hein. Ah, vas-y, chante pas une chanson. Mais attends, mais excuse-moi, mais quand tu chantes, mais tu chantes quoi? Non, mais papa quoi? Non, mais c'est que je jouis avec, tu sais, des bruits. Je chante papa quoi? Je chante pas. Et la chenille. C'est ça, t'as raison. Il est con. Il y a Kenza qui dit, elle a 22 ans. J'ai l'impression que Guigui a peur de s'attacher à quelqu'un. Il appelle à se poser. Mais je pense que Guigui, il y a un problème avec ton ex. Peut-être. Ouais, t'as pas fait le deuil de la relation. Et ouais. Oh, le deuil, ouais. Y aller, quoi, parce que... ouais, ça date. Ou alors, nique-la. Bah, ouais, des fois on se parle et tout, mais bon, écoute. Non, mais on se parle, ouais, mais ok, mais tu penses qu'il y a moyen?
c'est peut-être la femme de ta vie. Tu auras peut-être qu'une meuf dans ta vie, ce sera elle. Oh. Bon, écoute, j'y suis pas pour l'instant. Non, mais, ouais, mais c'est possible. Est-ce que vous reparlez, mais tu sens qu'il y a ouverture ou ouverture, je dirais pas ça. Non, mais des fois, tu sais, c'est vite fait, c'est un petit snap. Tu vois, c'est un truc vite fait, donc il y a pas de grosses discussions. Ouais. Quoi. Cédric n'a qu'à se mettre avec Guigui. Non, ça va aller. Alf 71. Ah, histoire vraiment de te niquer ta vie sexuelle jusqu'au bout. Connard. Qu'est-ce que tu vas faire? T'en colles une, tiens. Comment début d'émission. Et toi, comment va ta vie sexuelle? Bon, ça va, tout va bien. Pourquoi tu veux participer? Non, mais tu baises, là, tu veux contribuer à ma vie sexuelle? On en est où avec la meuf de ton pote, là? Enfin, l'ex, pardon. Non, gros. Tu l'as pas essayé? Il a essayé. Non, même pas. Il a essayé, la meuf, elle a déménagé entre temps. Jamais j'ai essayé. Non. J'ai trop de respect pour mes potes, moi. Bon, elle dort chez toi, quand même, frérot. Non, mais le mec, il dit ça au début que j'étais avec Cariole, le mec, il essayait de la détourner. Non, j'ai pas essayé de la détourner, j'ai testé pour voir si c'était une meuf fiable. Bien sûr. Et là, tu vas nous expliquer, la meuf qui était avec ton pote, la meuf vit chez toi, combien de temps elle est restée? Un mois et demi, deux mois peut-être. Et en deux mois, t'as pas essayé un rapprochement? La tête de ma mère, gros que non. Parle pas de ta mère. Bah, non, je te jure. Alors, comment ça se fait qu'elle est partie? Bah parce que c'était prévu qu'elle trouve une coloc et elle se barre de chez moi. Moi, c'est juste un dépannage. Mon pote, il m'a dit, ouais, tu peux me dépanner. Mais elle a payé un loyer du coup? Ouais, me donner un petit billet, tu vois. Sucette, non, non, malheureusement. Karim, il comprend pas. Pas de loyer, si Karim, il a pas compris. Non, mais c'est chelou, gros, ton truc. Moi, je te crois pas une seconde que t'es pas tenté un truc. Ou alors, t'as été la matée sous la douche comme un gros porc. Non, il a mis une caméra dans la chambre. Ah non, jamais. Ah, toi, t'es capable. Non, mais en plus, quand on parle. J'aurais peur de dormir chez lui parce que j'aurais peur qu'il y ait des caméras partout et qu'ils se branlent. Non, mais de toute façon, quand on parle d'elle, t'es pas à l'aise. Donc, il y a un truc. T'as la gueule en pied, t'es chelou, mec. T'as fait des saloperies. Ah ouais, je suis sûr. Je sais pas, t'as été renifler ses culottes quand elle était pas là. Ah non, dégueulasse. Ou alors t'en as gardé une. Non, mais je suis sûr. T'as mis une paire de chaussettes, tu veux la récupérer ou quoi? Non, mais je suis sûr. Non, je suis sûr que non. Non, mais il est suspect, mec. Ça se voit ta gueule. Quand t'as un mytho, gros, ça se voit trop. Ah ouais, lui, ça se voit direct. Y a rien eu, j'ai rien fait de chelou, rien. Bah, peut-être pour toi, c'est pas chelou, mais t'as peut-être relifié ses culottes. T'aimerais, Marie, que Cédric relifie ses culottes? Bah, non, personne, mais c'est quoi le délire? Le pauvre, il a crevé. Mais moi, je trouve ça. Il tombe raide. Le mec, il est mort. Ça, c'est un antivol, mes culottes. Non, mais après, on avait eu des auditeurs qui aimaient bien, machin. Moi, je comprends pas trop le délire, mais. Non, mais admettons, Marie, je sais pas, on dort chez toi pour une raison, on dort tous un peu dans ta ZAD. Dans ta ZAD. Ouais. Et admettons, tu surprends Cédric en train de renifler tes culottes. Je lui dis qu'il est complètement taré. Ah ouais, vous le prenez mal, ça, si vous prenez quelqu'un en train de renifler vos. Je vous réveille tous. Et tu gris Romano en train de se branler dans un de tes t-shirts. Pareil, moi, soutien-gorge, je veux un truc, tu vois. Voilà, soutien-gorge. Ouais. Respecte-moi, quand même. Respecte-moi. Tiens, il y a Redouane qui nous dit ça s'entend que Cédric, il est pas net dans cette histoire. Non, il y a rien du tout. Chelou. Ouais, il l'a entendu. Sur la tête de mer, il y a rien. Ça se voit. Il y a deux trucs. Ou t'as reniflé ses culottes. Non. Et je penserais plus là-dessus. Au début, je pensais à une caméra que t'avais installée. Mais c'est pas mon délire de reniflé ses culottes. Honnêtement, est-ce que t'as Bouche à 18 ans, si je suis sûr que Cédric lui fait les culottes. Non, mais j'imagine qu'elle se lavait chez toi. Bah oui. Ouais. Donc, genre, t'es jamais passé devant la douche et genre, discrètement, t'as maté un peu. Non, tu sais, il y a une porte. Ouais, mais la porte, tu l'entrouvres et. Non. Ferme la porte, il y a une caméra. Moi, quand je prends ma douche, je ferme la porte, gros. Elle vaut mieux, oui, pour les. Merci. Tiens, il y a Colonel Charlie qui dit une fois, moi je dormais chez un pote et je reniflais les strings de sa mère. C'est vraiment glauque. Ça, c'est un truc de bâtard, ça, moi je sais pas. Ça, Cédric, admettons, t'invites Colonel Charlie chez toi. Non, pas possible. Et tu te vois en train de faire ça. Ah, je l'étrangle, gros. Je l'étrangle. Non, mais un pote, tu vois. Je dégage de chez moi un coup de pied au cul, moi. Oh, c'est pas gentil, ça, de faire ça. Bah, écoute. Non, mais renifle les sous-vêtements de ta mère, tu peux, à n'importe quel mec. Je défonce, gros. Mais n'importe quel mec, je tabasse. Tabasse. Ça y est, Cédric se transforme en animal. Ah, c'est plus mon pote. Moi, je le prendrais très mal aussi, mais. Non, mais moi aussi, bien sûr. Attends, tu vas pas dire au mec. Vas-y, serre-toi. Reviens la semaine prochaine, je t'en donne une autre. Bon, opération fantasme sur Skyrock. Vous avez Guigui, il faut que tu nous trouves un truc. T'as rien. Bah, j'ai rien. Attends, mais arrête, tu mets la pression en plus. Non, mais oui. Ils sont enfermés avec les Brazzers, là. Bon, en tout cas, on va essayer. Tu vois, est-ce que tu trouves que Guigui est encore plus coincé que ton mec, Marie? Marie du Québec. Non, je trouve pas. Ah, tu vois, c'est bon, Guy. Merci, Marie. Ouais, au moins, il roule des pelles, il a dit, Guy. Voilà, merci, Marie. Ouais. Merci de ton soutien. Non,
Non, non, il est très mignon, Guigui. Moi, je pense qu'il va trouver, mais mettez-lui pas la pression. On croit, merci. Ah, non, mais c'est pour lui qu'on fait ça. Hein. Merci de ton soutien. Bon, ça fait plaisir. Dites-nous, on va écouter The Weeknd là avec The Weeknd et les places de concert à gagner sur Skyrock tout au long de la journée là. Ouais, dans la roulette. Faites tourner la roulette avec nous, vous gagnez les places pour aller voir The Weeknd en tournée dans les stades de France, à Nice 2 dates, à Bordeaux 1 date et à Paris 2 dates. C'est tout complet. Le seul moyen d'avoir vos places, c'est d'écouter Sky et de faire tourner la roulette avec nous. Donc on se fait The Weeknd avec Creepin là avec 21 Savage et Metro Boomin. Et vous nous dites vos fantasmes aussi. Et si vous êtes tombé les filles sur un mec un peu coincé, ouais. Comment vous l'avez dévergondé, ça pourra aider Marie. Et dans le sens inverse aussi, vous pouvez nous dire. Hein. On est là jusqu'à minuit sur Skyrock. Yes. Et c'est parti, c'est Creepin tout de suite. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Voilà, c'est The Weeknd qu'on a écouté, que vous gagnez sur Skyrock dans la roulette. Vous faites tourner toute la journée. Place de concert à gagner sur Sky. Vous avez écouté Sky, vous avez vos places de concert à choper. Oui. Bon, vos fantasmes, on va faire un petit tour des fantasmes. D'ailleurs, on va remercier Marie du Québec parce qu'on a passé un bon moment avec toi, Marie. Ah oui. Hey, c'est marrant. Il est 17h57 au Québec, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai les horaires du monde entier. Et voilà, c'est marrant parce que la radio libre, ça passe de 15h à 18h au Québec. C'est rigolo. Mais c'est oui. Et d'ailleurs, quand tu vas dans un pays étranger, sur l'appli, ça te marque les horaires, mais les horaires modifiés. Ah, c'est bien ça. Ah, ouais, t'as vu, c'est marrant ça. C'est écrit radio libre, 15h, 18h. Ouais, le morning. Ah oui, j'ai déjà vu, ouais. Le morning, il passe parfois en fin d'après-midi. Ah, ouais, c'est marrant. Je sais pas, moi, j'ai jamais voyagé comme ça. Ça adapte les gens. Oh, pauvre Romano. Moi, je suis pas voyage, moi. Tiens, on parlait des fantasmes. Je voyage, ouais, les couilles, moi. Je vive la France. C'est bien. Vive la France, monsieur. Bravo, Romano. Bah, Marie, un fantasme, parce qu'on a demandé à Guigui, qui est toujours en train de chercher, mais qui va nous en trouver un quand même sympa. Oui, oui, on va trouver. Mais bah, il va falloir s'y mettre si on va chercher. Attends, mais Marie, pas jusqu'à 2h du matin, mais logiquement, un fantasme, tu le sors tout de suite. Tu dis, j'ai envie de faire ça. Et bah, voilà. Dis fou, un fantasme, tout de suite. Bah, fantasme, qu'est-ce que je ferais bien, là? Ah, bah, tiens, vas-y, alors tout de suite. J'en ai fait plein. Ah, bah, voilà, tu vois, t'as pas. Ouais, moi, c'est pareil, j'ai fait tout ce que j'avais. Marie, ouais, t'as fini les jeux, t'as tout fait. Non, mais là, Marie, t'auras envie de te faire baiser. Marie, t'as bien un truc. Là, tout de suite, là, allez, un fantasme. Comme ça, tu te ferais baiser comment, là? Ah, sur lui. Sur lui, sur du full. Sur qui? Attends, t'as montré qui là? Sur qui? Tu montrais du full. Ah, tu vois, un fantasme, faire sucer Pacha, tu vois, comme ça, tranquille. Peinard. Je suis tranquille, pépère, et elle s'occupe de moi. Ça t'aimerait bien le cul. Ça t'excite pas, Guy? Si, si, bah ouais, mais bon, c'est normal, quoi, c'est classique. Enfin, normal. En fait, Guigui, je m'attendais à un fantasme plus fou de ta part. Non mais un fantasme, c'est un petit truc que t'as vraiment truc que t'as envie de faire. Non mais une envie là soudaine là, t'as envie de quoi là? T'as avec ta meuf là, t'aimerais qu'elle te fasse quoi? Ah putain, y a un truc qui est pas mal. Ah vas-y, viens. Enfin. Non, se faire sucer quand tu joues à la play. Ah bah voilà, ça c'est un fantasme. Mais c'est pas un truc de fou quoi. Après tu vas pas la rendre folle, mais c'est un fantasme. Au moins c'est un truc un peu original, Guigui. Ouais. Ah, tu poses la main sur la tête et tout. Marie, je vais la play ce week-end, tu fais quoi toi? Tiens, vous en avez des fantasmes. Me faire sucer par deux meufs, simple, basique. Romano BLC qui nous envoie un message. Un bon fantasme, faire crac-crac sous la douche dans le noir lors d'une nuit d'orage. Tiens, encore un fantasme. Meta, lui, il a envie de baiser à la fac. Voilà, baiser dans les chiottes de la fac ou à la fac. T'as pas dit dans les chiottes, hein, c'est moi qui ai rajouté. Toi, c'est baiser à la fac. Bouffer un cul pour Momo. Tu vois, Momo, 33 ans, lui, il a envie de bouffer un cul. Il y a Tariq, moi, salle de sport avec une meuf en legging. Voilà, tu vois. Pas ça, mal, c'est ça, Tariq. Ça, c'est du fantasme. Qu'est-ce que vous avez comme autre. Bah, c'est la sodomie, apparemment. De qui? Barra. Barra. Et Alex FR, moi, c'est se faire sucer en conduisant. Bah voilà, un beau fantasme, faire sucer en conduisant. Me taper. El Porto, Marie te propose de baiser sur un jet ski, là, un plan. Est-ce que ça t'intéresse? Super. Ou est-ce que tu l'as déjà fait? Non, ça va aller, merci. Tu l'as jamais fait? Cool. Non, j'ai fait pédalo. C'est claqué un pédalo. Ouais, c'est claqué. Ouais, ça fait moins rêver. C'est mieux ça un jet ski. Ça fait moins rêver. Que le jet ski, ouais. Pédalo. Ah, sur des bateaux aussi. Sur une barcasse. Ah ouais. Sur un matelas pneumatique. Totof, lui, baiser avec deux femmes. Anto du 76, lui baiser la prof de maths. Voilà. Faire l'amour avec deux filles en même temps pour Brian. Même salut Brian. Love, prendre le trou du cul de ma chef sur son bureau en pleine journée. Ah, voilà. C'est précis, ça. La secrétaire de mon taf, mais elle est dégueulasse pour Alpa de Jojo. Salut Alpa de Jojo. Si c'est moi le pouce, écarter la grosse chatte de Marie, mon fantasme. Ah, bah, super. Dizzy du 51, moi j'ai tout fait, sauf plan A3 avec deux filles. Donc toi, ton fantasme, si j'ai bien compris, c'est plan A3 avec deux filles. Pas mal. C'est ça. Deux meufs, Guigui, un plan A3? Ah, bah, je dis pas non, évidemment. Bah, qui dit non dans l'équipe? Ouais, moi. Ouais, ça me dit... Ah ouais? Non, c'est pas. Non, mais parce que toi, t'as une meuf et tout, machin, mais on te dit. Non, mais même, ça a jamais été un truc. Moi, les trucs à plusieurs, je préfère en baiser une bien comme il faut, tu vois. Ah ouais, c'est ok. Je vois. Bien comme il faut. Il se concentre sur une nana. Tiens, me faire sucer par. Putain, les faqueux, vous êtes chauds, hein. Me faire sucer par deux meufs de ma promo.
Ouais, c'est bien. Ouais, des meufs que tu vois tous les jours autour. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas mal. Couille de loup, baiser ma DRH dans son bureau vitré. C'est bien ça aussi. Ah, il y a Amo, lui, me faire éjaculer dans la gueule par une 300aine de mecs. Ah ouais. Toi, Amo, douché, très 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 chaud. Baiser en haut de la Tour Eiffel pour El Porto. Lécher les deux boules d'un mec. Il y en a qui doivent le faire, hein, je pense, ouais, les trucs comme ça là. Donc quoi, baiser en haut de la Tour Eiffel? Non, mais tu vois, discrètement, contre la rambarde. Ouais, trop de passage, gros. Tu peux pas. Bah, je pense. Tout en haut, c'est un restaurant. Tout en gros, c'est bon. Non, non, tout en haut, non, il n'y a pas de restaurant. Ah ouais, ah, je crois non, c'est. Un truc d'observation. La maison de Gustave Eiffel. Oui. Ok. Le truc, t'as une espèce d'appart, une reconstruction d'un appartement. Non, mais moi, je pense que ça, il y en a déjà qui ont déjà essayé, tu vois. Genre contre la rambarde discrètement, tu vois ce que je veux dire, avec la petite jupe. Ouais, ouais. Bon, évidemment, ouais. Pour le challenge. Tu vas pas te foutre à poil devant tout le monde en train de ken, avec les enfants à côté qui sont là. Ah, c'est super à Paris. T'imagines, ils tombent sur une dada à quatre. Vous avez plein d'idées, les filles. Moi, faire l'amour avec le collègue de mon mari et mon mari. Oh. Bah, tu vois, c'est Amélie qui nous envoie un message, elle a 29 ans. Salut à toi. Ton mari est au courant. Putain, ouais, je vais être content. Ouais. Hein, c'est marrant, ça. Tu le prendrais comment, Guigui? Tu sors avec une meuf et puis elle te dit, j'aimerais faire l'amour avec un de tes collègues. Bah, tiens, je prends au hasard, Cédric. Ouais. Ouais. Ah, je me dirais, ah ouais, merde, quand même, putain. Enfin, Ouais, merde. Chilé, bah. Alors, on va se calmer. Attends, moi, j'ai pas dit, mais ça parle mal. Non, pas du tout. Non, mais dans le sens où. Tu vas le regretter, ce que Non, mais dans le sens. Excuse-toi, Guigui. Non, mais dans le sens où je lui dirais, putain, mais je serais dégoûté. Je lui dis, mais en fait, je la comble pas, la meuf et tout. Je me sentirais comme une merde. Non, mais c'est un fantasme. Non, mais que ce soit Cédric ou un autre. Non, mais en même temps, en baissant avec Cédric, tu paraîtrais pour un bon coup. L'autre, chaque seconde. Pas sûr. Le triangle du gibier, il a 23 ans, me taper une collègue qui a 25 ans de plus que moi. Baiser une star, c'est mon fantasme pour Caillou. Quelle star? Dis-nous. Ah ouais, c'est pour la star, ouais. Star, ouais. Ah, moi, une star du porno, quoi. Ah, toi, t'as baisé une star du porno? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Mais qui comme star? Ah, il y en a plus, une star américaine, t'es une meuf que. Pff, qu'en France, il n'y a plus de vraie star. Dans le monde entier, il n'y a plus. Genre Mia Khalifa, tu. Non, elle est trop. Non, oh, trop. Comment ça? Bah, genre, mais franchement, moi, je comprends pas. Moi, je l'ai vue en vrai, tu vois. Bah oui. Bah, les petites de taille. Non, mais je vois pas. Non, mais je vois pas les mecs qui bandent à fond sur elle. Parce que franchement, la meuf, elle casse pas trois pattes à un canard, quoi, tu vois. Ouais, il y a des meufs mille fois plus bonnes qu'elle, quoi. Il y a SRFC du 35. Il y a une collègue qui a les cheveux bouclés. Il y a un collègue qui lui avait un fantasme, il voulait lui gicler dans les cheveux. Oh le bâtard. Lécher le cul de ma voisine. Non mais c'est bien, vous avez plein d'idées là depuis tout à l'heure. Tu vois, Guigui, ça te donne des idées. Bah c'est clair. Une voisine, non plus. Non, elles sont un peu plus âgées. Donc ça me motive pas, non. Bon, voilà quelques petites idées. T'as jamais branlé sur une voisine? Non. Mais ils ont pas des enfants, j'allais dire, mais quoi, des gens, oui, mais des gens de ton âge, tu vois. Non, même pas en plus. Ah, pas de bol. Même pas, ouais, pas de chance. Je veux dire, c'est pareil, putain, mon immeuble, c'est une maison de retraite, quoi, le bordel. Ah ouais, c'est vrai. Seul jeune qui était là, mais ils sont barrés tous. Et un fantasme réalisé, tiens, il y a Clouk qui nous envoie un message. Fantasme réalisé, j'ai bouffé le cul, tandis que l'autre fille, j'ai bouffé la chatte. Et après, on a changé. Voilà, en fait, t'as passé la soirée à bouffer, toi, moi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, régale-toi. C'est bien. Merci. Bon appétit, bien sûr. Merci, Cluc, pour ton message. Bon, bah voilà, on aura débloqué pas mal de monde ce soir. J'espère, en tout cas, Marie. J'espère. Et Malti, moi, mon rêve, mon fantasme, c'est de baiser la femme de mon pote. Et bah voilà. Mais je le ferai pas. Malti, 18 ans. Salut à toi, Malti. Bon. Mais Marie, bon courage pour la suite, hein. Mais Marie, je pense qu'il faut que tu tombes amoureuse et que tu tombes amoureuse d'un mec qui aime le sexe. Et, ouais. Et à partir de là, tu vas te lâcher. Tu retrouveras l'orgasme. Parce que pour l'instant, t'as rebaisé. T'as eu ton mec qui baisait pas, donc. Alors, 10 ans. Ouais, enfin, qui était pas très chaud, ouais. Il baisait, mais bon. Et puis après, t'as eu juste des plans cul, donc t'as eu l'amour avec un mec qui était pas bon au lit. Et puis t'as eu des plans cul qui étaient bons au lit, mais t'avais pas l'amour, donc ouais. Peut-être en mélangeant les deux, le cul, donc bon. Tu retrouveras le plaisir. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, j'espère trop vite. On verra bien. Bon. Sinon, t'attends du full. Hein. Eh ben, avec plaisir. Allez, on va t'envoyer du full. Je crois que partir cet été, faire un petit tour au Québec. Ouais, bonne idée. Bisous à toi, Marie. Bisous. Bisous l'équipe. Salut Marie. Bisous. Salut Marie. Ciao, ciao. On va revenir demain soir dès 21h. Radio Libre, 21h minuit. C'est tous les soirs. Et le morning demain matin, on est là en direct. Venez vous réveiller avec nous. Il y a des séjours au parc Astérix à gagner. Avec la nouvelle attraction Toutatis qui va à 110 km/h, un truc de ouf. Ah ouais? Donc, on vous offre votre séjour. Votre week-end à Astérix. Elle n'a pas été élue meilleure attraction personnes. Du monde ou un truc comme, je crois. Hein. Plus rapide d'Europe, je crois. Ah, ok. Ouais, il y a eu un titre en tout cas. C'est la plus rapide d'Europe et vous la gagnez, enfin, vous gagnez tout sur Skyrock. Demain, en plus, il y a plein de week-ends au mois de mai, donc on vous offre votre séjour Astérix pour 4 personnes. Profitez-en, vous gagnez vos 1500 euros
J'espère aussi, on croise les doigts, si vous répondez Skyrock, le morning, c'est pour vous. Et puis on va bien rigoler ensemble. Demain, on est là dès 21h le soir, dès 6h le matin. Et là tout de suite, c'est Corentin. Le son de Skyrock toute la nuit, c'est Urban Music non-stop. Bonne nuit, profitez bien. Et à demain. Ciao.